finalement qui était à l'horizon de l'enjeu, qui était à l'horizon de toutes les questions que nous abordons en réalité. Nous allons aborder ce thème d'abord avec mes amis Jean-Louis Bonin et Olivier Carreau, qui ont travaillé depuis très longtemps pour ce qui concerne Jean-Louis à la mise en place d'une politique culturelle que tout le monde connaît un peu, de près ou de loin, s'il est sensible à la question culturelle. C'est la politique culturelle de la ville de Nantes, connue internationalement, et qui a conduit à un projet urbain, qui s'est mené parallèlement à un projet urbain, auquel Olivier Carreau a beaucoup travaillé avec Laurent Théry, dans le cadre de société d'aménagement qui s'appelle la Savoie. Société d'aménagement de la métropole ouest atlantique, voilà, merci Olivier, qui par ailleurs gère un projet aujourd'hui, ce qui a été déclenché par Laurent Théry avec Olivier Carreau, évidemment sous la commande de Jean-Marc Ayrault, qui est le maire de Nantes, et développé sur l'île de Nantes quelque chose qui s'appelle aujourd'hui le quartier d'inflation. Ils ont développé sur l'île de Nantes un projet qui est très très lié à la politique culturelle qui a été lancée il y a plus de 20 ans. Voilà, donc ils vont nous parler de ce qu'on pourrait appeler du territoire urbain au sens classique du terme, finalement, une zone urbaine au sens des catégories traditionnelles, et de ce qui, dans le contexte du numérique, pour les questions qui se posent aujourd'hui autour de ce type de démarche. Ensuite, de quoi ? Nous aurons une intervention de François Hertz. Je cherche mon programme pour vérifier qu'il n'y a pas de bêtises sur le programme, parce que tout à coup, je l'ai pas sous les yeux, donc je vous parle un petit peu de moi. Oui, c'est ça. Nous aurons une intervention de François Hertz, que je remercie beaucoup d'être venu, qui est très occupé, on l'est tous, mais il est beaucoup. Et on rebondira sur ce que Jean-Louis Bornier vous a présenté hier, à savoir la démarche du nouveau commanditaire. Là, nous pourrons en parler avec François Hertz en détail, notamment par rapport à la charte qu'il a mise en place, qui est quelque chose sur le plan des techniques de soi au niveau d'un territoire, que je trouve extrêmement intéressant. Voilà. Pour moi, c'est un document de la technique de ce que la thérapeutique de l'art. Je ne sais pas si lui-même sera d'accord avec ce genre de dénomination, hein, ça mérite une discussion, bien entendu, mais en tout cas, c'est une chance pour nous qu'il soit là. Et après la présentation d'hier, à partir du cas de nous aurons ensuite une intervention de Jean-François Chintrault, qui est directeur adjoint de la déléguée adjointe de la PDAI, qui est une nouvelle direction dont tu nous expliqueras d'ailleurs. Voilà, il nous expliquera un petit peu ce qu'il y a eu beaucoup de transformations dans le ministère de l'Agriculture ces derniers mois, années, et il nous en parlera un petit peu, et ensuite il nous parlera de la politique culturelle qui se met en œuvre dans le contexte contemporain, d'une part au territoire, d'autre part dans le contexte numérique, donc tout à fait au cœur de notre sujet. Ensuite de quoi je ferai peut-être une petite, très petite, si on en a le temps, une tentative de synthèse de ces deux journées, rassembler un petit peu tout ce qui se sera dit pour reconstruire un petit peu le fil, peut-être pour essayer de travailler aussi des perspectives pour la suite, si, ici ou ailleurs. Et puis il y aura une intervention de Robin Renucci, qui malheureusement peut être avec nous, parce que Robin, lui aussi, est très très gentil de nous voir, parce qu'il est en répétition en ce moment, il est entre les places au TNP depuis un peu. Au TNP depuis un peu. Et il vient exprès depuis Lyon, en voiture, avec moi. Il arrive, il a le dernier pour présenter les Traits de France son grand projet. Mais en quelque sorte, après avoir choisi parmi les agriculteurs pour diriger une autre région de France. Et puis, il repart immédiatement à Lyon, je l'accompagne d'ailleurs. Voilà, donc, il fait un passage éclair, mais ce n'est pas du tout parce qu'il se prend pour une vedette. Il en est une de toute façon, on n'avait pas besoin de se prendre pour une vedette. Et c'est parce qu'il est en répétition et il ne peut pas faire autre chose. Donc, je laisse la parole. On va essayer de faire un duo. En tout cas, pour moi, c'est avec plaisir parce que je pense qu'on représente cette notion de transmission qui, moi, m'est chère, puisque je dois arrêter ou j'arrête mes activités sur Nantes cette année, même si je pourrais
toujours un œil sur cette ville qui est importante pour moi de travailler cette expérience et un contact avec Jean-Marc Ayrault, le maire de cette ville. Donc avant de vous parler des enjeux actuels et d'articulation entre les pratiques culturelles, la politique culturelle et le développement du territoire, et d'essayer de nous dire aujourd'hui quelles sont les grandes questions qu'on peut se poser, les difficultés qu'on va rencontrer. Pour moi, il me semble qu'on abordera toute une série de questions comme autour de l'île de Nantes, qui est un grand projet de ville que présentera Olivier tout à l'heure, comment conserver des espaces mixtes, comment permettre que les ateliers d'artistes continuent d'exister, qu'ils aient toute leur place, et qu'on n'ait pas ce phénomène de gentrification, comme ça se passe souvent dans ces nouveaux espaces urbains qui se développent. Deuxième question ou enjeu qu'on essaiera de discuter peut-être après avec la salle aussi, c'est comment est-ce qu'au niveau de la ville de Nantes, on peut poursuivre le décloisonnement des politiques publiques. Comment faire qu'on ne soit plus dans une réflexion cloisonnée, la politique de la culture d'un côté, la politique économique, la politique urbaine, mais que tout ça s'intègre dans une vision générale et qu'on poursuive ce travail de groupe qu'on a mené depuis déjà une dizaine d'années. Se poseront toutes les questions sur le lien entre l'université, la recherche et le secteur créatif. Et j'espère que d'ailleurs le projet de l'île de Nantes sera en partie une réponse à ces réflexions. J'espère que dans les doutes que j'ai, les combats, je sais qu'il faudra mener encore dans cette ville, c'est quelle capacité des pouvoirs publics auront d'organiser leur gouvernance, d'organiser leur administration, qui parfois peut être un peu trop technocratique, pour être à l'écoute de la société civile. Car je suis persuadé qu'il n'y a pas de politique culturelle s'il n'y a pas l'émergence sur un territoire de cette pensée contributive que vous évoquiez à plusieurs reprises et que le rôle de la société civile est essentiel. Malheureusement, parfois, j'ai le sentiment qu'il y a des blocages, on en reparlera tout à l'heure, au niveau de la gouvernance. Et pour moi, c'est une question politique essentielle. Un autre thème que l'on pourra aborder tout à l'heure, c'est aussi comment repenser et toujours penser le foisonnement. Comment sortir des institutions culturelles, traditionnelles, parfois lourdes, et favoriser ce qu'on appelle un foisonnement créatif, en remettant en cause les hiérarchies souvent imposées par le ministère de la Culture ou parfois les collectivités qui reprennent ces discours habituels du ministère. Comment favoriser le travail des amateurs? Je crois que c'était un enjeu de ces journées. Et comment retrouver sur Nantes, renforcer sur Nantes, cette notion de territoire réticulaire, contributif, qui est essentielle. Enfin, une des questions qui, moi, m'est chère, et j'espère développer dans les années à venir, que ce soit à Nantes ou dans d'autres villes, puisque il est possible que je mène un travail avec la ville de Toulouse, une réflexion, comment repenser le lien entre le secteur culturel et le secteur socioculturel, non pas sur les débats traditionnels, mais comment avoir des projets dans les quartiers, y compris en repensant complètement l'architecture de lieux, où des artistes, des amateurs pourraient venir s'exprimer, travailler avec les habitants, et où là aussi la commande soit différente. Mais avant d'aborder ces questions qui me semblent au cœur des difficultés actuelles, des combats que nous devons amener dans cette ville ou dans notre ville, je voudrais rapidement, on va essayer de faire un historique, c'est-à-dire comment on en est arrivé là aujourd'hui à se poser ces questions, à voir l'enjeu de ces politiques culturelles articulées au développement du territoire. Faire un rapide historique des 20 dernières années. Sachant que, même si je vais très vite, je vais essayer d'expliquer comment on en est arrivé là. C'est-à-dire après les années de crise sur Nantes, dans les années 80, fermeture économique très lourde, fermeture de chantier naval, fermeture de l'agroalimentaire, fermeture de l'entreprise, une vision de territoire souvent en grève, en difficulté. Comment est-ce que, au cours des années, on a réussi à recréer une forme d'espoir, d'envie, d'initiative, d'innovation et de créer un territoire, oui, on peut dire attractif, en tout cas pour ceux qui y travaillent, c'est un vrai plaisir.
En fait, le maire en 89, Jean-Marc Ayrault, avait décidé deux points, de donner deux priorités. Une priorité sur tout ce qui est projet urbain et tout ce qui est politique culturelle, en sachant que ces deux points-là devaient être moteurs du développement du territoire et de la transformation complète de la ville. Alors, sur la culture, je vais essayer d'évoquer 4-5 points rapidement qui, pour moi, ont été des enjeux importants, des moments qui ont fait basculer. Parce que pour nous, l'idée c'était aussi de dire comment est-ce qu'on va développer un récit de la ville, comment est-ce qu'on va créer un imaginaire dans cette ville et faire que les habitants s'approprient cet imaginaire, développent un nouvel imaginaire de la ville et soient fiers de cette ville. Je crois qu'un des points marquants, c'est le travail que nous avons mené sur la notion de l'histoire. Et y compris de l'histoire enfouie, celle qu'on n'avait pas trop envie d'évoquer dans la ville, et notamment autour de la Psat Negrières. Une des grandes expositions que nous avons faites à ce moment-là, autour des Anneaux de la Mémoire, qui abordait pour la première fois une ville osée aborder ce pan de son histoire. Alors évidemment, cette exposition a eu un énorme succès, elle a suscité quand même des débats lourds, forts, à l'intérieur de la ville, des oppositions, des divergences entre élus, mais aussi parfois des débats sur cette notion de est-ce un travail de mémoire, est-ce un travail d'histoire, et ce qui nous a amené progressivement à faire passer l'idée que non seulement il fallait assumer cette histoire enfouie, il fallait la révéler, mais qu'en même temps il fallait travailler autour non seulement de la traite des Négrières, mais aussi de l'abolition de l'esclavage. Et que ces choses enfouies, l'histoire, devaient ressurgir, devaient être réévoquées. Je crois que ce temps-là a été un élément important dans la vie, d'appropriation de l'identité, de l'histoire. Ce qui a amené ensuite à faire un projet très lourd, très important, de réaménagement du château. On voit une photo de l'extérieur de sa restauration et à l'intérieur, l'aménagement d'un musée de ville. Avec l'idée pour nous que si les habitants appréhendaient l'histoire de leur ville, les grandes périodes de leur ville, ils seraient aussi mieux en mesure de se projeter sur l'avenir. Et donc ce projet de musée de ville, je vous conseille de le visiter parce que je crois qu'il est assez unique. Permet à la fois d'aborder un certain nombre de grandes tensions, questions qui ont concerné l'ensemble de ce territoire. Alors évidemment, toujours les questions sur Nantes et telle en Bretagne, mais aussi les questions de guerre, guerre au moment de la Révolution avec la Vendée, les Chouans, les périodes industrielles ou autres. Et ça a souvent suscité des débats à l'intérieur. À la fois municipal, professionnel, mais aussi avec la population. Et je pense que aucun des projets que j'ai pu connaître pendant ces 20 ans s'est fait, même si maintenant on a un récit qui a l'air fluide, facile, à chaque fois ça a toujours été des combats, des confrontations, des divergences. Il fallait convaincre, il fallait parfois imposer, en tout cas il fallait des élus qui aient une vision, une volonté, et qui acceptent de prendre des risques. Et je crois que c'est vraiment une notion essentielle. Ce projet autour de l'histoire amène aussi à ce qu'au mois de décembre, on va inaugurer donc un monument, un mémorial à l'abolition de l'esclavage, réalisé par un artiste, mais qui est une œuvre très, très importante, vous en entendrez parler. C'est ce qui a amené aussi à la création d'une revue qui paraît tous les trimestres et qui pose des grandes questions sur toutes les questions d'actualité, qui s'appelle Place publique, pose des questions avec les universitaires sur toutes les interrogations de la ville, de son histoire et des questions contemporaines. L'exposition qui est au château est à la fois permanente, mais aussi il y a des expositions temporaires qui, elles, posent des questions d'actualité sur les grandes questions d'aujourd'hui, de réaménagement de la ville, les grands projets urbains, ou bien des questions comme actuellement une exposition dont le thème est les Nantais venus d'ailleurs. Donc vous pouvez voir toute l'actualité qu'il y a derrière cette thématique. Donc pour moi, l'histoire a été un point essentiel de notre politique culturelle.
Deuxième point essentiel de la politique culturelle, c'est d'avoir eu l'avènement de repenser complètement notre politique, complètement, presque tous nos outils. Alors, avec dès le départ une volonté d'ouverture à l'international, de dire qu'il faut absolument que les acteurs culturels de la ville sortent, aillent à l'étranger, qu'il y ait une politique offensive de connaissance au-delà du territoire. Et un festival qui a beaucoup marqué la ville et un festival qui s'est appelé Les Allumés, qui a duré, la volonté est qu'il dure 6 ans, qu'il ait lieu en invitant 6 villes différentes chaque année, en invitant 100, 200 artistes de cette ville pour investir la ville. Avec l'idée qu'on allait mener un travail justement sur cet imaginaire de la ville, de parcours dans la ville, que des artistes venant du Caire, d'autres pays, d'autres villes, s'emparent de lieux non habituels. Et donc les spectacles avaient lieu dans des espaces non prévus, pas spécifiquement, dans tel ou tel théâtre ou dans tel ou tel musée. Et je crois que les spectacles avaient lieu toute la nuit, et donc on pouvait voir déambuler dans la ville pendant la nuit, en fait, les habitants d'un lieu à un autre, redécouvrant l'imaginaire de leur ville, redécouvrant physiquement la forme de leur ville. Et ça aussi, je crois que ça a été un moment important d'appropriation et de regard d'un autre imaginaire venant de l'artiste étranger. Je pense qu'à partir de là, on a été la première ville à signer un accord avec le ministère des Affaires étrangères pour favoriser la mobilité des artistes de notre région. Et pour, en même temps, accueillir en résidence de nombreux artistes et favoriser progressivement cette notion d'échange qui me semble essentielle. Pour ce qui me concerne, j'ai mené un travail régulier pendant une quinzaine d'années avec le Japon, mais maintenant, on a plus de 100 ou 250 artistes nantais ou équipes nantaises qui ont travaillé avec le Japon. Mais au départ, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, on dit assez bien, la folle journée se fait à Tokyo, il y a 1 500 000 spectateurs, c'est le renommé de Nantes, etc. Mais la toute première fois où je suis allé voir mon directeur de service en disant j'aimerais bien qu'on développe des projets avec le Japon parce que je pense qu'il y a un lien possible. Sa première réaction, il m'a dit, mais tu ne vas pas aller au Japon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec Tokyo, on n'est pas de la même dimension. Notre ville est bien trop petite, et j'avoue que j'y suis allé sur mes congés, j'ai pris un certain nombre de contacts, et depuis, on a lié des liens importants avec ce pays. Donc ce n'est pas une question de taille, là encore. Je crois que si on a un projet fort, identifié, on trouve toujours les partenaires. Et dans ce cadre, avec le Japon, ma volonté aussi était de dire on va créer un dialogue entre villes françaises et villes japonaises, ou villes d'Asie, puisque le Japon était prêt à structurer plusieurs villes d'Asie pour travailler avec des villes françaises. Et je l'évoquais hier avec Pierre Belz, la difficulté aujourd'hui, alors qu'on a des métropoles qui pourraient être des pôles importants, et qui, si elles travaillaient ensemble, serait en capacité d'avoir des forces même plus grandes que l'État, le mal que j'ai eu à essayer de réunir 3-4 métropoles françaises pour dire on va travailler ensemble et être présent avec nos artistes, même s'ils ne sont pas de notre ville, mais être présent sur l'Asie. Et là, je crois qu'il y a un pas sur lequel il faut sauter, qui est d'aller beaucoup plus loin sur ce travail entre ces métropoles. Il faut qu'elles arrêtent d'être qu'elle soit concurrente dans l'esprit d'une dynamique, d'une volonté de se développer chacune, mais elles doivent travailler ensemble, coopérer pour être présentes à l'international. Donc cet axe international, pour moi, était un deuxième point extrêmement important. Troisième point important de notre politique, ça a été de dire tout de suite, on va investir l'espace urbain. Et les spectacles que l'on veut développer dans le contact avec la population doivent être dans l'espace urbain. Et là, on montre une photo de Royal Deluxe, qui est effectivement une compagnie emblématique que moi j'avais connue sur Toulouse et que la ville de Toulouse à l'époque ne prenait pas en compte et qui a trouvé toute sa place à Nantes, mais aussi là parce qu'il y a eu des choix courageux au niveau politique. Autre manifestation, celle des Belles Chaises qui réunit des artistes plasticiens et des amateurs
dans la rue, avec tout un travail pendant l'année entre amateurs et professionnels, avec la volonté d'occuper l'espace public. De nombreuses autres manifestations ont lieu dans cette volonté d'aller au contact avec la population et de prendre main sur l'espace public, ne pas laisser l'espace public comme un espace marchand, autre, mais que le pouvoir public, les artistes, les créateurs s'en emparent. On a mené un gros travail sur la volonté de retrouver le lien au fleuve ou aux rivières, puisque une partie des rivières de Nantes avait été comblée après la guerre et était devenue des routes. On souhaitait que là où il restait encore des espaces d'eau, on se les réinvestisse, et c'est pour cette raison qu'on créait un festival comme les Rendez-vous clairs autour du jazz et de l'économie, qui sont en 300 000 spectateurs, je ne sais pas exactement le chiffre, peu importe. Gratuit, et là aussi avec une notion de volonté de réappropriation de la rivière. De la même façon, tout à l'heure, je pense que tu en parleras sur l'appropriation de la Loire avec le projet Île de Nantes et le projet Estuaire, qui est un projet important et emblématique pour nous. Autre orientation que l'on voulait importante, c'était celle de réinvestir aussi toutes les friches industrielles. On a dès le départ passé un accord avec le service de l'urbanisme sur la volonté de dire dès qu'un quartier doit être réaménagé, transformé, il faut toujours 2 ou 3 ans. Donc, on passe un accord, vous le mettez à disposition du service culturel et on va permettre à des artistes de travailler dans ces lieux. Et dans certains cas, ces artistes sont restés et ont développé des projets qui sont devenus suffisamment emblématiques pour créer un tel, par leur expérimentation, un tel rapport de force, entre guillemets, qu'ils sont restés, même y compris après, quand un nouveau projet urbain est venu. Ils sont restés comme un élément unificateur de ce cas. Un des exemples, là je pense au Champ de Mars, enfin tout le quartier Champ de Mars, où il y a un groupement d'artistes tout à fait important, et y compris la présence de revues, de maisons d'édition, etc. Autre projet, c'était celui de Lu, scène nationale, réinvestie dans ce bâtiment que l'on voit là, de la fabrique Lu. Ça n'a pas été simple non plus, parce que maintenant, tout le monde dit qu'il y a beaucoup de lieux qui réinvestissent comme ça les friches industrielles. C'était en 1995 que nous commencions à travailler sur ce projet. Je peux vous assurer qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de lieux. Il y avait la belle de mai qui devait commencer à avoir ce type de réflexion, mais pas porté par la ville de Marseille. Mais ce n'était pas si simple de dire on va inventer une scène nationale où l'idée est on crée un lieu qui doit devenir un lieu de vie avec un partage avec des activités privées, de librairies, de diverses, de restaurants, etc. et les activités publiques. À l'époque, le ministère de la Culture ne voulait pas participer au financement de l'ensemble. Il disait nous, on veut bien participer au financement, mais que sur la partie du théâtre. Et le théâtre, on veut que ce soit une boîte noire. Donc de chance, l'architecte que nous avions choisi, Patrick Bouchard, voulait faire au contraire un lieu assez ouvert, où la lumière puisse rentrer, où on puisse voir les gens en train de répéter et de travailler depuis l'extérieur, enfin bref. Donc ça aussi, ça a été un combat pour imposer ce projet, qui maintenant est reproduit dans beaucoup de villes. On a souvent pensé, dans l'autre fonction au-delà de ce réinvestissement d'espace public, une des batailles a été aussi de se dire il faut repenser la relation entre, même presque de consommation, mais entre le spectateur et le spectacle, d'où la folle journée, par exemple, qui a été une réflexion sur un nouveau concept de manifestation de musique classique. Je ne vais pas m'attarder là. En fait, toute cette politique qui a duré une vingtaine d'années a créé un tel mouvement que beaucoup d'artistes sont venus s'installer sur Nantes, y ont développé leurs pratiques, ont développé des collectifs, à tel point qu'à un moment, j'ai bien vu que la direction à la culture était débordée, dépassée, ne pouvait pas répondre à l'ensemble des demandes et des sollicitations. Parfois parce que c'était des labels de disques, c'était une maison d'édition, des accompagnateurs d'artistes qui venaient nous voir en disant « mais on voudrait une subvention, on voudrait une aide » et on ne pouvait pas répondre sur ce secteur qui apparaissait hors de la politique culturelle.
culturelle traditionnelle sur laquelle on était. Et à cette époque, on a fait toute une série d'enquêtes pour voir quel était le poids de ce secteur économique, pour essayer de peser. Et c'est là où je pense avoir eu l'idée de la création d'un groupe soutenu par l'Europe qui réunissait une dizaine de villes, Cardiff, Birmingham, Eindhoven, sur l'idée de comment est-ce qu'on réfléchit pour qu'une ville, un territoire, soit attractif à la fois pour les artistes, mais attractif aussi par tout l'environnement créatif, par tous les gens amateurs qui veulent créer, développer des projets au coup par coup, et qui ne rentrent pas dans la logique institutionnelle de label, le label scène nationale, le label le musée, etc., les structures habituelles qu'on trouve un peu partout. Comment soutenir ce foisonnement? Comment soutenir cette initiative, y compris de groupes qui vont venir sur un projet, peut-être disparaître après, ou se réorganiser autrement? Et avec ces partenaires, et j'ai beaucoup appris des anglo-saxons, j'avoue, pendant ce travail, on était pilote de ce groupe européen. Il y avait nous avions choisi 4 thèmes qu'on peut retrouver. C'est comment lier la formation, la recherche, les écoles, l'école d'art, l'université, etc., aux enjeux du secteur créatif, au développement de projets associatifs, contributifs, ou à toute initiative. Deuxième thème, comment favoriser de nouveaux investissements. Et là, on se posait les questions des microcrédits, des parrainages, des nouveaux commanditaires. Enfin, je n'aime pas cette expression, mais c'est exactement ce processus-là. Comment développer de nouveaux marchés publics hors du 1% habituel, notamment sur les entrées de ville. Comment faire que des projets d'artistes puissent passer, y compris sur le marché, avant un projet habituellement retenu par Bouygues ou autre. Troisième thème, c'est comment favoriser le passage de ce secteur créatif, inventif, jeune, souvent décalé, vers une société et de la société civile, vers des entreprises plus traditionnelles, plus habituelles sur le territoire. Comment créer un dialogue avec le secteur économique ou bancaire de la ville. Quatrième thème, c'était comment favoriser les échanges et les projets pratiques, élaboration de projets en commun entre des créatifs des différentes villes européennes. Donc tout de suite, se dire, tout projet doit être conçu à une dimension européenne. Donc aujourd'hui, on est en train de développer un nouveau projet qui s'appelle ECHIA. Alors, c'est une Nantes qui sera pilote, ça va être Amsterdam, mais avec les villes de Berlin, d'Amsterdam, de Barcelone et d'Helsinki. Sur ces réflexions-là, je pense que pour Nantes, c'est un enjeu important de s'interroger sur toutes ces questions de développement du territoire, non pas à partir des politiques culturelles, mais où le secteur créatif, culturel, la recherche, la formation ont toute leur place et sont moteurs de cette dynamique. Alors, tous nos projets, on les a toujours montés, souvent dans une démarche d'expérimentation sur du long terme, mais en ayant des projets que l'on calibrait et en les faisant monter progressivement. J'évoquais tout à l'heure le projet de la Folle Journée, la première année, il y a eu 5000 spectateurs lorsqu'on a lancé le projet. La deuxième année, il y en avait 10 000, puis 30 000, 40 000, on est à 150 000. Et à chaque fois, on cherche, on essaie d'expérimenter avec parfois des échecs, on abandonne le projet, on repart autrement, on le retravaille. Je crois à cette notion, moi, de prise de risque et d'expérimentation. Et un des territoires d'expérimentation, c'est ce projet autour de l'île de Nantes que Olivier va vous présenter maintenant. Et après, on reviendra aux grandes questions aujourd'hui, qui, moi, me font peur, et où je me dis qu'il va y avoir de grands combats encore à mener. Donc, je vais essayer de vous faire une présentation un peu rapide du projet d'île de Nantes, et puis, peut-être, je voulais commencer par dire, on voit bien que c'est une réflexion longue sur la culture, le projet urbain d'île de Nantes, il a démarré en 2000, et en même temps, la réflexion sur ce territoire, elle démarre bien avant, et elle est une réflexion plus globale sur le développement de la ville de Nantes, et toujours avec un réseau d'acteurs qui va rester autour de la table et qui va penser le développement de Nantes. Jean-Louis Bonin était autour de la table, Jean Blaise était à Nantes dans les années 90, Laurent Théry, qui a été à la tête du projet urbain de l'île de Nantes, était déjà au district avant la constitution de Nantes Métropole, puis à Nantes Métropole, puis a pris la tête de la Samoa. Et je crois qu'il y a aussi eu un décloisonnement possible et une capacité à penser une politique qui balaye à la fois des enjeux de développement urbain, qui s'accroche
culturelle qui essaye d'associer des réflexions sur l'enseignement supérieur, sur le développement économique, qui est liée au fait que ces projets ont été confrontés entre une série d'acteurs qui avaient des points de vue très différents. Alors l'île de Nantes, c'est cette tache orange qui est baignée par la Loire et qui est face au centre historique que vous voyez en rouge. C'est l'idée, non pas de refaire un centre-ville, mais plutôt de trouver une nouvelle échelle de centralité qui permette de devenir un centre, pas simplement pour la ville de Nantes, mais aussi pour la métropole, et puis on en reparlera un tout petit peu plus tard, qui soit aussi une perspective sur le grand territoire, puisque aujourd'hui, Nantes travaille notamment et régulièrement, de manière constante, progressive, avec Saint-Nazaire, dans une stratégie de développement commun. J'enchaîne avec cette photo, qui est une photo du milieu des années 60, où on voit bien que, en tout cas dans cette partie ouest qui fait face au centre-ville, le centre-ville est sur la gauche de l'image, on est sur un territoire qui est absolument industriel et portuaire, qui n'est pas du tout fréquenté par les Nantais au sens habitant, c'est des ouvriers qui viennent à cet endroit-là, il y a énormément d'ouvriers sur le site. Et en même temps, la ville tourne le regard au fleuve et tourne le regard à l'île de Nantes. On est sur un espace qui est particulièrement confisqué par les activités économiques. Le projet urbain va être engagé, donc consultation de maîtrise d'œuvre en 1999, par un marché de définition qui va être remporté par Alexandre Chemetov et Jean-Louis Berthomieu. Et ils vont répondre, et sans doute que ça va être un des ingrédients de leur succès, ils vont répondre avec une démarche très ouverte, où finalement, en s'appuyant sur une transformation de l'espace public et en essayant de ne pas trop figer la programmation, ils vont essayer au contraire de penser un processus de transformation qui s'appuie sur l'initiative des acteurs, qui part de l'initiative, qui pose des questions sur l'identité de ce site, et notamment sur le site des chantiers, on le verra, et qui va chercher à trouver des alliances avec les acteurs du territoire. On ne parle pas de projet contributif dans l'urbanisme, ça viendra peut-être un jour, mais ma foi, c'est vrai que quand on discute avec Bernard, ça fait écho un peu, et il y a en tout cas des convergences dans la manière de penser comment peuvent se développer les territoires aujourd'hui. Bon, je ne vous embête pas avec le plan guide, parce qu'on n'est pas là forcément pour parler de l'île de Nantes, mais vous voyez qu'il y a aussi un travail sur l'identité qui est fait, notamment dans le traitement de l'espace public, où on cherche à garder les traces du passé. Ici, des rails qui étaient liés à l'activité portuaire, juste à côté, une pile du pont transbordeur, qui a été un symbole de Nantes pendant tout un moment. Et puis ce rapport au centre historique, vous voyez le quai de la Fosse qui est juste au côté, on a par exemple par rapport à Bordeaux une relation entre les deux rives qui est très très, qui est très, très proche et qui vraiment marque que c'est la continuité de la ville telle qu'elle était jusque dans les années 2000. Et ça a sans doute facilité les capacités d'appropriation de ce territoire par les Nantais. Alors ça c'est la grande halle où les nefs principales dans lesquelles on construisait les bateaux, on est sur le site des chantiers que je vous montrais tout à l'heure en photo aérienne. Et ça va être un des endroits où la relation et la coproduction de l'espace avec les artistes, la réflexion commune entre l'équipe de Chemetov, l'équipe de Laurent Théry et puis les concepteurs de la machine, puisque ces deux vous parlent, vont permettre de donner un espace singulier et de donner une très grande présence de la création sur cet espace. On voit que l'envie, ça a été de dire finalement, on ne va pas faire un grand musée. Et à cette époque-là, il y avait des discussions très fortes à l'intérieur des équipes municipales. Est-ce que de ces nefs, on fait un grand musée dédié à l'art contemporain? Est-ce qu'on fait un grand musée dédié à la construction navale? Est-ce qu'on fait quelque chose dédié à l'histoire de la traite? Et puis finalement, le projet qui s'est imposé, c'est celui qui était le mieux classé par les bureaux de conseil, les bureaux d'études, le moins bien classé pardon, par les bureaux de conseil, les bureaux d'études, mais c'est celui qui prenait la suite aussi des politiques culturelles et qui était sans doute le plus lié à ce qui était produit par les acteurs sur le territoire. C'est le projet des machines de Lille, qui est un projet qui accompagne le projet urbain. Alors pourquoi il accompagne le projet urbain? Parce que la culture a cette capacité à ne pas être dans le temps de l'urbanisme. Souvent, quand on pense à un projet urbain, ça met beaucoup de temps à émerger dans sa réflexion, et puis après, il y a le temps de la mise en œuvre du projet. Un projet comme l'île de Nantes, c'est une vingtaine d'années pour sa réalisation. Et en même temps, la culture a cette capacité de parler tout de suite, de tout de suite retrouver des éléments d'identité et d'être comme ça un défricheur et un accompagnateur très très fort pour les projets urbains. Et l'idée de François de la Rosière, ça a été de proposer un projet qui organise une succession de réalisations à travers le temps du projet urbain et qui viennent s'installer sur tout le territoire de l'île de Nantes avec cette première réalisation
Vous voyez que c'est un éléphant qui est un peu dans, dans la suite de ce qu'il avait réalisé pour le Royal Deluxe, à la différence que celui-là est mécanique et qu'il n'est plus lié à un spectacle de rue, mais plutôt pensé comme un ingrédient permanent qui s'installe dans l'espace public. On n'est pas dans un parc d'attractions, d'abord parce que le contenu artistique est sans doute un peu éloigné de ce qu'on peut trouver dans un parc d'attractions, mais aussi parce qu'on est pleinement dans l'espace public. Moi, j'ai mon bureau qui est un peu plus loin sur le quai. Quand je vais au bureau le matin, ou quand je passe à midi pour aller déjeuner, je passe devant l'éléphant. Et ça fait partie de l'espace public, et la création est complètement partie intégrante du milieu et de cet espace du site des chantiers. Deuxième idée, c'est que, comme disait Jean-Louis, c'est très important d'expérimenter, c'est très important de tester, et de pratiquer, et de pouvoir aussi revoir ce qu'on pensait. Et il faut des lieux pour ça, et peut-être la justesse du propos de chez Metov sur ces halles, c'était de dire, finalement, j'en fais un espace public, je me contente de réhabiliter très simplement cette nef, je refais un peu la charpente, et puis on laisse, et vous allez voir que le vide va donner naissance à des projets. C'est pas un vide de contenu, c'est plutôt un espace des possibles. Et là encore, ça va nous poser des questions sur la suite, et sur comment est-ce qu'on peut libérer l'initiative et être capable de rentrer dans une autre manière de faire des politiques culturelles. Vous voyez que ça sert pour faire un drive-in. Quelques semaines après, ça sert pour accueillir un événement de musique actuelle. Événement de musique actuelle, on en reparlera avec Jean-Louis tout à l'heure, musique actuelle, création numérique, qui va préfigurer derrière la réalisation d'un équipement culturel qui était dans les cartons de la ville de Nantes depuis un moment. Et les acteurs des musiques actuelles disaient qu'il faut absolument qu'on aille sur la création numérique. Et je crois que je peux dire sans être gênant que tout le monde ne savait pas trop bien où ça allait. On parlait, c'était des rockers qui venaient dire l'avenir demain, c'est de se mélanger avec la vidéo, c'est d'aller voir des gens qui font de l'informatique. Et bon, ils étaient accueillis, certaines fois, de manière un peu dubitative. Donc, lancer ce festival et une fois par an, comme ça, avoir un événement qui croise la création numérique et puis les musiques actuelles, c'était aussi moyen de faire la démonstration par la preuve que d'abord c'était convaincant et que le public était au rendez-vous et que aussi ça faisait sens et que ça apportait des choses et que il y avait de la vraie création qui posait des questions sur le développement futur du territoire. Bon, voilà, ça c'est la manière de revoir cette nef. Deuxième très grand projet structurant pour l'île de Nantes parce que ayant donné de grandes interventions qui ont accompagné le projet urbain, qui l'ont même accéléré à certains moments, c'est Estuaire. Alors Estuaire, je parlais de la continuité dans la présence des acteurs sur le territoire, c'est encore Jean Blaise qui avait initié les allumés, c'est la suite intellectuellement des allumés, qui n'est pas appliquée à l'échelle de la ville, de la commune, qui est appliquée à l'échelle du grand territoire. Depuis très longtemps, Nantes et Saint-Nazaire essayent, alors d'abord sous l'impulsion de l'État, de se rapprocher dans leur stratégie de développement économique. C'est un espace industriel, notamment quand on arrive vers Saint-Nazaire, il y a une raffinerie, il y a des très très grosses installations classées, et puis en même temps c'est un espace auquel on n'accédait pas. Et pourtant c'est un espace naturel qui est très très beau, il y a une faune qui est magnifique, c'est un estuaire, et je crois qu'il y a beaucoup d'estuaires qui ont une très grande qualité de paysage, etc. Et les Nantais, les habitants de ce grand territoire, ne le fréquentaient pas. Donc c'est très très dur, et ça a peut-être été la bonne idée de Jean Blaise et de Laurent Théry, c'est très très dur de donner une image, et en l'absence d'une image et d'une identité partagée chez les habitants, c'est très très dur de pouvoir porter un projet politique de développement et de faire passer les idées sur ce développement. Donc l'idée, c'était de dire on va organiser un défrichage de ce territoire et on va emmener les Nantais sur ce territoire au motif et au prétexte d'une intervention artistique qui va devenir une grande démarche culturelle. Donc c'est un monument dispersé, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean Blaise. Une succession d'installations d'art contemporain dans l'espace public, qui est à la fois, ou plutôt tantôt, des interventions d'artistes, d'autres fois plus proches de l'architecture, et qui a été un moyen de mettre en mouvement les acteurs du territoire et d'associer à la fois les milieux économiques, qui sont devenus mécènes de la Biennale, en même temps les habitants, c'est notamment le cas sur l'œuvre que vous avez en bas à gauche, qui a été faite dans une toute petite ville du bord de l'estuaire qui s'appelle Pain-Bœuf, et où un artiste japonais qui s'appelle Maruyama est venu faire ce jardin étoilé avec les enfants des écoles, mais aussi avec la traitée, et aussi avec la pharmacienne qui n'aimait pas l'art contemporain, mais qui au bout de la troisième séance d'atelier avec cet artiste a dû en entendre parler par Sarkozy, puis finalement a été convaincue. Et puis maintenant, dans toutes les vidéos qui parlent d'estuaire, c'est sans doute la plus fervente défenseur de ce travail, de cette œuvre, etc. Une œuvre qui est entre
retenu par les habitants, puisque l'artiste ne vient plus, voilà, qui est un jardin public, qui en même temps a été l'occasion de travailler avec l'école d'architecture sur la construction à partir de matériaux de récupération, bref, une mise en mouvement et la volonté comme ça de décloisonner et de trouver une dynamique collective au motif d'un projet artistique sur le territoire. Ça a été aussi un accélérateur de projet sur le projet urbain de l'île de Nantes. Vous voyez, vous revoyez le dôme dans la perspective des anneaux sur la photo en à droite, c'est le quai des Antilles, on est au bout de l'île de Nantes. C'était prévu initialement qu'on fasse ce quai en 2012. Et puis le prétexte de la Biennale, la capacité à en rentrer en synergie, a fait que Laurent Théry a imposé à ses équipes, pauvres ingénieurs, de changer complètement le calendrier. L'atelier de l'île de Nantes et Alexandre Chemetov ont fait la même chose. Et puis cet espace public a été livré en 2007. Alors les plantations n'étaient pas là, il a fallu jouer des barrières, trouver des moyens de laisser le temps aux plantations se consolider. Mais en même temps, le jour de l'inauguration de la Biennale, il y a eu, du jour au lendemain, 45 000 personnes sur ce quai et sur le site des chantiers où on a vu l'éléphant tout à l'heure, alors que ça faisait 20 ans, puisque les chantiers avaient fermé en 2007, qu'il n'y avait plus aucun Nantais qui venait à cet endroit-là. Et du jour au lendemain, un projet urbain qui régulièrement met énormément de temps à se consolider, à faire partie de l'imaginaire et à faire partie du paysage intellectuel, j'allais dire, des habitants, et bien du jour au lendemain, ce morceau a réintégré l'imaginaire et la visualisation que les Nantais avaient de leur ville. Donc vraiment, un accélérateur du projet urbain et son appropriation par les Nantais. Aujourd'hui, c'est la balade avec la poussette le dimanche quand il fait beau et qu'on a la flemme d'aller au Bordeaux, qu'on a la chance d'aller à un peu moins d'une heure de voiture de Nantes, et avec des publics très mélangés qui ne sont pas forcément des amateurs d'art contemporain, mais qui viennent parce que l'espace est agréable et parce que c'est devenu un ingrédient de cet espace-là. Je termine en disant que peut-être ce qui est le plus marrant quand on a participé à cette démarche, c'est de voir des gens qui ne sont pas du tout fans d'art contemporain, qui ne sont pas du tout fans d'architecture, mais qui en même temps amènent le cousin, amènent le voisin et racontent ce projet, racontent l'histoire de l'œuvre, ce qu'elle dit, le sens qu'elle a, etc. Et avec un enthousiasme qui est assez stupéfiant. Et en même temps, on parlera tout à l'heure, et vous l'avez remarqué, on vous parle finalement toujours depuis tout à l'heure de deux acteurs culturels, et la question du foisonnement, elle devient prégnante quand on raconte comme ça, et on n'a pas l'impression que c'est si ouvert que ça comme projet. Dernier ingrédient, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait une démarche de décloisonnement des acteurs depuis l'enseignement supérieur, etc., et cette démarche, elle s'était cristallisée sur l'île de Nantes. Avant le projet urbain, l'État avait lancé son plan pour la création de... pour la reconstruction de nouvelles écoles d'architecture, et Nantes était sur la carte de France des écoles d'architecture. On n'est pas l'opération campus, mais on est dans le plan des constructions de nouvelles écoles. Et donc, l'école d'architecture s'est installée sur l'île de Nantes, vous voyez au bord du quai, comme ça, on est à quelques centaines de mètres de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça a été, pour notamment le nouveau directeur de l'école des Beaux-Arts, l'opportunité de proposer de monter un campus sur ces métiers de la création, et d'imposer l'idée finalement que si on voulait faire une nouvelle école d'art, puisque c'était dans les projets depuis le début des années 2000, ben c'était sans doute en mettant en synergie ces métiers qui ne sont pas exactement les mêmes, parce que l'architecture et les beaux-arts se sont séparés, vous ne l'ignorez pas, dans les années 60 ou 70, et en même temps elles ont tellement à se raconter, elles ont tellement de choses à leur donner, à partager, et de projets à mettre en commun. Donc sans doute l'idée ou l'opportunité de monter un nouveau campus, et un campus dans la ville, puisqu'on est dans un projet urbain, qui a vocation à organiser le mélange des activités, des populations, etc., comme le font l'immense majorité maintenant des projets urbains, notamment quand on est comme ça, un café. Dernier point sur l'école d'archi, je m'emmène dans le sens de ce que je veux vous dire, c'est la présence et la volonté du directeur de tout de suite s'ouvrir et de profiter d'un retour en centre-ville pour parler aux habitants et pour mailler les réseaux autour de son école, avec un toit panoramique qui fait une grande terrasse, qui fait... un peu plus de 1000 m², qui est accessible au public en journée, on peut monter en accédant par une rampe, et puis avec un lieu d'exposition où il organise, très souvent en coproduction, avec un aménageur, avec la maison de l'archi, avec qui lui propose un événement, on parlera de fabrication numérique à l'intérieur de l'école d'archi tout à l'heure, dans la suite de la présentation, permet comme ça d'avoir un discours sur les enjeux urbains, architecturaux, à l'intérieur de la ville, de développement durable, et est un lieu fréquenté. Je ne vais pas vous mentir, les conférences de l'école d'architecture, avant que l'école se déplace en centre-ville, il n'y avait pas tant de monde que ça. Et même, pour accélérer, j'accélère. Bon,
J'accélère en vous disant, la chance qu'on avait, c'est qu'entre l'éléphant et l'école d'Archine, on a 4 hectares et demi de friches qui sont issues du départ d'Alstom, et que ces friches, on ne savait pas trop quoi en faire, puisqu'au début du projet urbain, il était censé, ou on était censé faire une cité des biotechnologies à l'intérieur. Le coup de génie, ça va être de se dire, finalement, on peut rentrer en synergie et imaginer une mise en réseau des acteurs de la création, qui va se faire d'abord en invitant des entreprises, des secteurs créatifs, et en pensant ce que désormais toutes les villes pensent, le transfert entre les établissements d'enseignement supérieur et le monde économique. Donc, des grosses entreprises pour une petite ville, parce qu'on est quand même une petite ville, on est capitale régionale, mais il n'y a pas des entreprises de taille aussi conséquente qu'à Paris, vont devenir maître d'ouvrage d'opérations un peu singulières, vous voyez ces projets, et vont en même temps toujours chercher à rez-de-chaussée, c'était la consigne, à inscrire des fonctions ouvertes au grand public. Le projet précédent, il y a la maison de l'archi qui s'est installée à rez-de-chaussée. Dans ce projet un peu singulier, il y a un énorme showroom qui est très très visité, et puis une architecture un peu singulière. Encore un autre projet, je passe très rapidement. Et puis en même temps, on a conservé la pièce centrale, les grandes halles 1 à 6, pour essayer, bah, là encore, d'expérimenter. Et très tôt, on s'est dit, bah, c'est bien sympa toutes ces grandes entreprises, mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça sur le territoire. Et sans doute que, finalement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est la mise en réseau et la prise de conscience qu'il y a un tissu de très petites structures qui ont des statuts variables, des indépendants, des associations, des entreprises, et que tous ces gens-là, aujourd'hui, ont besoin d'espace pour pouvoir continuer à se développer et ont besoin d'espace qui permettent leur mise en réseau. Alors, je ne vous parle pas de technologie numérique pour assurer la mise en réseau, je parle d'un truc qui est vieux comme le discours économique sur le cluster, et qui est de dire, finalement, quand on associe sur un territoire physique concentré des acteurs qui ont à se garder, ben, il peut arriver que la mayonnaise prenne. On a donc réutilisé Béal Alstom et on a fait avec les bureaux qui existaient, et on a loué une porte à un locataire, pour le dire un peu simplement. On est tombé à une surface moyenne louée qui était inférieure à 40 mètres carrés, et on a réuni en l'espace d'un peu moins d'un an une cinquantaine d'entreprises et une quinzaine d'ateliers d'artistes sur un espace où comme ça les choses foisonnaient. Très intéressant, et en même temps, on ne savait pas si c'était un fantasme de dire que c'était chouette ou si vraiment il se passait des choses en termes de coopération. Donc on a invité un universitaire, il y a aussi des événements, je passe là-dessus, j'ai tout le temps. On a invité un universitaire qui s'appelle Dominique Sago, qui travaille sur l'économie de la culture, avec des gestionnaires et des sociologues qui étaient basés à Nantes, Dominique Sago étant à Angers, à venir s'intéresser aux coopérations et aux synergies qui se passaient à l'intérieur de ces halles pour essayer de voir comment se passait la mise en réseau et qu'est-ce que ça produisait. Il nous a montré qu'il y avait tout un tas d'échanges marchands, qu'en même temps il y avait tout un tas d'échanges non marchands, que les échanges non marchands étaient au moins aussi importants que les échanges marchands, et qu'en même temps, même s'il se passait beaucoup de choses, il manquait quand même une chose très très importante, c'était une culture commune, une vision, quelque chose de partagé. Et puis là, je vais repasser la parole à Jean-Louis, mais c'est sans doute, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Bernard la première fois, c'est que notre idée au bout d'un moment, ça a été de se dire, il faut que cette mise en réseau et que ce milieu en réseau qui est en train de s'agréger sur l'île de Nantes, il ne soit pas simplement physiquement organisé, mais qu'il ait aussi un sens et qu'il partage des objets de travail, qu'il partage des sujets. Et sans doute que tout ça, ça s'organise à partir de la recherche, parce que c'est des acteurs qui vont le plus loin dans les objets sur lesquels on parle, et c'est sans doute aussi ceux qui auront le plus de mal à déformer. Donc commençons par aller voir ce qui se passe sur le territoire au niveau de la recherche pour essayer de construire cette mise en réseau. C'est vrai que depuis maintenant plus de 3 ans, un an et demi, depuis 2 ans, donc c'est vrai que on s'était rencontré la première fois il y a 5-6 ans, ça met toujours du temps avant que les choses se réalisent. Bernard Spiegler et son équipe de Cialis suivent l'ensemble du projet et avec nous essaient de conceptualiser cette démarche, ces réflexions, ce qui pour nous est tout à fait important au niveau des responsables. J'ai aujourd'hui une inquiétude, c'est comment est-ce qu'à partir de ces réflexions, cette fédération même y compris que vous avez suscité au sein de l'université, puisque à l'université, il y avait toute une série de disciplines, mais cloisonner les différents responsables du droit, de l'art, des écoles d'art ou autres, ne travaillaient pas ensemble, ne menaient pas un travail de recherche. Ils sont en train d'essayer de se fédérer, donc c'est un progrès, on pourrait dire. Et en même temps, je dois avouer qu'aujourd'hui, j'ai une forme d'inquiétude. C'est,
comment est-ce que les idées, les réflexions, le regard porté par Bernard Stiegler et son équipe va être approprié par les acteurs culturels pour les rendre opérationnels, les rendre efficaces sur le territoire. Alors qu'au départ, mon idée, lorsque je vous avais rencontré, c'était de dire « Ah, on va demander à un philosophe de conceptualiser notre pratique ». Et aujourd'hui, j'en suis presque à l'inverse, c'est que maintenant, mon drame, c'est est-ce qu'on va trouver les acteurs capables de s'approprier vos idées et vos réflexions en tant qu'universitaire, de poser les grandes questions sur c'est quoi aujourd'hui une école des beaux-arts, c'est quoi son rôle de recherche, c'est quoi la recherche dans l'art, et donc par ça même modifier complètement la pratique de l'école, la pratique pédagogique de l'école, où c'est quand vous posez la question de l'amateur, s'interroger complètement qu'on devrait aujourd'hui être capable de repenser y compris le fonctionnement du conservatoire de musique. Et de se dire, on ouvre le conservatoire dans les quartiers, on fait un autre travail, on mobilise autrement notre activité pédagogique. Et donc mon angoisse, c'est un peu de me dire maintenant, la grande bataille à mener, c'est comment à partir de ces réflexions, ce regard intellectuel que vous avez porté et qui est important pour nous, qui nous voit bien la vision que vous avez, comment est-ce qu'on va le faire porter par le politique d'abord, et ensuite aussi par les acteurs culturels, quel que soit le sens, puisque après tout, ça va être les acteurs culturels qui poussent le politique à prendre les décisions et les bonnes choses. Et là, j'ai parfois quelques inquiétudes. Je me dis, le politique, le maire, va commencer à être très pris, il a des fois de vision. Il y a le problème du cumul des mandats, tout simplement. Et puis, peut-être, il n'y a pas une nouvelle génération politique qui s'empare de ces sujets et capable de les porter avec une vision lointaine, comme le maire l'a eu il y a une vingtaine d'années. Je m'interroge sur les acteurs culturels. Est-ce qu'ils sont capables de remettre en cause leurs pratiques héritées depuis 20 ans, 30 ans, et repenser autrement les projets? Quand on a évoqué tout à l'heure le projet de la fabrique, quand moi j'avais réfléchi à ce projet, j'aurais voulu que ce soit un lieu autour des musiques actuelles, de l'art numérique, mais où il y ait des espaces importants au niveau de la diffusion, évidemment, de réalisation de concerts, et qu'il y ait des espaces importants, très contributifs, où tous les amateurs puissent venir, travailler, répéter, rencontrer un artiste, monter un projet. On leur laisse le lieu pendant un mois, ou bien un an selon le projet, et puis c'est une autre équipe, et ça tourne. Enfin, des espaces comme ça, assez mobilisables, informels. Or, le projet financier a fait que l'administration a fait un choix sur on priorise la diffusion, la salle de 1200 places, la salle de 800 places, et on réduit la partie contributive. Là, moi, je le vis un peu comme un semi-échec. De la même façon que les acteurs culturels ont dit, c'est bien de développer ce projet de la fabrique, qui est un lieu magnifique, je vous conseille d'aller voir, il vient juste d'être inauguré. Il est sur l'île de Nantes, mais attention à ne pas concentrer tous les acteurs culturels sur l'île de Nantes. Il faut qu'il y ait une politique dans toute la ville. Et donc, est venue l'idée de dire, on va créer des fabriques dans les quartiers et on va permettre cette émergence-là et cette liaison dans tout un réseau de fabriques. Or, malheureusement, enfin, je dis malheureusement, mais peut-être mes collègues ne seraient pas d'accord avec ma vision, mais ces lieux dans les quartiers fabuleux sont devenus des lieux où on reloge des artistes, mais des artistes déjà reconnus par la direction culturelle, déjà conventionnés, alors que pour moi, ce n'était pas l'idée de dire on va créer des lieux dans les quartiers pour des artistes qui existent déjà et qui sont reconnus. J'aurais souhaité que ce soit des lieux totalement libres, totalement ouverts à investir par des habitants ou des commandes qui auraient pu se produire ou des projets qui doivent émerger. Et donc, vous voyez bien qu'il y a toujours cette bataille éternelle entre l'initiative, la démarche des uns et des autres. Est-ce que notre technocratie, est-ce que nos pouvoirs publics sont en capacité d'être suffisamment à l'écoute pour avoir cette souplesse de ne pas tout de suite vouloir figer les lieux, de ne pas tout de suite vouloir les attribuer, de ne pas tout de suite vouloir dire « je mets telle institution parce qu'au moins je sais que ça va être bien géré ». Non, comment laisser ces lieux de folie, d'émergence? Et je crois qu'aujourd'hui, un des grands projets qu'on devrait avoir dans la ville, c'est de repenser complètement, y compris dans les banlieues, à des nouvelles structures qui ne seraient pas des centres culturels, qui ne seraient pas des centres socioculturels, mais où le travailleur social, le travailleur, le créateur, le responsable du conservatoire mèneraient un travail ensemble
avec les habitants pour passer des commandes, pour mener des pratiques et être dans cette logique de la pratique amateur que vous soulevez. Je crois que c'est ça l'origine et d'un nouveau projet, d'une nouvelle ambition qu'on doit porter. Et là encore, il ne faut pas qu'on reste dans des cadres rigides, il ne faut pas qu'on reste sur des cloisonnements. On est du service de l'éducation, on est du service de la jeunesse, on est du service de la culture, mais il faut bousculer tout ça, brasser, pour qu'il y ait cette émergence et qui correspond à un appétit de la jeunesse. Et je suis heureux quand cet après-midi, tout à l'heure, on discutait avec quelqu'un de Nantes, Catherine, qui développe des projets autour du numérique et qu'elle évoque l'idée qu'à côté d'un programme de guide touristique habituel, il développe à quelques-uns un projet informel numérique où les gens peuvent découvrir la ville dans d'autres lieux autrement. Et elle développe tout un projet avec des systèmes de code-barre. L'idée, c'est que les gens puissent retrouver des traces comme ça dans différents endroits de la ville. Donc, redécouvrir autrement la ville, je pense que des initiatives comme ça, il y en a des milliers. Mais pourquoi est-ce que les institutions ne sont pas assez attentives à tous ces projets, à l'émergence et à les soutenir? Je me souviens, une de mes dernières batailles était par un moment, il y avait les bars de la ville qui organisaient des concerts. Et donc tout de suite, ça a posé des tas de problèmes sur « c'est pas possible, ça crée des nuisances sonores, il va falloir plus ou moins les fermer ». Et donc, un des arguments a été de dire au maire « mais fais attention, bien sûr il y a le zénith, mais la vie culturelle, la dynamique, elle est autant dans tous ces bars qui se sont regroupés, ils sont une centaine, et c'est parce que si on n'est pas en capacité de permettre à des jeunes de 15, 16 ans de s'exprimer dans un bar pour une fois, pour deux fois, puis de progresser, de trouver leur public, ils n'iront pas dès demain dans le zénith. S'ils vont demain au zénith, ben ils seront comme ces Kleenex qu'on voit tellement à la télé, ils seront jetés tout de suite après être apparus. On a besoin de lieux comme ça d'expression. Et il y a eu des divergences politiques, il y a eu des débats. Et là, sur ce point, y compris le maire a pris une position assez ferme, il a pris ces risques-là, mais je crois que c'est un combat permanent politique et d'acteurs culturels que l'on doit mener. Ces moments un peu de doute sur notre travail au quotidien, sur le contexte numérique et qu'est-ce que ça nous apporte. Je pense que d'abord, il y a plein de projets qui émergent sur le territoire aujourd'hui. J'ai perdu mon PowerPoint, je vais parler de tout ce qu'on peut. Il y a plein de projets qui émergent aujourd'hui qui posent des questions de méthode à l'action publique très très fort. Je vous montre deux images de la cantine à Nantes où on a clairement aujourd'hui des méthodes de travailler, des manières de s'approprier le sujet qui ni complètement du temps de travail pur, ni complètement des pratiques de loisirs. On est typiquement dans l'amateurat avec ces pratiques-là, et ça nous posera des questions pour les aménageurs sur le fonctionnement des lieux, sur les modes de gestion, je ne reviens pas à ce que vient de dire Jean-Louis, et eux, ils décloisonnent, c'est très naturel chez eux. Et c'est très naturel chez eux de ne pas interpeller plus la politique de développement économique que la politique culturelle, et en même temps, l'engouement, j'imagine que dans toutes vos villes, il y a quelqu'un qui est venu voir un élu avec un projet de cantine. L'engouement autour de ce phénomène fait qu'aujourd'hui, les acteurs politiques sont, pour des raisons diverses, plus ou moins bonnes, obligés de se saisir de ces sujets-là. Deuxième idée, sur le décloisonnement et sur la suite du séminaire de Bernard, c'est la capacité qu'a eu un directeur d'école d'archi à accueillir le travail de King, donc qui est un Media Lab, on va dire, de Nantes, qui travaille sur la création numérique, qui a monté le premier Fab Lab, je crois, labellisé en France, qui a travaillé en réseau avec d'autres lieux qui s'intéressaient à ces questions, et qui est vraiment dans une culture de l'ouverture, du partage, etc., qui décloisonne complètement les acteurs, qui est capable de faire un open atelier le jeudi avec des gens qui sont habitants du quartier et s'intéresser à la fabrication numérique au quotidien, et puis en même temps d'avoir une réflexion de fond avec la région sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui porter une politique publique sur la création numérique, etc. C'est le gros enjeu, je crois, de ce séminaire, c'est de faire en sorte que, au-delà du séminaire que Ars Industrialis anime à Nantes, c'est de faire que, au-delà du tissu universitaire, au-delà du tissu politique, il y ait une appropriation de ces sujets qui ne soit pas seulement parce qu'on en a besoin demain dans son boulot, mais parce que ça redevient un enjeu culturel, et un enjeu culturel
pas sur le moment où on a fini sa journée de boulot, mais comme étant une manière de penser le territoire à plusieurs, de plusieurs points de vue, et avec des milieux décloisonnés. Le travail est dur, il faut que tout le monde s'en saisisse, il faut que le travail soit fait. Et je crois que, très simplement, j'allais dire, on se pose assez rarement finalement la question de qu'est-ce que ça a comme conséquence du point de vue philosophique que le développement de tous ces outils numériques. Et en même temps, on se rend bien compte que capter un séminaire, prendre le temps de l'éditorialiser à la sortie, c'est la discussion qu'on avait hier au téléphone, ça permet que des gens qui n'ont pas le temps de venir s'en saisissent, etc., que ça rediscute en ville et moi, quand je me balade dans la ville de Nantes, et c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu moins inquiet que Jean-Louis, si je le suis quand même un peu, j'entends Catherine dans la voiture me parler une heure du séminaire de Bernard Stiegler en venant depuis Nantes hier jusqu'à Marlac, et je l'ai entendu la semaine dernière dans la bouche de quelqu'un d'autre. Donc cette matière est en mouvement, je crois qu'on ne sait pas encore complètement où ça va nous emmener, et en même temps, c'est le propre de ces démarches et de la manière qu'a d'évoluer le territoire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de sujet n'est plus confisqué par 4-5, comme dans les années 90 et le début de ton histoire, mais même des toutes petites structures qui ont démarré il y a 5 ans avec 2 emplois jeunes dans un tout petit local de 30 mètres carrés, et c'était le camping, aujourd'hui arrivent à, par plusieurs points de vue, depuis la région, depuis la métropole, depuis l'aménageur, à exister dans le programme de développement de l'île de Nantes. Et voilà, et je crois qu'aujourd'hui, nos politiques publiques, elles doivent être conscientes de ça et démarrer comme ça. Comment est-ce qu'on peut analyser les initiatives du territoire, penser le décloisonnement et à partir de ça, construire une logique d'action. Merci beaucoup, Olivier. Je voudrais situer un tout radical un petit peu le contexte de cette intervention, qui est une espèce d'analyse de cas de ce dont parlait hier matin notre autre. Ce que nous annoncerait au début de son intervention Jean-Louis Baudin, comment Jean-Marc Ayrault a su, sur un territoire, avec des gens comme Jean-Louis Baudin, faire une accumulation de ce que hier Hildo appelait l'intelligence. Et comment, à un moment donné, ça peut conduire à ce que disait Hildo, c'est-à-dire comment l'intelligence, à un moment donné, n'arrive plus, en quelque sorte, à relier sur le territoire, l'intelligence veut dire d'abord une liaison. Ça fonctionne toujours, mais ça ne fonctionne pas clairement pas avec la même dynamique. Donc je voudrais dire un petit mot sur la façon dont Jean-Marc Ayrault m'a interrogé personnellement tête à tête, pas tout à fait tête à tête avec son cabinet, à la suite de Jean-Louis Baudin avait un peu instigé avec Jean-Marc qui s'est présenté tout à l'heure. Et sa question c'était, je pense que maintenant, après cette politique, c'était il y a 3 ans ça. Après c'était un peu plus. Après cette politique d'investissement dans la culture, etc., je pense que le quartier de la création, que l'île de Nantes devrait devenir quelque chose qui se rapproche de ce qu'on appelle maintenant l'économie créative. Et il disait aussi, il y a des élus dans mon groupe qui sont plus qu'inquiets, franchement hostiles. Ils me demandaient ce que je pensais qu'il fallait faire pour les coins. Moi, j'ai répondu qu'ils avaient raison d'être inquiets et hostiles. Parce que je crois que nous croyons à Saint-Genis, c'est la position de l'Arsenal, c'est que ça me va bien, que ce qu'on appelle l'économie créative est un leurre. Présenté tel qu'il est en tout cas, tel qu'il est dans le modèle dominant, tel que par exemple à Ecce ou au sein de la Commission européenne, tout ça, on parle le président de la Commission européenne, il n'a que ce mot à la bouche aujourd'hui. Or, on connaît assez bien tout ça, et comme il gratif, c'est comme il y a eu une époque, la société de l'information, et ça, c'est un mot, c'est un slogan en réalité qui empêche de penser. Alors, ça ne veut pas dire, en même temps, c'est un peu la démarche que nous avons souvent à Arsène-Sulier, c'était le débat hier, par exemple, avec Mandela, Antonelli, à propos de Christophe Forêt, ces processus sont entre guillemets, leurs, sont toujours aussi des masques de choses réelles. Et donc, si se développe quelque chose qu'on appelle une économie créative, ce n'est pas tout à fait pour rien.
il y a des dynamiques nouvelles qui se mettent en œuvre. Et nous, nous disions, et nous disons toujours, et plus que jamais, que ce qui est derrière la question des codes administratifs, à quoi nous reprochons de voir Saint-Denis d'être en fait une ultime figure du consumérisme, que nous appelons un hyper-consumérisme, ou les créatifs, comme tu les as appelés d'ailleurs, sont mis au service de la relance du désir du consommateur qui débande, parce que ce que j'appelle la débandade du consommateur, ça n'est certainement pas ça qui est porteur d'avenir, et c'est certainement pas ça en plus qui peut intéresser les artistes. Ni ce qui peut intéresser les groupes qui travaillent vraiment sur le fond. Les groupes, je parle des groupes, puisque il y a les acteurs économiques, on sait ça. Alors, à partir de là, la question c'était de dire comment est-ce que ce territoire peut devenir un territoire pas simplement créatif, mais contributif, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et où d'ailleurs le contributeur n'est pas simplement un amateur. L'amateur est une figure. Exemplaire, je dirais, du contributeur, dans le champ culturel en particulier, mais le contributeur, c'est pas simplement un auteur. C'est une figure qui est beaucoup plus englobante. C'est ça que nous avons essayé de porter, c'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, que nous avons été présentés par la Savoie et par Pierre Mélot, pour mettre en œuvre un travail avec l'Université de Nantes, et pour essayer d'y constituer un pôle de recherche, qui s'est. Dessiné. Mais en même temps, il y a eu des changements, et ça c'est très important de dire. Il y a eu des départs, il faut être très clair. Aujourd'hui, je ne travaille plus sur ce problème en tant que missionné par la ville de Nantes, et Jean-Louis Bonin non plus. Donc aujourd'hui, mes interlocuteurs ne sont pas ceux-là. Pardon, clairement. Donc il y a un problème de transfert de savoir, il y a un transfert de connaissance dans un contexte qui n'est pas ailleurs. Cette grande politique qui a été montrée tout à l'heure, qui repose essentiellement sur de l'événementiel. L'événementiel est une place absolument cruciale. C'est pas la seule chose, enfin, il n'y a que ça. Et l'événementiel est quand même fondamental. Avec un très grand penseur, d'ailleurs, de l'événementiel, qui s'appelle Jean-Bel. C'est pas forcément quelque chose qui s'articule aisément avec une économie de la contribution, une association des populations, même si Jean-Bel, par exemple, dans le festival d'Esther, tu l'as dit, a pratiqué ce genre. Mais ce n'est quand même pas exactement cela. Et donc aujourd'hui, à Nantes comme partout d'ailleurs, comme partout, parce que la mise en question, on a eu ce pavé dans la barre lancé, on en parlait à midi tout à l'heure, au déjeuner, par Beaux-Arts Magazine sur la démocratie culturelle qui est un échec, etc. Donc il y a une crise aujourd'hui des politiques culturelles. Et c'est dans le contexte de cette crise que la question dont on parle Nantes, mais aussi dont on a parlé tout au long de ce colloque, les questions qu'on a abordées se posent. C'est une crise d'autant plus angoissante, d'une certaine manière, que tout le monde s'accorde, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens s'accordent à dire, la culture devient un élément central du développement. Et en même temps, les modèles en question changent extrêmement vite, en particulier sous la table du numérique, pas seulement d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi des épuisements politiques, il y a des époques. Il y a eu des époques, par exemple, les cathédrales de la culture de Malraux, ça a vraiment structuré quelque chose, ben ça s'est épuisé. Et ça, c'était normal, ça s'est épuisé. Louis XIV s'est épuisé, tout s'est épuisé. Donc ça ne veut pas dire que les gens ont fait ça de n'importe quoi, mais ça veut dire qu'il y a un temps des choses, et puis après il y a un temps de transition. On est exactement dans un temps de transition. Et aujourd'hui, dans un des problèmes que nous rencontrons, hein, c'est que nous avons des interlocuteurs qui comprennent très bien ce qu'on fait, mais ce n'est pas le bon. C'est-à-dire que ce n'est pas ceux dont on a besoin qui comprennent. Ça a commencé par le maire, parce qu'il a plus le temps, comme je l'ai dit, disons-le clairement. Et donc, on n'a plus d'interlocuteur politique aujourd'hui. Y compris des élus très concernés par tout ça, hein, se sont écartés de tout ça. Donc ça, c'est un vrai problème. Et nous, on ne veut pas faire de miracle. On ne veut pas faire de miracle, même si je dis que je crois en le miracle. C'est pour ça que je continue toujours à faire les choses. Mais, voilà, aujourd'hui, on est confronté à cela, et par ailleurs, il y a tous les problèmes, les cloisonnements dont vous parlez tout à l'heure, qui se posent pas simplement sur les directions du ministère de la Culture, les directions culturelles de la ville, les directions de l'aménagement urbain, je ne sais pas quoi. Par exemple, entre le LINA, le laboratoire informatique de Nantes, et l'école des beaux-arts de Nantes, c'est pas très facile de faire. Voilà, il faut être patient. Il faut être patient, il faut être dans le public extrêmement fort. Il faut savoir que ça ne peut pas se résoudre, mais ça ne peut pas se résoudre par un événementiel. Ça, c'est pas possible.
Et après, il faut aussi que les politiques sachent comprendre qu'une association de 5 membres peut être beaucoup d'importance à un moment donné, de l'élection de l'école d'architecture, de l'école des beaux-arts. Et ça, bah, c'est très très difficile à faire comprendre. Voilà. Sans parler de l'université dans ses structures administratives et politiques. Bon. Donc, c'est un cas parfait de difficulté de ce que disait Jean. En même temps, bah, je pense que c'est tout à fait dans l'air du temps, dirait, dans toutes sortes de secteurs. Et que bah, les choses, tant que tu disais, au niveau des territoires, ça bouge, parce que malgré tout, parce que ça se sent individu dans notre langage, il y a de nouveaux acteurs qui apparaissent. Les nouveaux patrons du New Link, par exemple, qui sont très sensibles à ces questions, etc. Et donc les agencements qui vont se faire ne sont peut-être pas ceux qu'on avait imaginés, même ne sont certainement pas ceux qu'on avait imaginés, mais il y en a qui sont en train de se faire. Et qui ne peuvent pas se faire sur les modèles du début de la politique culturelle. Alors, ça, c'est pas possible. Si on veut retrouver ça, ça ne marchera pas. Donc il faut être prêt, il faut assumer aussi le doute, l'angoisse, la difficulté, il faut assumer cela, parce que voilà, on est en train de faire bouger quelque chose avec le risque d'avortement, ça, évidemment. Mais parce que les temps sont difficiles, et puis il faut que le politique se ressaisisse du problème. Ça, si ce n'est pas le cas. Voilà. Bon, mais on a fait une petite réunion de travail en public, très intéressante. Ce que je vous propose, c'est pas que je vais interrompre, on est obligé, on est un peu en retard, on n'a pas peur. C'est qu'on enchaîne maintenant avec notre ami François Hers, s'il veut bien. François Hers, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi avec les territoires, pour des raisons, non pas parce que lui, il est ni élu, il n'est pas territorialisé, genre il est peut-être, mais en tout cas, c'est pas pour cette raison-là. Mais parce qu'il aborde, merci, il aborde ces questions, posez-moi la facette. Il aborde ces questions avec une démarche très originale qui est déjà lancée il y a 5 ans déjà, une vingtaine d'années, avec le soutien de la Convention de France, qui lui permet de traverser toutes sortes de territoires. Des territoires, disons-le microscopique, ça n'a absolument rien de chez moi péloratif, comme Blaiset, commune de 23 habitants, jusqu'à des territoires beaucoup plus urbains, dont la ville de Tours, par exemple. Ici en région centre et autres, et il a une approche donc, qui ne part pas d'ailleurs, je crois, des territoires, mais plutôt de la démocratie. À l'époque de la démocratie. Il s'est trouvé que je finis par un discours politique, mais notre point de départ, je suis un artiste, puis j'ai la chance d'avoir 20 ans en 63, c'est tout à fait au début. Je rappelle l'art. C'est au moment où on se posait les questions, on avait avant l'arrivage du nouveau monde, c'était simplement que nous aimons tous. Les guerres mondiales étaient encore très présentes, l'Inde était encore très présent dans nos cultures, les grandes ruptures modernes étaient très présentes. Et on se disait, on avait vraiment sentiment d'aborder les premiers colons aux États-Unis, on arrive sur un nouveau territoire, dans un nouveau territoire, et avec une très vieille histoire derrière nous. Mais en sachant qu'il ne sert à rien de savoir comment ce nouveau monde que nous abordons. Quelle est la place de l'art dans cette nouvelle situation? Question très sensible, parce qu'à l'époque, je voudrais remarquer que l'art contemporain, personne ne s'en occupait. On était quelques artistes contemporains à travers le monde, un ou deux galeries, un ou deux collectionneurs, aucun musée. À part le MoMA à New York, aucun musée dans le monde ne s'occupait d'art. Donc on était vraiment libre, le cas de dire. Avec en face de nous, l'industrie de la transposition symbolique du monde libre à courant qui explosait, c'est-à-dire que la télévision, la presse, les mille et une manières de créer des images, de représentations sonores, de chiffres, de lettres, de sons, commençaient à être loyés de la transposition symbolique faite par les grands professionnels, les artistes n'étaient plus du tout. Plus du tout monopole à ce genre de transposition, avec des moyens importants. Donc, quelle est notre place? Qu'est-ce qui différencie l'art de ces petites images qui sont offertes par le cinéma, la télévision, ou la photographie? Est-ce que l'art peut être un nouveau moteur de l'histoire? Et je me suis demandé à 20 ans, qu'est-ce que je peux apporter à travers l'art? Qu'est-ce que je peux apporter comme révolution? J'avais vraiment le sentiment d'arriver trop tard de ce point de vue-là. Et il m'est apparu très vite que
si les plus modernes étaient maintenues depuis l'époque les plus riches, l'histoire de l'art en termes de proposition, en termes d'invention de nouvelles formes, en termes de libération du territoire de la création d'Ada, et donc vraiment la notion d'Ada, de dire l'art ce n'est pas du nu, ce n'est pas du bronze, ce n'est pas du marbre, ce n'est pas du beau métier, c'est tout ce qu'on veut, c'est n'importe quel concept que l'artiste décide, d'un territoire que l'artiste décide d'aborder, mais n'importe quel matériau, il prend n'importe quelle forme. Et je dis, finalement, il y a une forme qui n'est pas encore inventée, c'est la forme de la relation elle-même entre la société et les artistes. Cette relation entre la société et les artistes n'était pas encore une relation par défaut. C'est une relation anonyme à travers le marché ou le musée, qui se sont développés à partir du CDMR. Donc, j'offre en tant qu'artiste de l'œuvre, je ne sais pas pour qui, ça se diffuse à travers le marché ou le musée, mais je n'ai pas de relation avec la société. Et soit une relation encore très marquée par le modèle inventé avec le groupe aristocratique européen à la Renaissance. Et je remonte dans la Renaissance parce que je pense que c'est le point de départ de l'explication qui permet de comprendre pourquoi l'art a dans la culture une place aussi prestigieuse qui sont aucun équivalent dans l'histoire des autres civilisations. Et je pense que l'art a joué un rôle majeur dans une des principales conquêtes modernes, qui trouvait sa fin dans les années 60, qui était l'invention de l'individualité. L'artiste de Kourou, devant répondre à un maître de la ville de l'art sur lui, commence à négocier. Commence à négocier sa marge d'honneur, commence à négocier ses libertés. En se faisant d'une négociation difficile, vous connaissez l'histoire pleine d'anecdotes à cet égard, mais c'est assez fondateur. C'est tout d'un coup un homme qui n'a ni bien, ni titre, qui réclame son statut, qui réclame d'être respecté pour son originalité, pour son génie propre. Commence à négocier pour que cette génie propre soit respectée. Et le maître est obligé d'accepter parce qu'il n'aura pas le chef d'œuvre espéré s'il n'accepte pas les conditions que lui propose l'artiste. Mais cette négociation a vraiment bouleversé complètement. C'est l'invention de l'art, ce qu'on appelle l'art pour l'art. C'est l'art venu vraiment de l'art à ce moment-là comme activité emblématique de l'expression de l'individu. C'est perçu comme tel, du génie humain. Ça monte, cette connaissance monte progressivement jusqu'au 18e qui considère que l'art est la plus haute expression de l'espèce humaine. Il arrive à la révolution démocratique qui place la personne au cœur du projet politique. Et là, les artistes se retrouvent à l'avant-garde. Je dirais que cette position qui était de nos artistes se dramatise encore. Et vous avez les intellectuels qui portent le modèle démocratique au début du 19e, mais ça c'est manière ou autre, qui placent les artistes à l'avant-garde. Ce ne sont pas les artistes eux-mêmes qui sont les artistes. Mais à la regarde de quoi, justement, c'est montrez-nous, rendez visible, faites-nous la preuve qu'une personne seule peut exister par et pour elle-même, même contre les autres. Et je dirais, les artistes ont remarquablement assumé cette challenge, qui est tout à fait. L'invention de l'individualité, c'est quand même un projet complètement utopique, complètement extraordinaire dans la société. Penser qu'on puisse se retirer de la société sans être banni ou brûler vif, et même être contre la société, et le paradoxe c'est que plus les artistes étaient contre la société, mieux ils assumaient leur rôle social. Mieux ils assumaient le fait de montrer que oui, c'est possible d'exister comme individu. J'aime bien que pour le bourgeois, c'était une figure exemplaire, puisque c'est quelqu'un qui, avec trois bouts de ficelle, pouvait faire de l'art. Donc, on a vécu sur ce statut extraordinaire qui était l'intérieur des artistes, dont on a fait les vedettes, l'extraordinaire statut qu'ont acquis les artistes de notre culture, jusque dans les années 60. Et tout a basculé à mon avis à ce moment-là, parce que dans la mesure où cette conquête de l'individualité, donc ce socle sur lequel reposait cette connaissance de l'art comme moteur de l'histoire, ce rôle essentiel de l'art dans la culture, ce socle commence à s'effriter par les raisons d'être, puisqu'on était rentré en démocratie. Après la Deuxième Guerre mondiale, tous les systèmes politiques reconnaissent la primauté des intérêts de la personne. Ça reviendra à la chute du mur de Berlin, que c'est la victoire de Benevity, mais seulement symbolique, cette victoire est faite. Donc, les artistes comme avant-garde d'une conquête d'affirmation du moi, me semblent, moi, des personnes complètement pathétiques. Ce rôle de Lucky
plus du tout intéressant. Hein, et nous étions aussi nombreux que même de ma génération à se préoccuper de ces questions, pour le dire autrement, pour mettre l'art dans la vie, comme disait Dada. J'ai tous beaucoup interrogé de savoir comment. Et j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait la même erreur que tout le monde, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je peux faire comme artiste, quelle attitude je peux prendre pour avoir une relation plus étroite avec la société, quelle œuvre je peux faire pour que l'art s'inscrise mieux dans la vie. Et j'ai mis 20 ans à comprendre que je faisais fausse route, mais ces 20 ans étaient décisifs pour que je puisse arriver à la conclusion que j'ai faite, et que je pense que la clé est politique, et que la clé c'est. Elle se trouve dans la démocratie, la clé c'est l'autre, c'est pas l'artiste. Le problème c'est pas l'artiste. Le problème c'est la société elle-même. Et comment permettre à la société elle-même de remplir le projet démocratique? Et une société en démocratie c'est une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne. Et je trouve que cette personne, on reconnaît son autonomie, on reconnaît ses libertés. Et que la question qui s'est posée après la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout de suite, mais comment je peux faire société avec des individus les plus autonomes? Et on se retrouve avec une Europe qui se dit comment est-ce qu'on fait Europe, communauté, avec des pays qui se sont entretués pendant 1000 ans. Et puis maintenant, avec la mondialisation, avec plein de dramatisation, comment est-ce qu'on fait monde? Avec des attitudes dont il faut respecter l'autonomie et la liberté dans tous les domaines. Et c'est le grand challenge, c'est plus la pensée de l'individu, c'est plus l'affirmation de soi. C'est comment faire communauté. Avec les individus, il ne s'agit pas de revenir en arrière, il s'agit de continuer à avancer. Et je me dis, j'ai cherché, quelle est cette forme, d'ailleurs, cette forme contemporaine de relation de la société des artistes qui pourrait être emblématique et permettre à l'art de jouer un rôle aussi emblématique qu'il a joué depuis la Renaissance. Parce qu'actuellement, là, les artistes ne sont plus du tout des héros. L'art du fournisseur, l'art maintenant fait partie de l'esprit du spectacle en plein. La biennale de Louise, maintenant, il y a la troisième biennale de Louise, on en avait éventuellement accordé à quelqu'un qui va très bouillot de mettre son yacht en bouillot biennale. L'avant-dernière biennale, c'était Aramovic qui est arrivé sur le yacht aujourd'hui, on va traiter de voir plus ou moins. Et puis maintenant, il y a 10 yachts. Donc, c'est pour dire le rassemblement complet de la soumission dans laquelle est rentrée l'art. Mais c'est assez anecdotique, parce que le vrai problème, c'est comment permettre donc, à des individus libres et égaux en droit d'agir ensemble et de faire œuvre ensemble. Et comment est-ce que je peux permettre à cette relation artiste-société de se concrétiser? C'était la question que je me suis posée, je ne pouvais pas. Et j'ai fini par trouver, même j'avais contraint de formaliser cette fois-ci mon projet, parce que la Fondation de France, à l'époque où je ne sais pas si j'y allais arriver ou pas, j'étais prêt à abandonner, m'a interpellé en disant nous cherchons un nouveau modèle d'intervention en culture. Nous sommes très innovants dans tous les domaines d'intervention, puisque la Fondation de France s'occupe, une Fondation généraliste qui s'occupe des tas de questions de société. C'est dans ce cahier de charge. Quelles sont les questions de société qui sont plus ou mal prises en compte? Qui a des réponses intéressantes à expérimenter? Et on soutient l'implémentation, si c'est bon, on passe la main, on donne pas son modèle. Si c'est pas bon, on est là pour prendre les risques. Et en culture, ils étaient extraordinairement conformistes, ils faisaient un peu ce que tout le monde fait. Ils faisaient la politique du guichet, c'est-à-dire qu'on recevait des dossiers de demande de subvention, ils accordaient les subventions, puis on fermait le guichet. Donc c'était pas innovant. Donc moi, j'aurais proposé la règle du jeu, qui j'ai formalisé finalement la clé, la forme que je pense être contemporaine, où l'art peut à nouveau jouer un rôle d'auteur, c'est que l'œuvre d'art ne devient plus emblématique de l'expression de l'individu, mais devient emblématique de la capacité d'individu à faire communauté, à faire œuvre ensemble. C'est faire œuvre, c'est-à-dire réfléchir à la raison d'être de l'art, pourquoi on fait de l'art. C'est la question que les artistes modernes, pendant deux siècles, comme vous avez vu, se sont posés tout seuls, c'est à eux de déterminer la raison d'être là, c'est à eux de casser les conventions anciennes, à eux de réinventer une nouvelle forme de rapport au monde. Et le. Je ne sais plus. Oui. Alors, comment.
Je me suis donc beaucoup interrogé là-dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire avec M. Dupont et Mme Durand? Comment est-ce que je peux, quel discours on peut avoir ensemble, quelle discussion on peut, de quoi est-ce qu'on va parler? Parce que l'opinion de Mme Durand sur mon œuvre ne m'intéresse pas. Les commentaires sur mon œuvre n'ont aucun intérêt. Et je me suis dit, finalement, pourquoi est-ce que je fais une œuvre, moi, comme artiste? Mais pour répondre à cette expression que vous connaissez, l'intime nécessité. J'ai une intime nécessité. Donc c'est ça qui me pousse à faire œuvre. Je me suis dit qu'évidemment, l'intime nécessité, toute personne qui vit l'époque a l'intime nécessité. Ce n'est pas du tout réservé aux artistes. Qu'est-ce qui me différencie de vous? C'est que j'ai le goût et le risque de. J'aime inventer de nouvelles formes et j'ai quelques capacités à le faire. C'est tout ce qui me différencie de vous. Parce que la raison d'être là, n'importe qui peut l'exprimer. Et c'est cette liste, et je me suis dit, mais bon, du bon sens, c'est là l'objet de la discussion. C'est ça qui me permettra de nous le dire. Et j'ai fait ces distinctions qui commençaient à permettre le partage des responsabilités. Parce que je me dis finalement, c'est à la société de dire la raison d'être là. Les artistes peuvent continuer à le dire pour eux-mêmes, il n'y a pas, évidemment pas de problème. Mais il faut que la société, en démocratie, offre cette possibilité aux individus. Parce que le fondement du projet démocratique, l'ambition démocratique, c'est quoi? C'est permettre à quiconque d'être acteur de l'histoire, et non plus victime ou spectateur. C'est ça le saut quantique de la démocratie. Permettre à chacun d'être acteur. Évidemment, dans la vie réelle, où est la situation dans laquelle on peut être vraiment acteur? Et je pense que la scène de l'art est la scène la plus emblématique pour l'être. Parce que dans le travail, vous êtes obligé de composer, ce qui est tout à fait normal, vous ne pouvez pas vivre en société si vous ne composez pas. Mais la scène où la parole est la libre, vous êtes maître de vos actes, et où la réflexion n'est pas seulement spéculative, où la réflexion n'est destinée qu'à faire, qu'à aboutir à faire part, elle me semble une scène absolument extrêmement bien adaptée à l'invention de cette challenge auquel ils sont confrontés comme affaire communautaire. Parce que ça s'invente. Les mutualités, ce sont des formes d'expression de soi qui s'inventent, des formes d'organisation sociale qui s'adaptent à cette nouvelle entité qui apparaît. Et vivre ensemble, ça s'invente. Ce sont des formes qui s'inventent et qui s'expérimentent. Et le terrain d'expérimentation, comme limite, est la scène de l'art. Donc, c'est ce que j'ai proposé à la Fondation de France. J'ai dit, voilà, moi je vous propose un protocole qui définit le rôle de chacun des acteurs. Ça vient directement de l'expérience artiste qui a fait quelques performances. Dans les années 60, c'est-à-dire qui fait quoi. Donc je dis, voilà, aux citoyens, il appartient de définir la raison d'être de l'art. Qui est un vrai travail de réflexion. Il faut qu'ils disent à l'artiste, et puis à ses voisins, parce qu'il va troubler la vie publique, et puis à tous les gens qui vont financer, pourquoi faire émerger le voilà. Et quand je dis art, c'est une forme de création confondue. Hein. Il s'agit aussi bien d'architecture que de théâtre, que de musique, que de poésie, que d'art plastique. Même si on a beaucoup d'art plastique dans les réalisations actuelles, c'est un vrai, c'est tous les arts. Un artiste, d'abord, je leur ramène l'artiste à son rôle fondateur, c'est l'invention des formes. Et je dis à l'artiste, arrêtons de jouer son rôle dans l'orchestre, on doit tout faire tout seul. Et arrêtons de penser que quelques individus génies vont résoudre le problème culturel. L'invention de notre adaptation à la principale mutation culturelle que connaît l'homme depuis qu'il existe. Maintenant, nous avons nos générations le privilège et le malheur de connaître ça. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire. Parce que ce n'est pas seulement les formes de rapport au monde qui changent, c'est la nature même de ces formes qui changent. Et puis, avant les changements, par exemple l'Égypte, c'était pour quelques milliers d'années, puis la Rive, c'était quelques siècles, puis les Romains, puis la Gothique, puis la Renaissance, et puis maintenant c'était quelques décades, dans la période moderne, puis maintenant on continue. Donc, aux élus politiques que je m'introduis dans le jeu, avant de arriver aux élus politiques, je me dis, effectivement, donc je m'offre cette possibilité à M. Dupont et à Mme Durand d'assumer. Alors, comment est-ce qu'il peut être acteur? Je me dis, c'est la commande. Je le vois comme forme d'action possible qu'à la commande. Parce que la commande entend que vous sachiez ce que vous voulez, et que vous l'assumiez, évidemment. Et pour permettre à M. Dupont et à Mme Durand de passer à l'acte et de jouer son rôle, j'ai introduit un troisième personnage dans le jeu que j'ai appelé le médiateur. Il y a un terme qui à l'époque n'existait pas sur la scène d'art, alors qu'il y a fait Flores, on le trouve partout dans ce terme. C'est bien d'ailleurs.
J'ai choisi bien parce que je me suis dit, c'est qui je vais m'appuyer pour apporter à M. Dupont et Mme Durand le savoir nécessaire, savoir qu'ils ne connaissent pas les artistes, qui sont les artistes contemporains qui peuvent avoir un abonnement, comment faire un contrat, comment trouver des sources de financement, comment gérer une production d'œuvre. Il y a mille questions de tous ordres, juridiques, techniques, artistiques, qu'il faut résoudre. Et je lui dis, c'est comme ces professionnels existent. Je ne veux pas inventer un nouveau métier, je ne veux pas inventer une nouvelle structure administrative, on va s'appuyer sur les gens dans ces métiers qui sont déjà les médiateurs. Entre les œuvres et le public, vous prenez le directeur de théâtre, le directeur d'opéra, le directeur de bibliothèque, le musée, ce sont des gens dont l'activité fondatrice, générique, c'est faire le lien entre l'œuvre et le public. Et je dis, j'ai été voir ces gens-là, je me dis, je vais m'appuyer sur eux en demandant d'enrichir leur rôle, de faire le lien entre les citoyens et l'artiste. Et au-delà, entre tous les acteurs qui seront impliqués, et ils deviennent de plus en plus nombreux au fur et à mesure que le projet avance, dans la réalisation d'un projet. Et les unions politiques, donc je suis le troisième acteur, à eux de faire le lien, d'apporter les services nécessaires pour que les gens agissent, donc le commandeur, l'artiste, le médiateur. Et les élus, je les réintroduis dans la dimension aujourd'hui. Je ne vous demande pas votre avis sur l'art, vous me direz les bêtises. Je vous demande simplement de faire ce que vous savez faire, ce que votre métier, c'est de faire le lien entre les questions et les besoins qu'expriment vos électeurs et ceux qui peuvent y répondre. Vous avez besoin d'école, vous avez besoin de route. Là, je vous demande d'écouter les besoins d'opération. Si vous le jugez pertinent, vous pouvez vous aider à traduire ça en acte. Il s'est trouvé, je n'y attendais pas, à ce que de plus en plus d'élus, en tant que personnes, puisque le logement militaire, ce n'est jamais personne morale, c'est toujours les personnes physiques qui prennent la responsabilité de la commande. Ce n'est pas l'hôpital, c'est monsieur, madame, machin, délégué par l'hôpital, ou c'est monsieur, madame, machin, délégué par le conseil municipal, ou le conseil municipal lui-même, qui a développé les commandes. Vous avez eu l'exemple hier avec notre ami de Bessay, parce que cette France a encore la chance d'avoir en 6600 communes pour les capacités juridiques. Hein, il y a beaucoup de pays dans le monde, c'est fini, ça n'existe plus. Donc, les entités de mettre en grande. Donc, aux élus, j'ai dit, vous êtes effectivement un petit taille, vous pouvez passer commande en personne, avec souvent des groupes d'habitants, ils ne passent pas à la commande seule, ils ne passent pas à la commande en plusieurs, et vous créez un groupe, et le principe inventé une structure tout à fait adaptée à l'association. Et le dernier acteur, qu'on a mis longtemps à faire introduire dans le jeu, sont les intellectuels, les chercheurs. Parce qu'il y a un énorme chantier intellectuel qui s'ouvre à nous, qui est très très peu développé, qui est l'intelligence de transformation culturelle que nous connaissons. Mais que faut-il prendre en compte de transformation? De quelle nature sont-elles? Où sont les problèmes? Mais comment les nommer de telle manière? C'est quoi l'intellectuel? C'est quelqu'un qui a l'intelligence d'une situation, d'un fait, qui trouve les mots pour formuler cette compréhension et la transmettre. C'est le rôle de l'intellectuel. Alors, j'ai effectivement les commanditaires à qui on ne demande pas de faire des grands développements savants, qui commencent à développer cette intelligence, mais entre... je pars du bas pour aller vers le haut. Schéma connu. Effectivement, on part. Et si on veut que ces investissements dans la création se fassent, aucune société n'investira beaucoup d'argent, si elle ne sait pas pourquoi. Or, nous sommes la première société qui n'investissons pas beaucoup d'argent dans la création. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, pour des raisons politiques, justement. On nous dit quoi, en ce qu'en démocratie, on va investir dans la création. Sur la création d'un monsieur ou d'une dame, on est de quoi? On n'est plus, les élus non plus, de l'autorité culturelle de droit divin, ils ne peuvent pas, c'est pas gérable. Donc on donne quelques bourses, on donne quelques commandes publiques, qui sont des copinettes, qui ne peuvent pas en faire, parce que l'artiste est trop important pour ne pas donner de bourses, pour passer à la commande publique. Et personne, la commande publique, personne ne dit la raison d'être dans la commande publique, si ce n'est le loup budgétaire d'aide à la création. C'est une bonne raison. Mais ça ne fonde pas une politique, ça ne fonde pas une vraie politique. Alors, je vous ferai remarquer que toutes les civilisations avant nous ont d'abord investi dans la création. À chaque fois, les formes de mutation, la principale des mutations que nous connaissons, il y en a d'autres, avant nous, on crée une nouvelle architecture, une nouvelle peinture, une nouvelle théâtre, une nouvelle musique, pour pouvoir appréhender les transformations à ce sphère. Et nous, on ne sait pas comment faire. Et c'est bien devant cette. Non seulement il faut savoir. C'est ça que j'essaie de résoudre, c'est comment nous permettre d'investir à nouveau
non pas dans l'art culturel, non pas dans le développement de la diffusion, non pas dans le développement de... Sur les politiques culturelles, moi je les ai développées en quatre grandes responsabilités. Préserver les formes du passé, c'est très légitime, parce que sans mémoire, il n'y a pas d'espèce humaine. On n'apprenait pas un enfant à marcher, il meurt. C'est l'espèce vivante qui dépend totalement de la mémoire qui lui est transmise, de ce qui lui est transmis. Donc, nous sommes aussi à faire une civilisation qui sont tellement dans la préservation des formes du passé pour des raisons qu'on peut comprendre, ça coûte une fortune. L'autre axe, c'est permettre à tous les citoyens d'avoir accès aux œuvres, et on développe plus de biens, les musées, les théâtres, les biennales, les opéras, les festivals. C'est ce qu'on appelle la politique de l'offre, qui est, et la France est un des pays, c'est le plus riche monde de tout le monde en outils de diffusion et politique de l'offre. Je pense que ce ne sont pas l'équivalent, peut-être l'Allemagne, mais encore. L'information des publics et des artistes, troisième ligne d'investissement. La République forme même ses artistes, donc on développe des académies, on développe des formations dans toutes les disciplines artistiques. Et les publics, je dirais, du guide du musée à l'université, on forme des publics de tous âges, ils sont 36 formes. Et le meilleur grand domaine d'intervention, une grande responsabilité, c'est la production de nouvelles œuvres. Et là, on se pose la question que je posais tout à l'heure, on voit ce qu'on va investir là-dedans. Or, c'est essentiel. Et si on veut que la culture et la création soient un moteur, il faut investir dans la création. Mais pourquoi? Et qui va dire pourquoi? Et je pense qu'il y a que la société culturelle. Ce qui veut dire d'adopter une politique justement pas spectacle. Et de partir de monsieur un individu là-bas, là, sur n'importe quel point du territoire. Et l'exemple, ça fait maintenant 20 ans qu'on développe 50% de France, on passe un projet qui se réalise de toute nature, qui est le projet à plus de 1 million d'euros pour les projets des arbres de mer, de toute nature. Ça se passe n'importe où et avec n'importe qui. Alors la question était effectivement, et ça, il faut rendre hommage à la Fondation de France, parce que je pense que c'est là où on n'est pas dans l'administration publique, dans les administrations privées, et pour une raison, la chance qu'on a eue, c'est vraiment politique. L'administration publique ne peut pas prendre en compte les intérêts de monsieur Machin et madame Durand. L'administration publique doit prendre en compte l'intérêt de tout le monde. Elle ne peut pas écouter monsieur Machin et investir. Alors, elle le fait en trichant, parce que nous sommes aidés par le ministère de la Culture indirectement, après moult difficultés, au titre d'aide à la création, pour aider la création, et pas pour aider les citoyens à prendre l'initiative. Il ne peut pas, effectivement. Mais une Fondation de France, qui est un organisme de temps privé, lui peut. C'est un organisme adapté à ça. Et c'est une ligne qui fait que la Fondation de France n'agit qu'avec des financements privés, donc elle a une marge de manœuvre complètement complète, et en plus une décision très courageuse dans tous les domaines. Donc on peut partir de l'initiative de la personne, c'est toute la question politique, là. Comment prendre en compte l'initiative de la personne et la multiplier? Le challenge était il y a 20 ans, est-ce que M. Dupont a un désir d'art contemporain? Normalement, non. Après tous les préjugés, ils disent que non. Est-ce qu'ils vont accepter de réfléchir de manière suffisamment intelligente dans leur propre situation pour qu'ils puissent interpeller un artiste et éviter de lui dire autre chose que les Américains, et de rendre une demande intéressante? Est-ce qu'ils vont assumer la dépense financière qui sera là, parce que c'est toujours beaucoup d'argent? Ils ne sont pas dans l'argent, mais ils sont comptables de cette dépense. Et est-ce qu'ils vont assumer de trouver la vie publique, parce que ça, ils vont trouver la vie publique, donc ça va provoquer l'action, ils vont avoir le courage de l'assumer. C'est pas du tout évident par rapport vis-à-vis de ses voisins assez grands de trouver la vie publique, de plein de commandes, effectivement, c'est le clash. Et ce qui fait scandale, c'est pas l'épargne, c'est que M. Dupont, le médecin, le pharmacien, le fleuriste, trouble la vie publique, toute la merde de la vie publique, alors qu'ils ne sont pas mandatés pour le faire. Simplement portés par la conviction qui leur demande un dimension d'intérêt général. Et est-ce qu'ils vont accepter les formes de la classe contemporaine? Et il n'est pas question évidemment que les artistes aient autre chose que s'ils croient devoir faire. C'était la question. Et effectivement, il y a d'autres questions qui se sont rajoutées quand on a commencé. C'est les premières objections des gens, c'est pas pour nous, c'est pour l'élite. C'est vraiment pas du tout pour nous. Encore une réponse, c'est une réponse que je vais vous dire, je suis belge. Vous avez coupé le coup au roi il y a 2 siècles, c'est un droit républicain. Vous l'assumez pas, c'est un problème, mais il existe. Il disait, on n'y connaît rien. Moi, je dis, mais c'est
et de savoir dont on a besoin, et ce substitut à lire, pour dire aux artistes. Ça coûte beaucoup d'argent, oui, effectivement, vous avez raison, là, dans toute l'histoire, ça coûte beaucoup d'argent, mais nous sommes des sociétés des riches, vous pouvez demander, on peut le trouver, pas sûr, on peut le trouver. Et dernière question, évidemment, la plus importante, on n'a rien à demander là, qu'est-ce que vous voulez qu'on demande là? Et je crois que c'est une des plus belles surprises, c'est de voir que je me suis souvent demandé, mais pourquoi est-ce que ces gens ordinaires prennent ce risque? Et ils vont. Et puis ils ont la trouille, et puis si l'artiste arrive, le rôle du médiateur, de faire un rôle difficile, je vais demander, on demande aux gens, bon, faites la cahier de charge. Qu'est-ce que vous voulez, comment, quelles sont les contraintes de 12 ans, ce qu'il faut respecter, parce qu'on a des espaces publics plus souvent, etc. Donc faites la cahier de charge. Et le rôle du médiateur, après, le comité se tourne vers le médiateur et dit, bon, alors qui est l'artiste? Et là-dedans, ce partage des rôles, le rôle de l'expert est de choisir, lui, de faire lui une proposition. Il n'impose pas, il propose. Le délivrement est laissé au communautaire. L'expert, il faut confiance à l'expert. Et tout repose sur la confiance. C'est pour ça que l'expert, dans notre procédé, dans notre protocole, ne peut pas se tourner vers la communauté. Il est simplement qualifié sa communauté. Il serait grillé tout de suite. C'est de sa responsabilité. Il est supposé avoir acquis les connaissances nécessaires. Et l'expertise nécessaire pour trouver l'artiste juste par rapport à l'art. Et c'est difficile. Donc c'est un moment de fort. C'est pas par hasard non plus que tout coup on se trouve, et que les artistes japonais, quand on m'attaque et tout, quand on a bataille, mais les autres qui se trouvent, les artistes californiens qui retournent, les jeunes de Besançon. Il faut trouver l'artiste chez eux. S'ils ne sont pas tellement nombreux, parce qu'il y a beaucoup de paramètres en tenir compte, des paramètres humains, des paramètres de compréhension de la demande. La disponibilité d'artiste, savoir que dans les diagrammes de l'artiste, est-ce que ça rentre bien dans ça? Ça peut l'intéresser à quel moment on va être disponible chez les bons artistes, très occupés, etc. Donc c'est bien à faire compliqué. Voilà, les gars sont toujours un sujet disponible, puis c'est la culture, mais bon, peu importe. Chacun assume sa responsabilité. C'est vraiment un partage de responsabilité où tout le monde est aussi décisif. C'est vraiment une des grandes revendications de la démocratie qui est l'égalité en œuvre. Chacun a son rôle. Et c'est parce que chacun a son rôle que tout le monde se permet aussi de jouer un peu le rôle des autres. C'est que les communautaires peuvent être souvent des médiateurs, défendre le projet, recharger l'argent. Tout le monde joue un peu l'artiste lui-même, les artistes qui chargent l'argent aussi. Parce que les artistes ne sont pas payés ce qu'ils valent sur le marché de l'art. Même si vous valez 1 000 000 d'euros sur le marché, on n'est pas une économie spéculative, on est une économie réelle. Donc vous serez payé, bien, mais en fonction de ce qu'on peut effectivement payer maintenant sur place. Et il y a beaucoup de médiateurs qui commencent à faire ce. Attendre directement les commanditaires en disant à combien est-ce que vous pensez qu'on pourrait investir sur ce projet? Et ils ne se trompent pas, en fait. Même si c'est souvent des sommes importantes, mais ils ne se trompent pas. Par rapport à l'ambition, par rapport aux possibilités qu'on peut penser pouvoir réunir. Et c'est toujours ambitieux. Et ça marche. Le miracle, ça marche. Vraiment, il y a un courage absolument extraordinaire, une intelligence, une intelligence collective. Et les gens sont très surpris avec ces tours de la boue, je ne sais pas quoi. Moi, j'en sais rien, mais moi non plus, j'en sais rien. Et lui, peut-être, même de toute façon, on laisse pareil. On laisse réfléchir, ça peut prendre 1 an qu'ils définissent leur commande. Ça peut être très vite, ça peut presque 2 jours en 1, comme ça peut prendre 1 an. On le laisse faire, on les aide, éventuellement, s'ils ont besoin de les formuler. Le médiateur est là aussi pour dire non. S'il voit que la demande n'a aucun intérêt, c'est la décoration, ou que les gens ne sont pas capables d'assumer la responsabilité de la commande, c'est de faire, ça c'est l'idée qu'il faudra assumer jusqu'au bout, sur la durée, il doit dire non. Il doit aider aussi au départ, souvent les commandes sont. La commande de BCN est intéressante, parce que le médiateur, ils veulent être intéressants, mais les gens sont vraiment intéressants, et la manière dont ils sont déjà investis est très intéressante, très porteur. Donc, ils partent de là, quand même. Et puis, ils ont développé un projet intelligent. Et là, on arrive à une vraie. Parce que c'est un mot que je déteste, c'est la participation. Démocratie participative, participation. Participation n'a jamais voulu dire engagement. En niveau communautaire, c'est l'engagement de tous les acteurs, sinon il ne se passe rien. Ce n'est pas du tout la participation. Donc,
au sens où on le développe actuellement dans beaucoup de discours. Donc il y a une capacité, un désir de s'engager, un désir de réinventer cette forme de rapport au monde, un désir d'art, de réinventer le monde. On ne parle pas d'art, les gens ne parlent pas d'art au début du monde. Ils parlent d'un problème, ils parlent de besoin, ils parlent de choses qui ne sont pas. Et c'est aussi obligatoire de voir si la demande peut répondre, si l'art peut répondre ou pas. C'est les artistes qui peuvent apporter la réponse ou pas. Parce que la réponse peut être d'ordre légal, c'est un avocat dont ils ont besoin, c'est peut-être d'un ingénieur ou technicien dont ils ont besoin, c'est peut-être pas d'un artiste. Donc, le médiateur, dans l'avocat du diable, hein. Moi, je me souviens de la première commande de petite occupée, parce que c'est vraiment très bien. Le médecin qui m'appelle, il dit monsieur, j'ai besoin d'un médecin qui s'occupe d'une salle, d'une mort dans un grand hôpital à Paris, où il y a à peu près 450-500 morts par an. Et cet hôpital ne passe pas à travers cette mort, parce qu'elle est invendable. Et il me dit j'ai besoin d'un artiste. Et je dis mais vous êtes un grand diable des infirmières, vous êtes aussi, moi. Je dis vous êtes fou. Faire appel à un artiste en contexte actuel, parce que je ne sais pas ce que ça peut signifier. En plus, d'un artiste qui m'avait chez lui au téléphone, je lui ai dit ça a coûté 200 000 euros, de l'argent des films d'époque. Je ne m'étais pas trompé d'ailleurs. Et il me dit, mais pourquoi vous ne donnez pas un décorateur pour payer pas besoin d'un artiste. Et il me dit, mais monsieur, vous n'avez rien compris. Je ne connais rien de l'art, mais dis, moi je ne connais rien, mais je pense que dans une société laïque, seul l'artiste peut proposer une forme de rapport digne à la mort. Inventer une forme de rapport digne à la mort. Devant ça, il a tout compris. Et c'est souvent des points de départ comme ça qui ne sont pas. On ne parle pas d'art, on ne parle pas on parle de la vie, on parle de problèmes, on parle d'inventer le rapport à l'autre, de choses qui préoccupent tout le monde, d'une préoccupation collective, qui touche tous les domaines fondamentaux, hein, l'identité, l'histoire, qui touche tous les grands domaines culturels qu'on comprend, le rapport à l'autre, pour autant, pour le soi. L'espace, on ne sent pas, mais... Et là, on peut multiplier. La leçon, c'est qu'actuellement, on peut avoir 10 000 commandes, ça ne pose aucun problème. Le désir est là. C'est un travail énorme de la part des secteurs, c'est beaucoup de travail, c'est des investissements, mais qui sont peu d'argent comparé au coût de fonctionnement de la plupart des outils de diffusion. Vous prenez le fonctionnement de n'importe quel grand outil de diffusion, vous faites une ville de Florence en 10 ans. Si vous mésinvestissez le budget d'un opéra ou d'un théâtre, quand un public de l'Imarim ou je sais pas, du coup, de la tech nationale, de production manuelle, c'est le budget de l'État africain. Donc, comparé au coût de fonctionnement, ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est un avantage aussi, c'est tout. C'est pas une avantage, c'est lui, c'est un fixe. Mais ce pas le fixe, c'est comme. D'abord, la relation à l'art, vous avez complètement bouleversé. Parce que les gens, même s'ils sont très sceptiques, même s'ils n'aiment pas les arts, ils comprennent tout d'un coup qu'il y a toujours une nécessité derrière l'art, même s'ils ne comprennent pas. Ça change complètement la relation à l'art contemporain, et sur l'art en général d'ailleurs. Ils ont une ouverture complète, ils ont tous compris le concept du champ et de l'art. Ils s'en foutent du beau métier, ils s'en foutent de l'éternité, ils s'en foutent du bel objet, ils veulent ce que ce soit juste. Et là, beaucoup de grands artistes se sont fait attaquer. Bodansky s'est fait attaquer, Michelangelo Pistoletto s'est fait attaquer, c'est les premiers projets. Vous avez vu, vous n'avez pas compris, vous êtes à côté de la plaque. Ou c'est pas assez bien, enfin, c'est une réalité. Des gens qui n'y connaissent rien, mais qui savent ce qu'ils veulent. Qui ont défini eux-mêmes les critères de jugement et d'appréciation. Donc, ils savent ce qu'ils veulent et poser des critères. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je fais souvent le reproche qu'on travaille beaucoup les grands artistes, pour tout le Gotha international qui fait pour le genre pour nous. Pour les raisons justement de. On a, tous les essais qu'on a fait avec les jeunes, ça va, c'est trop lourd pour les jeunes artistes. Ils ne sont pas assez confiants en eux-mêmes, ils ne se maîtrisent pas assez confiants dans leur propre œuvre, ils n'ont pas une véritable autorité non plus. Donc ils deviennent très vite agressifs, ils disent mais je sais ce qu'il faut faire, c'est moi l'artiste, on retourne dans les clichés habituels. Mais autant les artistes, c'est pas une règle, hein, comme on peut traiter les artistes plus connus, on traite les artistes plus connus. Mais il faut au moins qu'ils soient. Confiant, et qu'il soit avec la vie de la vie, une vraie autorité. Et puis dans toute l'histoire, c'est les artistes qui commandent, hein, pas non plus, c'est normal, c'est le plus talentueux, le plus fort, le plus grand. Donc c'est une autre économie de l'art qui permettrait de faire travailler beaucoup plus d'artistes que actuellement. Un des drames actuels, c'est que le marché de l'art et les musées, pour des raisons techniques, ça n'a pas. Il n'y a aucun mauvais calcul, il n'y a aucun signe derrière ça. On ne peut pas porter plus d'artistes.
les musées, de chimères, les scènes de théâtre, ben, sont limitées en temps, en mer, et le marché ne peut pas spéculer sur trop de monde. De prendre en compte 100 personnes, 200 personnes maximum. Après, c'est fini. On ne peut pas. Or, il y a des besoins qui sont gigantesques, il y a des besoins de création, de récréation de monde qui sont gigantesques, et le désir est là. Et les artistes sont là, il y a plein d'artistes qui ont beaucoup de talent, et que l'image de même assez dévalorisée parce qu'ils sont hors jeu dans la scène actuelle. Et qu'ils sont... Alors que toute l'histoire de l'art, c'est faite par les artistes locaux. Hein. Toute l'architecture, toute la peinture, tout ce qu'on appelle l'art, ça va, c'est un art moyen. Il y a toujours quelques génies dans l'histoire, mais ils ont toujours été très peu nombreux. À la Renaissance, il y a plein d'artistes qui ont voyagé, enfin, quelques grands artistes qui ont voyagé, mais toute la production, l'essentiel de la production, c'est faite par les artistes locaux. Des très grands talents. Pas géniaux nécessairement, mais des grands talents. Et on n'a pas besoin de génie, on n'a pas besoin de savoir que même si on fait les grands artistes, que de temps en temps il faut être génial, formidable. Mais l'histoire de l'art, c'est pas une histoire de génie, c'est l'invention des formes, qui soit juste et qui nous aide à vivre l'époque, à la comprendre et à s'inspirer à l'époque. On dit que j'arrête là. Quand l'art n'est plus porté par l'ambition d'un projet dans lequel tous les membres d'une société peuvent se reconnaître, il peut être privatisé et les outils critiques perdent ses critères. Sa capacité à révolutionner les consciences et les situations peut être encadrée sous l'autorité vigilante d'experts et d'institutions spécialisées. Les marchés ainsi que l'industrie du spectacle et de la communication acquièrent la liberté pour instrumentaliser les œuvres et décider sans plus d'opposition de ce qui appartient ou non à l'art. L'industrie du luxe, je saute public, porte l'art contemporain de manière très efficace et les revues de voix des décorations énergisent son public. Les artistes n'ont jamais été aussi soucieux de professionnalisme, les élus politiques comme les mécènes n'ont jamais proposé à une échelle mondiale autant de lieux et de manifestations artistiques de qualité. Les artistes qui avaient pris et gardé la main jusqu'à l'année de façon l'ont perdu. Il n'y a plus d'avant-garde. Et ils ont assumé toutes leurs responsabilités en fermant dans lequel ils se trouvent maintenant avec ceux qui ont trouvé la connaissance de rien dans leurs travaux. N'est pas de leur faire. Comment sortirait-il tout seul? Pour aller où? Pour parler avec quel interlocuteur? Qu'ils mettent alors à part le passé, c'est un récit, c'est un récit que François Hirsch fait de son œuvre, d'une de ses œuvres. Il m'est alors apparu évident que c'était à la société elle-même d'assumer maintenant ses responsabilités, que c'était à chacun de ses membres de sortir d'avant le spectateur et d'exclure l'histoire pour en devenir un acteur aussi décisif que les artistes l'ont été. Voilà. Vous avez vu hier à travers l'intervention de Jean-Louis Cornier une réalisation qui s'est faite dans le cadre de ce protocole qui a été défini par François Hertz avec la Fondation de France. Il y avait 300 réalisations de notre équipe à ce jour, une vingtaine d'années, c'est ça. Ça développe un peu à l'étranger. Bon, ça recoupe avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'économie créative. On n'est pas du tout dans l'économie créative. On est dans l'économie comptée par l'économie. Oui, c'est une question d'économie. On est dans l'économie que l'on appelle effectivement pas. Alors maintenant, le problème, c'est que tout ça vient fondamentalement contre les dogmes, les politiques, les standards, les procédures actuelles. Et donc, y compris l'État d'ailleurs. Hein. Donc c'est très compliqué de mettre en œuvre. Alors, moi, il y a une chose que j'ai envie de soumettre comme problématisation de tout cela, puis après on va la parole aux personnes qui sont là. Twitter, j'ai plus du tout de réseau, donc je ne sais pas ce qui s'y passe. Malheureusement. Tu parlais d'investissement dans la création. Ça, c'est un mot qu'on n'a pas utilisé ces deux jours, mais en fait, on a presque ça. Parce que là, si vous demandez la parole, on va décider d'investissement. Mais qu'est-ce que ça va, qu'est-ce qu'on appelle l'investissement? D'ailleurs, tu parlais de spéculation, qui est une valeur spéculative. Nous, nous soutenons, quand je dis nous, là, c'est par rapport à ces partenaires de notre rencontre aujourd'hui, que nous vivons une époque de désinvestissement. Et d'une économie qui a conduit un société spéculatif tous azimuts, banques, etc. Et que, du coup, d'ailleurs, il n'y a plus de la propre
parlait d'individuation et de membre d'une démocratie en tant qu'individu, mais beaucoup plus de la désindividuation. Parce que le désinvestissement produit de la désindividuation. Nous sommes de la désindividuation, c'est-à-dire au sens de Simon, c'est-à-dire là, vous parlez hier de l'expropriation, de la court-circuit, de la perte de savoir, de la prolétarisation, etc. Voilà, donc je dis cela parce que ce qu'on essaie de faire ici, c'est juste de dire aussi pourquoi c'est ça ici. Je pense que s'il y a des investissements, c'est pour la raison. Pendant longtemps, ce sont en Hollande, en Allemagne, en France, etc., l'art avait un tel aura politique, telle importance culturelle, que tout le monde, par culpabilité, se disait qu'il faut faire quelque chose. On investit en télévision, si tu veux. Mais c'est cette socle-là dont je parlais, si tu veux, qui est en train de s'effriter. C'est donc, finalement, toi, les Hollandais, qui étaient très en pointe, maintenant c'est dramatique, en Italie c'est dramatique, en Allemagne c'est dramatique, mais vraiment dramatique. La France, encore, vous pouvez vous prier le ciel, vous pouvez vous prier l'argent. Dans les investissements publics en art, c'est la catastrophe pour le reste de l'Europe. Parce qu'il n'y a plus, c'est plus en jeu, la culture n'est plus en jeu. Ni pour les intellectuels, l'art n'est plus en jeu. Non. Ni pour les intellectuels, ni pour les politiques. Pourquoi la politique n'est plus en jeu ? Je ne sais pas. C'est la notion de désir que vous évoquiez. C'est-à-dire que la politique était peut-être contrainte, mais il y avait quand même. Le désir de contribuer à la mise en place d'une politique culturelle sur le territoire qui était liée à l'offre, mais il y avait quand même une notion de désir. Le politique était presque obligé de contribuer à une politique culturelle. Aujourd'hui, il n'a plus. Là, les questions de la question. Ce qui est en face, c'est plus de là-haut. Ce qui a traumatisé tout le monde, c'est plus de là-haut. Ce matin, on a parlé avec Jean-Louis Blanc de l'histoire de l'amateur au XVIIIe siècle. Bon, c'était pour qu'on arrive à avoir des idées sur là aujourd'hui. Avec un peu de profondeur de temps, et je disais ce matin, j'ai oublié de le faire, d'ailleurs, de demander à Jean-Luc Lard si on pouvait essayer de remonter plus haut, parce qu'il y a des gens qui positionnent l'émergence de la figure d'un amateur d'art dans l'Empire romain. Collectionneur qui commence à accumuler. Ce que nous soutenons, c'est que le XXe siècle, à travers un État, l'économie qui passe par la stratégie culturelle, a progressivement été liquidée, la figure d'un amateur. Pas forcément un amateur au sens. Praticien, et d'amateur au sens de celui qui n'est pas commandité dans ses goûts par des industries qui sont là pour fabriquer ses goûts, par marketing, disons, culturel ou artistique. Ce qui peut évidemment être débattu. Hein, mais... Je parle de pratique, d'amateur. Oui, mais c'est parce qu'avec le collectionneur, il est plus vaste. Oui, mais est-ce que le collectionneur aujourd'hui pratique bon, ça dépend. C'est pas de la pratique. Est-ce que François Pignot est un collectionneur? Alors, qu'est-ce que le collectionneur parle? Voilà, le collectionneur. Ouais, je pense qu'ils sont quand même fortes. Ils sont très fortement agressifs. Non, parce qu'ils sont pris par la spéculation. Peut-être qu'ils se retrouvent pris dans les dispositifs. Maintenant, on leur dit, vous détenez ça, tel papier. Et c'est là que ce jeune aussi bien porté. Bien sûr, bien sûr. Et là, c'est peut-être ce jeune aussi bien porté. Oui, je suis d'accord. Donc, et alors, par rapport à nos discussions qui sont dans ce colloque, pas que sur l'art, mais sur la évidemment un élément peut-être l'élément central. Tout cela va être pris dans une économie globale, ou alors par exemple nous posons peut-être ce que ce matin avec Jean-Louis Jam, Alain Giffard et aussi ensuite Nathalie et Mylène Benoît, Mylène Blanchard et Mylène Benoît, disons que tout ça s'inscrit par ailleurs dans des réalités techniques. Ça ne veut pas dire qu'il faut penser là à partir de la technique. Ça veut dire par contre que les relations. Processus d'individuation dont tu parlais tout à l'heure, parce que quand tu dis vivre ensemble, cela s'avance. On a traduit ça dans le langage de Simonos. L'homme, c'est un processus d'individuation collective, il n'arrive pas à faire des sauts quantiques, tu as parlé de sauts quantiques dans l'individuation. Les artistes sont les catalyseurs, ce ne sont pas les seuls, mais principaux. Aujourd'hui. Je pense que le grand problème actuellement, ce n'est pas l'individuation, le grand problème, c'est la collectivité. C'est le pouvoir. Non, je pense que le challenge actuellement, c'est. Développer son individuation, comme tu dis, sa dimension d'individu spécifique, à cause de la vie collective. Mais là, les deux sont ensemble. Les biens communautaires sont obligés de s'affirmer comme individu pour que ça agisse. Excusez-nous, attendez, parce que nous, quand nous parlons d'individuation, c'est la mesure collective. C'est-à-dire qu'on pose avec ces gens qu'un individu légitime ne peut pas s'individuer si ça ne bouge pas collectivement. C'est d'ailleurs pour ça que je fais. Et que par ce moment-là, on voit, alors avec des cercles, c'est absolument super.
que... Et alors justement, ce qu'on essaie de montrer aussi, c'est qu'à travers les techniques actuelles, il y a des processus de captation de l'annulation qui font plus d'annulation effective, et c'est vrai que des annulations sont là, et donc des annulations qui sont. Bon, tout ça, enfin, ça, des questions dans le... Parce qu'il faut qu'on avance un peu notre intervention, et je vais vous proposer à la personne de la salle qui va me poser des questions d'intervenir. Je voulais faire un lien entre les deux intentions de plaidoyer dans les voisins et l'expérience de François Hers sur la figure de l'élu, parce qu'on a pointé les limites de l'élu auparavant. On a parlé plus de citoyens, mais quel rôle l'élu joue-t-il dans les voisins? Je ne pratique pas en lumière deux conceptions de l'élu par les élus. Soit j'ai été élu sur un programme pour 5 ans, et à ce titre, c'est moi qui décide. C'est ma responsabilité. Je ne les accuse même pas de vouloir s'inscrire dans une tradition régalienne. Simplement de dire, j'ai été élu sur 5 ans, c'est mon programme, c'est moi qui décide. Et d'autres élus qui utilisent effectivement, je suis capitaine. Mon boulot, c'est d'écouter et de trouver des personnes que j'estime juste de voir nécessaire. Ce sont deux conceptions du rôle d'élu qui s'affrontent, quelquefois sur le même personnage, on parle les deux, souvent d'ailleurs. Quelquefois, il y en a des trucs que je trouve très progressistes, c'est un chien, c'est le boulot comme ça. Il faut partager la responsabilité. Souvent, c'est la personne. Il faut que je sois le boulot. Et que d'autres disent, je suis mort. Ça, c'est la maturation. Ça, c'est l'histoire qui va avancer normalement. Et je trouve pas que les choses en partent toujours vite. C'est plutôt... Ma vision un peu négative est en fait que il me semble souvent des élus... On a eu des exemples concrets hier, mais souvent des élus prennent peut-être pas toujours les responsabilités, cette prise de risque et d'assumer cette démarche collective possible. Et que je trouve qu'en ce moment, il y a un risque quand même de déléguer la gouvernance, la technocratie, à la structure, et qui là, tout d'un coup, fait que plus personne n'est responsable. Et à la limite, je préfère presque parfois un élu qui va prendre une décision, entre guillemets, d'autorité, dire bah, « j'appuie, je fais ce choix, j'assume que... » l'organisation de comités, de structures pour noyer le poisson, et qu'en bout de course, on ne sait plus qui a décidé quoi. Quelqu'un veut intervenir à nouveau? Non? Oui, pardon, je ne vois pas. Je ne sais pas qui. Ah oui. Je me demandais s'il n'y a pas aussi... le problème des individus à assumer leur propre désir d'art, et si on n'a pas perdu par rapport au désir d'art individuel une forme de phénomène naturel, et si on n'a pas développé une distance par rapport à l'art en tant qu'individu. Je ne vois pas au plus de plan politique, mais que les politiques finalement se détachent de ce désir d'art parce qu'il n'a pas de sens. Je ne dirais pas qu'il se détache. Quand même, pour le situer, imaginez qu'il puisse être prioritaire, ça n'a jamais existé dans l'histoire. Imaginez pour un citoyen qui puisse être la raison d'être d'une émergence d'œuvre d'art, que son désir puisse être décisif dans l'émergence d'une œuvre d'art, ça n'a jamais existé dans l'histoire et c'est inimaginable pour lui. Je pense qu'une grande partie du boulot de pédagogie qu'on fait au début, c'est de dire aux gens de vous aimer le droit de faire. Prenez ce droit. Imaginez, vous avez le droit d'imaginer. Ça peut aller assez vite, ça peut être long aussi. Mais c'est tellement gros que ça ne s'est jamais fait. Donc les élus aussi, ils n'imaginent pas, et sur les grandes bagarres que j'ai, et ça on revient, c'est un peu de la tête de lui. C'est-à-dire, en démocratie, le peuple n'est pas en aide de définir les critères de ce qui est dehors, moins dehors. Seuls les élus, et c'est les guerres, les vraies guerres que j'ai publiées sur la culture, hein, c'est presque un coup de poing de sa cœur. Débat,
l'artisan, mais c'est l'actionnalité de l'État, l'État garant la liberté de l'artiste, la pureté de l'art, exigence artistique, c'est nous qui sommes cultivés, qui savons ce qu'il faut faire. Après, c'est profondément ancré dans la culture élitiste, puis c'est pour ça que je dis que la contente amorie au cours aristocratique de la Renaissance, c'est encore la même logique. Et quand Rego puisse. La raison de faire émerger une œuvre dite par Madame le Floriste puisse être extraordinairement franc et pertinente, n'est pas imaginable. Pas seulement pour la Floriste, mais pour les élus, pour les acteurs politiques. Personne n'est pas possible. Je vous propose une réaction. Ça vient. Je trouve que c'est des choses à vous. Merci beaucoup à vous trois. Je vais vous supplémenter maintenant. Alors, François Chartreau, s'il veut bien. Il est dans la salle, je ne comprends pas, mais est-ce qu'il est là, Jean-François? Oui, nous allons enchaîner. Ensuite, je fais une petite synthèse de tout cela, et puis je crois que moi, mon ami Romain Pedrelli, au fond de la salle, nous terminerons cette rencontre avec Romain. Peut-être, Romain, vous voulez vous rejoindre sur le plateau? Merci beaucoup, Robin, d'être là. Nous sommes tous extrêmement sensibles à votre investissement dans votre réflexion. Donc, Jean-François va nous, va un petit peu nous dire ce qu'il va faire de l'organisation des transformations qui sont faites ces derniers temps dans le ministère, sur les rôles qu'il joue. Et puis ensuite, il nous parlera de. Territorial et dans le contexte unique. Oui, merci beaucoup, bonsoir. Je suis très heureux de prendre la parole devant vous. Je viens un léger décalage par rapport à ce qui est écrit sur le tableau. C'est qu'effectivement, je pense, si vous voulez, qu'il est de mon devoir et de mes compétences d'aborder plutôt les éléments réflexifs qui sont au niveau du ministère de la Culture, un petit peu les enjeux de demain, et qui vont penser évidemment un certain nombre de choses qui m'ont été dites au bout de ces deux journées. Il est d'ailleurs difficile de prendre la parole après. Sur l'entendu de tous les jours, parce que c'est extrêmement riche. Et donc, je vous demande un petit peu d'indulgence, si vous voulez, sur un discours que j'avais envoyé d'ailleurs à l'avance pour qu'il soit distribué, mais je crois que je vais le reprendre au vu effectivement de ce que j'ai entendu. C'est le jeu du séminaire. Alors, oui, déjà un mot peut-être de présentation et de resituer, si vous voulez, dans cette nouvelle organisation du ministère de la Culture, exactement la tradition dans laquelle on se situe. Le service que je dirige qui s'appelle le service de la coordination des politiques culturelles et de l'innovation, qui est intégré au secrétariat général du ministère, est l'héritier de l'ancienne DDC, DDF, DDAP, DDAI, c'est-à-dire l'organisme transversal qui a porté les politiques de démocratisation culturelle depuis de nombreuses années, auquel a été adjoint le département des études et de la prospective, le fameux DEP du ministère, et la mission recherche, avec des dénominations. Que je vous laisserai découvrir sur Internet, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si vous voulez, c'est pour vous situer un petit peu le positionnement de ce service dans le ministère et son rôle. Alors, je commencerai, moi, si vous voulez, par évoquer plusieurs choses qui ont été dites, parce que je crois qu'effectivement, c'est important de commencer par, au fond, la façon dont j'ai reçu un certain nombre de choses depuis ces deux jours. Yves Daugier va parler d'un décalage entre la façon dont le ministère peut appréhender, si vous voulez, les actes de création et d'une façon générale, le bouillonnement, effectivement, qui se place sur le terrain, et il me faisait part de son inquiétude à ce que les autorités, quelles qu'elles soient, les institutions, quelles qu'elles soient, n'arrivent pas à prendre, si vous voulez, la mesure de ce décalage et de la richesse du terrain. Un petit exemple à cet égard, je ne sais pas si vous le savez tous, mais ça a été dit dans la presse, le département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas forcément le département le plus facile de France, est un département dans lequel il y a une richesse de création si extraordinaire que l'ambassadeur des États-Unis s'occupe effectivement en France de trouver les talents et de leur proposer des cartes vertes, tout simplement pour les créer aux États-Unis, dans la mesure très souvent où des gens qui sont soit diplômés, soit pas diplômés, ont des capacités créatives qui ne trouvent pas à s'exprimer en France. C'est quand même un petit peu extraordinaire, donc je voulais le souligner au titre de ce décalage et de la préoccupation d'Yves Daugier. La deuxième chose, c'est que, en écoutant effectivement tout ce travail de terrain que personnellement je connais très bien, mais effectivement de par la position, si vous voulez, que je peux occuper au ministère, avec évidemment des administrations qui restent dans une logique descendante, si vous voulez. On applique des
concis, on fait des directives d'orientation, on demande au DRAC de travailler sur tel ou tel sujet. On est dans une perspective qui est très institutionnelle et c'est évidemment en partie de notre rôle. Mais je sens bien que quelque part, et vraiment les deux jours-là sont tout à fait importants pour ça, il faudrait, c'est peut-être justement le clivage que l'on sent tous, passer à une phase un petit peu plus ascendante. Alors il se trouve évidemment qu'on va retrouver un petit peu ce problème descendant-ascendant dans les différentes parties et les différents événements, si vous voulez, que je peux vous signaler. Alors en même temps, si vous voulez, cette approche descendante-ascendante me fait penser que, et c'est très net dans tous les cas qui ont été présentés, qui sont souvent des opérations très locales, il y a une dimension internationale, qui n'est d'ailleurs pas vraiment internationale, qui est plutôt une dimension de globalisation. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, plus les initiatives sont locales et plus elles s'ouvrent définitivement, si vous voulez, sur le monde entier. Ça, c'est très frappant aussi dans les exemples qui nous ont été soumis. Et le troisième élément qui a été en particulier donné ce matin, c'est l'ampleur du problème éducatif. Il est clair que, je pense, dans les mois qui viennent, on aura effectivement une réflexion sur l'école. Elle est déjà avancée, il y a eu un certain nombre de rapports. Je pense qu'il est temps qu'il y ait un vrai débat public sur ces questions, incluant bien évidemment ce que nous avons travaillé depuis de nombreuses années, et en particulier l'administration à laquelle j'appartiens, sur le concept d'éducation artistique et culturelle que nous avons porté d'ailleurs dans une mission antérieure à l'éducation nationale. Et ce problème commence d'ailleurs tout simplement par des questions qui ont été très bien évoquées ce matin par notre ami Giffard sur la lecture et les lectures. Et donc la responsabilité effectivement de la puissance publique au sens large d'ailleurs du terme, ou de l'ensemble de la population d'ailleurs sur ce phénomène d'appropriation. Il y a là vraiment quelque chose de très compliqué à mettre en place. Alors, ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que le ministère s'est engagé dans un exercice de prospective à 20 ans et vient de publier, c'était avant l'été quand même, un livre à la documentation française qui s'appelle Culture et médias 2030 et que vous pouvez trouver sous cette dénomination sur Internet. Ce serait vraiment intéressant pour nous que vous puissiez faire un retour sur la lecture de ce livre. Et sur le site, vous avez plus que la synthèse qui a été faite dans ce livre, vous avez également les fiches, si vous voulez, les variables économiques, démographiques, climatiques, liées à la diversité culturelle, liées aux évolutions de la propriété littéraire et artistique, qui peuvent conditionner, si vous voulez, les analyses de chacune des directions du ministère. C'est le travail qui est en cours actuellement, qui sera rendu fin novembre ou fin décembre, avec une phase de débat public qui n'est pas encore complètement aboutie, et dans lequel, évidemment, chacun pourra s'exprimer sur ce site ou dans d'autres enceintes qui seront prévues. Je ne vais pas vous détailler les scénarios parce que je sens que je ne peux pas. Donc je ne vous détaille pas les scénarios, je peux répondre à des questions, évidemment, si vous souhaitez en poser ensuite. Je vais donc, si vous voulez, commencer par vous donner trois éléments sur le numérique, sur le territoire et sur la transmission. Je vais essayer d'être assez rapide. Encore une fois, je pense qu'on pourra distribuer ce papier quand il sera refait. Et bien évidemment, ce sont les trois chantiers, si vous voulez, sur lesquels nous travaillons très fortement. Alors, le premier chantier, c'est évidemment la révolution du numérique. Alors, je ne vais pas reprendre, évidemment, devant vous qui en a suffisamment parlé, avez bien vu, effectivement, l'impact du numérique sur les différents stades de la création, de la diffusion, etc., etc. Je voudrais que je limite un petit peu mon propos à la responsabilité un petit peu institutionnelle qui est celle du web. Alors, je ne sais pas si je l'appelle web sémantique ou web d'autorité, c'est-à-dire le web institutionnel. Bon. Nous avons des responsabilités, effectivement, qui n'ont pas été évoquées jusqu'à présent. On a surtout évoqué jusqu'à présent plutôt la logique du web social au service du développement et effectivement de l'ascendance dont je parlais tout à l'heure. Donc, un phénomène de remontée, si vous voulez, constitutive d'un projet local. Donc, ça, j'en parlerai pas trop, d'une part parce que c'est un sujet que je possède moi, qui est en pleine évolution, et que, s'il vous plaît, il est intéressant aussi de confronter ce web social au web institutionnel et au problème qu'il peut poser. Alors, la première chose, c'est que il faut bien voir que, jusqu'à présent, la politique culturelle, elle peine à prendre en compte la réalité, si vous voulez, numérique, dans la mesure où elle a été pensée beaucoup, et presque toujours exclusivement, par rapport aux équipements culturels et aux pratiques qui étaient des pratiques de sortie qui leur étaient liées. Donc, il y a là un véritable problème nouveau. Et si vous voulez, l'exemple que je donne toujours, c'est l'exemple de la Cité des Sciences et de l'Industrie qui a 3 millions de visiteurs par an et qui a plus de 8 millions de connexions par an sur son site. Et il y a donc un effet, si vous voulez, induit sur cette cité numérique et un effet d'entraînement et de retour sur l'investissement des deniers publics beaucoup plus important sur la partie numérique que sur la partie d'entrée. Alors, ne pensez pas que je peux fermer la cité. Sciences de l'université, c'est pas du tout. Pourquoi pas plus que les bibliothèques, parce que les bibliothèques sont concernées aussi.
Mais je veux dire par là qu'il est évident que dans la mesure où il faut qu'on se pose des questions sur les nouvelles, sur les nouveaux équipements ou sur la suite des équipements actuels, on ne peut pas le penser sans le numérique et sur l'incidence du numérique. Il y a évidemment une responsabilité importante. Le deuxième point, c'est que la montée en puissance des accès de la culture à domicile qui devient de plus en plus d'ailleurs une culture nomade, dans la mesure où le terminal mobile, je crois, d'après les derniers chiffres que j'avais, vient de dépasser les terminaux fixes. Donc ça veut dire que l'Internet est plus visible, maintenant est plus vu par nos concitoyens sur des mobiles que sur des fixes. Donc ça pose un problème nouveau à tous les passeurs de culture, et ça déplace un petit peu le centre de gravité des politiques culturelles, dans la mesure où ça demande d'intervenir sur des dynamiques de développement largement dominées prioritairement par les logiques du marché qu'on a évoquées, et par effectivement l'instrumentalisation de la culture par le marché. Donc il y a là, effectivement, un deuxième enjeu, si bien compris. Alors, côté offre, le défi pour l'institution, c'est de créer, alors, un terme que j'utilise, j'allais dire un peu à titre personnel pour l'instant, mais enfin, je vais juste au bout de ma pensée, un service public numérique. Bon. Au moment où la culture a rencontré les premières industries culturelles, on a su, dans une certaine mesure, réguler ou aider à la création d'un réseau du CNC ou dans le cadre audiovisuel, avoir un service public audiovisuel. Il est temps de réfléchir à ce que peuvent être les contours d'un service public numérique. Alors, on n'est pas dans le web social, on n'est pas dans l'ascendance, mais il y a une responsabilité essentielle de l'institution, effectivement, à veiller au moins à la présentation en termes de domaine public et de gratuité à l'ensemble des citoyens de l'ensemble de ce que l'on peut avoir sur cette éditorialisation, en quelque sorte, numérique de nos fonds patrimoniaux. Côté demande, il faut veiller à ce que ces richesses soient accessibles à tous. Donc là, il y a un enjeu très important de protection du domaine public. Et il faut bien garder en tête que la fracture numérique prolonge la fracture sociale. C'est les travaux d'Olivier Denard sur la dernière étude sur les pratiques culturelles des Français qui l'a montré. Et effectivement, le développement des accès numériques à la culture, il suit le même logique de cumul que sur les accès à la culture tout court. Donc il y a là un enjeu très important qui rejoint d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure ou ce matin sur les problèmes de l'éducation à la lecture numérique. Voilà. Donc le problème là, si vous voulez, c'est de dépasser cette logique du cumul et de faire émerger une politique développée pour donner une nouvelle dimension à la politique d'éducation à la santé et culture. Voilà. Alors sur le web social, je dirais peu de choses, c'est une révolution dans la révolution, dans la mesure où on a maintenant effectivement des savoirs coopératifs qui se co-construisent par une sorte d'intelligence collective qui est un peu externalisée sur le net, je fais un peu allusion à Wikipédia, c'est le bon aspect du net, c'est l'aspect positif du net, mais évidemment, il y a là d'abord parfois quelques difficultés à réguler soi-même cette affaire, et en même temps, ce n'est jamais qu'une partie du web social, c'est la partie du web social qui nous intéresse et qui interpelle d'ailleurs le web de la première catégorie, on pourrait dire le web 2.0 interpelle le web 1.0, la question étant de savoir est-ce qu'il y a une synthèse des deux, c'est un peu le sujet de notre dernier colloque, et on commence à voir émerger l'idée d'un web 0.3, qui serait effectivement cette forme un petit peu qui se cherche actuellement et qui fait l'objet d'un séminaire, d'ailleurs que je commence avec Bernard, au centre, enfin à l'antenne de Guéry, avec donc un certain nombre de réunions qui dureront jusqu'à l'été 2012. Voilà. Alors, la deuxième révolution, c'est la révolution des territoires. Donc je rappelle que 75% quand même du financement de la culture est supporté par les collectivités locales, c'est un pourcentage en augmentation. La dynamique, si vous voulez, du développement local a depuis longtemps créé, comme il a été dit tout à l'heure d'ailleurs, un maillage culturel en France qui est tout à fait unique au monde. Mais il est bien évident que là, nous sommes, si vous voulez, sur une logique de reprise, je dirais, du poids des territoires avec l'ensemble de ce qui a été évoqué ce matin dans les procédures différentes, et ça conduit effectivement à une nouvelle logique de contractualisation qui s'est exprimée dès 2010, mais déjà plus fortement en 2011, par le fait qu'on a remis l'accent au niveau des instructions de l'UNDRAC sur les conventions territoriales de développement culturel. Alors, c'est pas une idée neuve, c'est une idée qui a 20 ans, hein, mais qui était en fait relativement, pas abandonnée, mais enfin qui n'était pas promue, alors qu'on a vu effectivement depuis longtemps des exemples intéressants de politique globale des DRAC sur un territoire donné en prenant en compte la totalité du domaine artistique, mais
un certain nombre de cas, le fait d'avoir insisté sur ce point est permis, effectivement, alors il est sorti 62 conventions, dont 43 dans le territoire rural, qui sont en cours de signature, il y en a deux dans la région centre, et je pense que c'est quelque chose qui va continuer en 2012, en tout cas, nous avons réfléchi pour et nous avons la volonté de le continuer. Alors, quant à la révolution sur les territoires ruraux, proprement dit, j'ai des éléments que je vous laisserai en écrit, je n'ai pas le temps de les prendre. Et je voudrais aborder le troisième point, qui est la révolution dans la transmission. Alors, la culture comme la démocratie n'est pas héréditaire, et ça s'organise. C'est un peu ce que j'ai retenu aussi des débats de ce matin. Je rappelle que Tocqueville disait que dans une démocratie, toute génération est un nouveau monde. Donc on a là, si vous voulez, tous les éléments d'une crise de la transmission, qui a été décrite par beaucoup d'auteurs, dont Marcel Rocher d'ailleurs, et qui ont fait l'objet, si vous voulez, de la part du service des études du ministère, d'une étude qui est résumée dans deux livres qui ont été publiés l'année dernière, Enfance et culture d'un côté, et Enfance et loisirs de l'autre. Et c'est une étude qui est extrêmement importante, puisque c'est la première étude qui a été réalisée sur les moins de 15 ans. Et comme on pensait que cette population de moins de 15 ans avait des comportements qui varieraient suivant l'âge, en fait, c'est comme si on avait effectué l'enquête dite pratique culturelle des Français trois fois, en 2004, en 2006 et en 2008, et on a publié les résultats sur une population qui a été suivie, en lien avec l'éducation nationale, d'une cohorte d'enfants, comme on dit à l'éducation nationale, très importante, qui a permis de dégager, si vous voulez, des pistes très intéressantes. Alors, je vous en ai évoqué quelques-unes. Pas toutes, on n'a pas le temps, il y a une dizaine de pistes très intéressantes. Je vais essayer de vous donner les meilleures. Alors, tout d'abord, il y a une nouvelle classe d'âge à prendre en compte. Cette nouvelle classe d'âge, le mot anglais, on va être de l'employer, donc on va dire que c'est les 5-15 ans, si vous voulez, qui n'avaient pas fait l'objet, effectivement, d'études auparavant, et qu'il convient de prendre en compte d'une façon très spécifique, de par le fait qu'ils sont les premiers qui utilisent le numérique de façon native, hein, digital native. C'est ceux qui sont des vrais lycée. Ça fait presque déjà 20 ans. Et donc on a là, si vous voulez, la constitution effectivement d'un groupe sociologique qui est extrêmement important et qui constitue très probablement ce que Olivier Denain appelle une nouvelle génération, avec un effet générationnel qui viendra de ces pratiques d'enfance et d'adolescence, qui sera très spécifique. La deuxième chose, c'est l'importance menée dans la co-construction des savoirs. Alors cette co-construction des savoirs, elle est connue, enfin, il y a bien sûr des tas de méthodes pédagogiques qui l'ont utilisé. C'est renforcé par ce qu'on appelle la démocratisation familiale, c'est-à-dire le fait que la famille dite traditionnelle a évolué vers des familles monoparentales ou des familles recomposées. Ça va dans le sens d'une pédagogie de projet censée être plus attractive effectivement que le déroulement de l'autorité du savoir dont je disais qu'il était déjà tout à fait contesté. Alors, l'étude conforte également l'idée que tout se joue à l'école primaire. Alors, on constatera effectivement que les efforts qu'on a faits sur l'éducation artistique et culturelle depuis 20 ans ont consisté effectivement à faire descendre progressivement toute la logique qui se constituait dans des instruments d'excellence ou dans des options qui étaient au niveau des lycées, comme pour des enfants qui étaient plus de 15 ans. Ça a été étendu au collège et déjà, il y a 10 ans, on avait travaillé sur ce sujet beaucoup sur les écoles primaires avec la mission agriculture à l'éducation nationale. Et tous les rapports, y compris le rapport Attali, ont bien montré, et cette étude le montre bien, l'âge précoce des premières pratiques numériques renforce l'influence des pairs à partir de 7, 8, 9 ans, les pairs PIRS, hein, et donc à partir de ce moment-là, l'institution a encore moins de poids qu'auparavant. Alors, je saute quelques éléments pour arriver, si vous voulez, à la chose qui me paraît la plus difficile à traiter, d'ailleurs. C'est cette idée que le numérique étant un espace libre par opposition à l'école et à la famille, l'âge du premier téléphone, c'est le nouveau rite d'initiation. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le téléphone est de moins en moins utilisé pour des conversations phoniques, il est utilisé effectivement pour des envois de messages et pour l'accès aux réseaux sociaux. Donc l'importance de la connexion dépasse de très loin, si vous voulez, les contenus qui s'y réfèrent. La deuxième chose, c'est que cette connexion permanente permet une mise permanente de scènes de soi-même sur les réseaux sociaux. Et que le succès des blogs, qui est remarquable chez les Français, traduit effectivement cette tension un petit peu paradoxale entre l'intimité et l'externalité. Alors, ce qui est très inquiétant dans cette affaire, c'est que l'essor des réseaux sociaux a permis, si vous voulez, enfin, a conduit
enfants, les jeunes, les adolescents, à utiliser des modèles de réseaux sociaux, des modèles de présentation de eux, sur des fiches préfabriquées, en particulier sur le site Skyrock, qui ne laisse pas de marge d'autonomie. C'est-à-dire que l'enfant se présente dans un cadre pré-contraint, qui bien entendu est un cadre qui permet de vérifier tout simplement ses aptitudes pour des raisons de constitution du marketing, évidemment, des produits qu'on cherche à lui vendre. Donc il y a là, si vous voulez, un retournement complet de la logique. Et effectivement, l'écran qui permet d'accéder au savoir, de jouer, etc., etc. devient aussi une machine à permettre de connaître effectivement les goûts et les attitudes et de détourner en quelque sorte, si vous voulez, l'attention et composer de cette façon une espèce de filet dans lequel il est très difficile de se sortir. Alors ça aboutit, si vous voulez, à cet enfant multiprocesseur dont on parlait aussi ce matin. Ça s'appelle aussi, ils le disent d'ailleurs, entre saturé et l'espace culturel. Ça consiste à rentrer, brancher la télévision, couper le son, allumer une musique, brancher un ordinateur et surtout travailler sur un ordinateur partagé ou avec un deuxième écran où d'un côté on regarde quelque chose, et de l'autre côté on fait son blog et surtout on surveille si effectivement les bits qu'on peut cumuler dans le blog nous assurent une popularité. Donc il y a une espèce de société du spectacle qui se met en place pour l'ensemble des enfants qui est assez dramatique. Alors, Michel Serres a très bien décrit dans un article auquel je vous renvoie, c'est une conférence qu'il a donnée à l'Académie française, vous le trouverez sur le site de l'Académie française, sous le titre bien connu, Les petites poussettes, pour désigner effectivement cette redoutable habilité qu'ont les enfants pour envoyer, composer des messages avec les pouces sur leur téléphone portable qu'on voit très bien avec une certaine rapidité. Voilà. Donc, c'est les éléments, si vous voulez, de réflexion et les enjeux d'inquiétude qu'on peut avoir. Alors, face à ça, je vais vous donner quelques éléments sur ce qu'on a pu mettre en place. Bon, ce n'est pas non plus la réponse à tout, j'en suis tout à fait conscient. Mais sachez quand même que dans ce service et en liaison avec l'ensemble des directions générales, c'est quand même un sujet qui, sous des couleurs variées, des dénominations variées, a quand même agi le ministère ces dernières années et a permis de lancer donc, un certain nombre de choses dont je vous donne quelques éléments. Alors, le premier élément, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la Convention territoriale de développement culturel, qui est une suite, si vous voulez, de l'aventure culture partagée qui nous avait vu venir d'ailleurs en région centre. Je m'en rappelle très bien, je crois qu'il y a un certain nombre de personnes dans la salle qui m'avaient vu à ce moment-là. Des forums régionaux, effectivement, qui a été suivi d'un forum national en février et d'un certain nombre de mesures budgétaires qui ont permis effectivement de lancer un certain nombre d'actions sur le terrain. Alors, ces conventions territoriales de développement culturel, comme je l'ai dit, elles concernent beaucoup, pour les deux tiers, le monde rural. Elles concernent également, bien sûr, des zones périurbaines et des centres-villes. Il y a évidemment tout un volet politique de la ville que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, puisque l'idée, c'est plutôt de parler quand même de ce lieu, donc plutôt sur le territoire rural. Et pour dire effectivement qu'on a essayé de travailler le sujet sur à la fois les éléments concernant le patrimoine et les éléments concernant la création. Alors, pour le patrimoine, ce qu'il faut noter, c'est que la direction du patrimoine a une notion de champ couvert patrimonial qui est beaucoup plus importante et que la définition du patrimoine culturel a considérablement évolué jusqu'à, si vous voulez, mettre en scène un nouveau concept qui touche de très près d'ailleurs toute la politique de conservation et de zones protégées, qui est donc le paysage culturel. Et tout ceci s'inscrit dans une logique qui recoupe tout à fait ce qui a été dit sur la logique ascendante depuis le début de cette réunion, dans le concept de patrimoine intégré. Le patrimoine intégré, c'est le support, effectivement, d'une nouvelle création. C'est un appui sur des racines qui permet une émergence nouvelle. Et ça, c'est quelque chose qui a été ratifié au niveau moins européen par la Convention de Faro, qui permet effectivement d'avoir cette politique partagée par les États de l'Union européenne. Voilà. Sur l'aspect créatif, on a renforcé naturellement notre politique de résidence d'artistes et d'écrivains. L'idée étant, par rapport à ce qui se passait auparavant, de ne pas du tout isoler les différents publics et de mettre de plus en plus l'artiste en contact avec la population. Donc là, on est dans la droite ligne de ce qui a été dit par tous les intervenants d'ailleurs. Et l'idée aussi, bien sûr, que ces résidences soient construites en réseau de telle façon qu'on puisse effectivement prendre appui sur les structures, les associations en capacité d'accueillir les artistes. Donc on est sorti un petit peu de la résidence qui était tantôt une résidence un petit peu
bourse d'études en quelque sorte, depuis la Médicis, hein, il y a quelques lieux qui l'ont pratiqué, qui le pratiquent encore. Et puis il y avait aussi des résidences qui étaient uniquement dans les écoles, qui avaient des effets intéressants, mais on a pensé que c'était quand même mieux que ce soit, encore une fois, au nom de la globalisation du territoire, que ça puisse concerner différents lieux. Alors, le troisième point, c'est bien évidemment, je crois que le temps passe, vous parlez un petit peu quand même de l'éducation artistique et culturelle et son développement. Alors, rappelez, si vous voulez, qu'il y a eu des coopérations très anciennes entre les deux ministères, on peut dater le point de départ de 83, avec les fameux instruments d'excellence dont je parlais, et que le combat, si vous voulez, depuis 30 ans, c'est effectivement d'aboutir à une généralisation. Alors, c'est général parce que les dispositifs qui avaient été mis en place et les crédits qui avaient été consacrés des deux côtés permettent en gros, puisqu'on nous a demandé des comptes très précis au niveau de la LOLF, de l'organisation budgétaire, permettent de toucher à peu près 10% de la population d'enfants. Alors c'est assez peu finalement. Et bien évidemment, l'ampleur du sujet et l'ampleur de l'enjeu que j'évoquais tout à l'heure sur la transmission générationnelle implique évidemment de toucher l'ensemble des enfants. Alors ce que je voudrais souligner, c'est que pour avoir suivi ce dossier personnellement depuis 30 ans, ce que j'ai noté, c'est une incidence croissante de l'action, j'allais dire autonome en tout cas, mise en place par les collectivités locales, dans des contrats locaux d'éducation artistique, ou tout simplement par le fait que les services éducatifs des grandes institutions et du maillage culturel que j'ai évoqué tout à l'heure ont accueilli quand même des milliers d'enfants, et en particulier des enfants de l'école primaire, c'est très important. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est bien évidemment élargir, bon, ça c'est déjà fait dans un certain nombre de cas, scolaire à l'ensemble du public périscolaire, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas forcément, si vous voulez, accueilli par l'institution dans un cadre scolaire qui est un cadre plus formel par l'éducation nationale, mais aussi puisse le faire avec les fédérations d'éducation populaire, les centres sociaux, dans une logique de temps plus libre. Voilà. Et je voulais souligner, si vous voulez, ce point qui fait que dans certains cas, je me rappelle avoir tenu quelques réunions sur ce sujet, certains élus me disaient, mais finalement, pourquoi c'est pas nous qui menons finalement la logique que vous décrivez au nom de l'État, nous, nous porterons au bout de ville, parce que finalement, en termes d'évolution intellectuelle, en termes de crédit consacré, en termes de développement du processus, on est quand même très largement en avance, en quelque sorte. Voilà. Alors, vous dire un mot d'une notion qui est intéressante parce qu'elle rejoint les questions de territoire, c'est la notion de parcours de l'enfant. Alors, parcours, ça désigne, si vous voulez, une entrée territorial et géographique, c'est-à-dire ça désigne le fait que l'enfant prend connaissance et conscience de la proximité de ce qui l'entoure comme institution culturelle avec des cercles concentriques au fur et à mesure qu'il grandit. Donc l'idée, c'est bien d'établir un parcours où il est bien sur la totalité, non pas de sa scolarité, mais entre 5 et 15 ans, qu'il ait pu découvrir, accompagné par l'école ou par d'autres institutions, l'ensemble des institutions culturelles qui correspondent au fond à sa zone de vie. Ça, c'est un point extrêmement important qui n'a pas été traité de façon systématique. De toute façon, c'est traité au cas par cas, mais ce n'est pas traité de façon systématique. La deuxième chose, c'est l'entrée historique. L'entrée historique, bah, c'est contextualiser les expériences. C'est l'apport aussi des 10 dernières années, quand on a commencé à parler d'éducation artistique et culturelle par opposition à une éducation artistique qui visait plutôt la pratique. Hein. La pratique est essentielle, on s'est tous battus pour ça, mais le fait d'avoir ajouté cet élément culturel à l'éducation artistique, à mon avis, est important dans la mesure où on a besoin, effectivement, si on peut, tout le monde a dit, c'est je ne vais pas reprendre ce point, mais ça permet quand même aux enfants de se situer dans les grandes périodes, dans les évolutions civilisationnelles, qui sont évidemment essentielles, là aussi, on ne dit que sur la mémoire, la défense de la. Alors, un troisième point pardon, sur le parcours, c'est l'entrée pluridisciplinaire, dans la mesure où les expériences doivent être suffisamment variées dans les différents domaines et ne pas être concentré uniquement sur un domaine artistique. On sait que l'éducation artistique et culturelle fait beaucoup de théâtre, elle fait beaucoup avec la musique, beaucoup avec les arts plastiques, elle a parfois laissé de côté un peu plus les autres domaines. Et quant à la médiation du patrimoine, qui n'est pas assurée dans les mêmes conditions évidemment par les institutions patrimoniales, ça pêche un petit peu. Il y a sans doute là un travail très important à faire justement en liaison avec les collectivités locales. Enfin, le bon exemple, si vous voulez, c'est les guitares d'histoire et les animateurs patrimoine, effectivement, qui ont pu avoir une vision de la médiation du patrimoine intéressante et qui est évidemment prolongée jusqu'à nos jours. Enfin, le dernier aspect, c'est une entrée globalisation, si j'ose dire. Les textes qui ont été mis en place pour l'éducation nationale, je vais en parler dans un instant sur l'histoire des arts, montrent bien qu'effectivement, on est en présence
une logique de parcours qui est, n'est pas uniquement franco-français, mais quelque chose qui doit avoir une dimension européenne et qui s'ouvrir évidemment aux cultures du monde, au nom évidemment de la diversité culturelle. Bon, ça, j'ai pas le temps de le développer, c'est un sujet évidemment tout à fait majeur pour moi. Alors, ce parcours, en fait, il fait référence, si vous voulez, à une sorte de territoire de base de l'enfant. Et je voudrais simplement souligner qu'il y a une continuité intellectuelle entre ce qui a été fait il y a une vingtaine d'années avec les villes éducatrices. Je me rappelle avoir participé à Barcelone dans le lancement de cette charte des villes éducatrices, qui était l'idée que la ville était un milieu écologique, si vous voulez, culturel, de découverte justement de ces trois institutions. Et cette notion qui était très urbaine a fini par aller plus loin avec des travaux récents qui ont permis de dégager cette idée du territoire apprenant. Alors, le territoire apprenant, le territoire d'apprentissage, en quelque sorte, c'est l'idée de repérer systématiquement sur l'ensemble des territoires, et pas uniquement dans le milieu urbain, toutes les richesses et toutes les possibilités effectivement, d'entrée culturelle qui peuvent se situer pour les enfants et qui exigent effectivement un effort plus sérieux de médiation que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc ça, c'est un point très important. Alors ce qui est intéressant, si vous voulez, parce que puisqu'on est à Morlaix, ce que je voudrais dire, c'est que la civilisation cistercienne, comme l'a dit, je crois, un conférencier la semaine dernière ici, a été, si vous voulez, une façon un petit peu de développement local. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cisterciens se sont toujours établis dans des lieux qui n'avaient pas été pris par les Tunisiens. Ils ont participé au défrichement final de la France, donc des territoires qui se sont développés à partir de l'action qu'ils ont pu mener. Et comme c'était sur des terrains particulièrement difficiles, il a fallu faire des efforts compliqués sur l'hydraulique, pour gérer l'eau, pour assécher les marécages, pour inventer des irrigations, pour inventer des instruments, en particulier les fameux marteaux au pilon, enfin martinets qui étaient mus par l'eau, enfin par l'énergie hydraulique. C'est assez symbolique, effectivement, qu'on soit ici à Noirlac et qu'en particulier cet été, enfin l'année dernière, se soit déroulée cette aventure des écritures, qui est un sujet qui reprend, si vous voulez, au fil des siècles, un petit peu ce que les moines avaient fait ici, de façon un petit peu économique, en quelque sorte, en permettant un territoire qui n'avait jamais été défriché de se défricher la première fois. Donc, quelque part, il y a une espèce de défrichage nouveau. L'agriculture ayant fait des progrès de productivité tels qu'effectivement, si on veut que ces territoires vivent et une population résidente forte, il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Voilà. Alors, le deuxième point sur l'éducation artistique et culturelle, c'est l'introduction. Alors, j'en dis un mot parce que j'ai eu une conversation à table hier soir. Des choses à dire et à rappeler. Il y a donc eu une introduction au ministère de l'Éducation nationale pour tous les élèves de France de l'histoire des arts, à ne pas confondre avec l'histoire de l'art. C'est un texte qui, pour une fois, n'est pas une circulaire, mais un arrêté d'organisation d'un enseignement. Il est donc devenu obligatoire en 2008 dans les écoles, en 2009 dans les collèges, en 2010 dans les lycées. Et il a surtout fait l'objet d'une sanction en avant qui est l'obligation de passer une épreuve pour le brevet des collèges. Qui a été facultative en 2010, mais qui a été passée quand même de façon volontaire par 25% des élèves, et qui a été généralisée en 2011. Alors, vous dire que tout va bien, que les professeurs sont formés, que toutes les ressources sont en place, certainement pas, mais nous avons là, si vous voulez, le ferment d'une généralisation sur lequel nos deux ministères sont dans l'obligation de travailler plus naturellement, puisque c'est une des voies, évidemment, de développement de l'éducation artistique et culturelle, à condition qu'on ne laisse pas l'éducation nationale seule. Les textes ont été pris pour cela. On a engagé un certain nombre de processus sur la formation des cadres et des enseignants. Et on a développé surtout un certain nombre de ressources dont je vais vous dire un seul, qui est une initiative qui est faite justement au numérique et qui concerne pour l'avenir l'ensemble du territoire et surtout des collectivités locales. Cette innovation, c'est le portail Histoire des Arts. Alors, c'est pas compliqué, il n'y a pas de documents distribués. Vous branchez sur l'histoire des arts sur Google et vous tombez normalement sur ce portail culture. Si jamais vous ne trouvez pas, vous rajoutez culture et vous aurez ce portail. Alors qu'est-ce que c'est que ce portail? C'est tout simplement le regroupement des pages pédagogiques des grandes institutions culturelles, on a commencé par les 80 établissements publics du ministère, qui sont classées suivant le principe d'organisation de l'enseignement. Donc c'est un outil qui a été voulu au départ pour la facilitation des enseignants sur les parcours pédagogiques qu'ils mettaient en place dans les différentes classes. Et en rentrant par niveau, par thématique, en fonction de leur désirata. C'est un site qui n'a jamais été inauguré, qui n'a fait l'objet que d'une publicité interne, où ça a été surtout ciblé sur le champ de la culture, et il représente maintenant 20% du trafic de culture.fr.
Mont-Saint-Denis de référence en ligne. Et l'élément évidemment qu'on a voulu au départ très fort, c'est bien entendu de ne pas se limiter à des institutions qui sont très souvent situées à Paris, mais permettre de plus en plus effectivement d'avoir un accès aux ressources pédagogiques des institutions de proximité. Autrement dit, on s'est engagé dans la démarche titanesque de faire comprendre au milieu de France, à toutes les médiathèques, bibliothèques, à l'ensemble des scènes spectacles vivants, tous les lieux culturels, de travailler à la numérisation de leurs données, à l'éditorialisation des données, à la fameuse annexation tout à fait centrale évidemment pour ces grosses machines numériques, qui permet effectivement de classer, de repérer donc, ces ressources dans un temps qui soit utile aux enseignants. Donc ça, c'est un appel que je lance, si vous voulez, à tous les gens qui sont là, toutes les institutions qui sont présentes, toutes ces collectivités locales, effectivement, de travailler sur ce sujet, de prendre contact avec nous, pour enrichir en quelque sorte cette phase. Je vais aller très vite sur les éléments numériques. Je vous dis simplement qu'il y a un plan de numérisation qui date de 20 ans, très exactement, si j'ai tout le monde qui l'avait lancé. Il est resté égal à lui-même et il a permis effectivement de travailler, je pense que je disais, cette numérisation d'un certain nombre de données qui peut maintenant être utilisée pour l'histoire des arts et bien sûr d'autres sujets. Et un appel à projet numérique culturel innovant qui a été lancé pour la première fois en 2010, qui là aussi a donné lieu à 62 projets soutenus par le ministère, que vous pouvez consulter sur le site Culture Lab. Culture, Collé, Lab et l'ABS. Donc là vous aurez le compte rendu des 62 projets en cours de. Et on relance un appel à la fin du mois de novembre sur ces sujets. Donc, pour ceux qui sont intéressés, allez-y. Bon, alors en conclusion, donc, je vais sauter ma conclusion parce que simplement pour rentrer dans un sujet peut-être un peu plus chaud qui permettra d'avoir des questions. Le travail qu'on a fait sur la prospective, il permet quand même de dégager des axes stratégiques qui sont des axes qu'on espère mis en débat public dans les prochains mois. En vue de l'échéance présidentielle, bien sûr, et c'est constitué, si vous voulez, comme un corpus qui permet d'alerter, en quelque sorte, les prochains présidents et les prochains ministres de la culture sur un certain nombre d'évolutions et sur les stratégies qu'il convient de mettre en place pour y travailler. Alors, le premier point, c'est la protection du domaine public et de la propriété littéraire artistique. Parce qu'on croit vivre dans un monde immobile, il n'en est rien, puisque, pour l'instant, dans le domaine public, il y a une exception culturelle qui a été reconnue au niveau de la Commission européenne et de l'Union européenne, qui, semble-t-il, fait l'objet de manœuvres. Alors, je vous rappelle que les données publiques culturelles, elles sont spécifiques et elles permettent en particulier d'assurer les ressources propres des établissements publics nationaux. Donc, si jamais ceci saute, ça ne permet plus de financer, effectivement, sur ressources propres, une partie des institutions qui sont les nôtres. La propriété littéraire artistique, c'est la même chose. On vit sur un texte fondateur qui est la Convention moderne de 1886 dont on pensait qu'il était fait pour l'éternité. On apprend que... qu'ils soient revisités. Donc là, il faut qu'on soit très attentif pour prévenir effectivement les différents ministres des années qui viennent, il ne s'agit pas de mois, il s'agit d'années, sur les différentes stratégies qu'il faudra prendre pour garder l'exception culturelle française et défendre les principes de base de nos services publics. Voilà. Le deuxième point, c'est ce que j'évoquais, la constitution d'un service public numérique avec des modes de coopération, bien sûr, avec le web social. Le troisième point, c'est une approche plus ascendante. Alors cette approche plus ascendante, elle pourrait prendre plusieurs formes. Elle pourrait prendre la forme d'un renouvellement du FIC. Alors, beaucoup de gens, quand on en parle, regrettent effectivement cette période où ce fonds interministériel pour la culture permettait de jouer dans les différents ministères et d'être peut-être plus attentif justement au demandes du terrain que ça n'était le cas ces dernières années. Donc là, c'est un sujet qu'on lance. On verra si la ministre s'en saisit ou pas. La deuxième idée qui a été évoquée déjà par au moins un candidat, c'est une nouvelle vague de décentralisation. Alors ça pose des problèmes tout à fait considérables, dans la mesure où il y a un premier problème qui est la clé de répartition effectivement des crédits qui seraient transférés. Il y a évidemment en premier lieu l'accord des collectivités locales concernées, et bien sûr l'accord des collectivités locales c'est lié à la décentralisation réelle des budgets de l'État, donc là il y a un sujet tout à fait majeur. Et puis il y a aussi le rôle de l'État en tant que tel. Quel rôle doit garder l'État par rapport effectivement à cette confiance faite aux collectivités locales sur le modèle ascendant. Alors si je n'ai pas de réponse définitive, l'important c'est pas que je donne des réponses, parce que ce n'est pas moi les données, l'important c'est de signaler l'importance des problèmes et essayer de faire la typologie des possibles pour qu'une décision politique soit prise en connaissance de cause et pas tout simplement dans l'improvisation dans l'urgence.
Donc c'est ça le sens de l'effort de prospective que l'on mène. C'est pour ça que je vous demande vraiment instamment d'aller le voir et de nous faire part de vos réflexions sur ce point. Alors, si ce n'est pas une nouvelle vague de décentralisation, ça peut être aussi une réorganisation budgétaire. Je rappelle que la culture vit sur trois budgets, le budget de la mission patrimoine, le budget de la mission création et le budget de la mission, de l'action transmission des savoirs et démocratisation culturelle, qui est le programme qui correspond au service que je dirige au secrétariat général. C'est un arbitrage de 2004, un arbitrage de Jean-Jacques Ayagon, qui n'avait pas voulu répartir, si vous voulez, les crédits de la transmission entre patrimoine et création. Il y avait un choix de tout mettre, effectivement, entre les deux budgets et de dire au patron de ces deux budgets, vous avez la responsabilité désormais de la transmission des organisations culturelles. Ils ont pensé à l'époque à une voie moyenne en gardant quelque chose d'un petit peu individualisé et qui aiguillonne les deux autres budgets. Bon, on peut se poser la question de savoir si c'est une bonne façon de faire, si ça fonctionne bien. Encore une fois, il n'y a pas de décision définitive, mais ça peut être un moyen très important pour faire avancer le sujet. Et enfin, un dernier point qui a été souvent évoqué dans différentes enceintes où j'ai pu me rendre, c'est l'idée, si vous voulez, qu'une administration se défend bien dans le temps, dans la durée, sur les principes qu'il a fondé, et là, il s'agit du service public de la culture, c'est très souvent autour d'une grande loi d'orientation. Puisque l'administration s'appuie sur la loi, si vous voulez, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le patrimoine. L'administration du patrimoine, elle s'est appuyée sur les textes de protection du patrimoine, elle est un peu la gardienne du temps, en quelque sorte. Et il manque un petit peu une grande loi d'orientation qui serait, évidemment, éducation artistique culturelle. On ne peut pas imaginer que ce soit éducation, d'ailleurs, au sens simplement initial, c'est éducation tout au long de la vie, donc c'est éducation et développement artistique culturel. Et on peut imaginer, effectivement, qu'une sorte de grenelle de la culture permettrait de redistribuer un petit peu les cartes en prenant en compte, évidemment, les questions de développement durable et de diversité culturelle, telles qu'on peut les imaginer à ce jour. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que je n'étais pas trop très prêt. Non, pas du tout. Qui veut poser une question? Là, vous montez, parce que vous m'en avez posé déjà hier soir. Oui, j'en aurais. Suscite une anxiété dans une période de crise, au moment très paradoxal ou par ailleurs,
dont je parlais tout à l'heure à propos de ce qu'on appelle l'économie créative, etc., on aurait pu entendre dire de la part de n'importe quel manager, etc., c'est la culture, le cœur du problème. Donc il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal, extrêmement anxiogène, paralysant même, inhibant, et en même temps susceptible de produire des choses, des réactions, des mouvements inattendus, probablement, plus qu'on imagine, qui relève de ce que d'ailleurs Alain Giffard encore ce matin appelait une période de transition. Nous sommes dans une période de transition. Les modèles qui ont régné pendant des années, pendant des décennies, et pas seulement dans le champ de la culture, mais dans tous les champs, et à commencer par les modèles économiques, et par le modèle économique, j'en ai parlé hier, je vais revenir, le modèle consumériste, qui s'est imposé pendant un siècle, et qui a dominé la culture à travers les industries culturelles au cours des 30 ou 40 dernières décennies, et bien ces modèles sont complètement en situation toxique intense, et on sent que ça ne peut plus fonctionner. Par ailleurs, Jean-François, tu as parlé des territoires, tu as dit beaucoup de choses, mais tu as parlé aussi de ces problèmes de décentralisation, qui inquiètent beaucoup aussi, parce que pour beaucoup de gens de culture, beaucoup me disent, mais ça c'est un danger de se défausser totalement des responsabilités de l'État, comme on le fait d'ailleurs dans tous les domaines, comme on l'a fait absolument dans tous les domaines, et donc de détruire une bonne fois pour toutes une politique culturelle. En même temps, hier, j'attaque vraiment ma synthèse, Yves Dauge disait les territoires, c'est dans les territoires que ça se jouera. Mais pas simplement aujourd'hui, mais l'avenir est dans les territoires. Nous croyons, dans ce district, qu'il a raison. Ça ne veut pas dire du tout que les nations, les pays, n'ont plus l'avenir. Nous, ce que je dis, ce sont aussi des territoires. Il y a des niveaux, des échelles territoriales, et la question, c'est la pertinence des échelles territoriales, des échelles territoriales pertinentes. Hier, Yves Dauge nous disait que la région est une échelle plus pertinente que les autres. Ça peut certainement faire sujet de discussion, mais on ne va pas y revenir. Je veux simplement rappeler cela pour essayer de faire tracer une perspective à partir de ce que je travaille. Et on va rappeler aussi qu'il a dit des alliances très importantes et qu'il faut combiner une intelligence du territoire avec une capacité à passer des alliances. Intelligence des territoires, on en a parlé tout à l'heure à propos de Nantes. Sachant qu'il n'a pas hésité, de la part d'un sénateur, il ne l'est plus bien quitté volontairement ce sénat, mais de la part d'un sénateur, c'est un peu étonnant ce mot, il a parlé de destruction des régions, destruction des territoires, et non seulement cela, il a dit révolte possible, mais peut-être nécessaire. Donc, voilà, il parle lui aussi, était anxieux, était comme Jean-Luc Balance. Moi-même, je suis interviewé après Yves parce que Yves Dauge vous a posé bien des questions. Je ne vais pas revenir, je vais juste faire une chose, c'est que ce qui concerne, c'était un peu l'idée de départ de l'ensemble de ce colloque, ça fait partie, si je puis dire, des gemmes de la réunion. J'ai essayé de redire pourquoi nous sommes en train de passer d'une économie de consommation à une économie de contribution. Et que ça, pour les politiques culturelles et pour la vie de l'art, artistique, absolument fondamental, y compris parce que le monde artistique invente des choses bien d'avant le monde économique dans ce domaine. Donc tout ça, ça constitue, nous disions, une nouvelle époque industrielle. Alors, je vais aller très vite, rassurez-vous. Je retiens des choses, des livres qui, à mon avis, se font écho les unes avec les autres et qui font qu'on voit qu'un travail a que quelque chose d'un processus de transindividuation s'est produit pendant ces deux journées, que les convergences se sont opérées. Pierre Vels a beaucoup insisté sur le rôle des savoirs, bien entendu, et des externalités, ce qu'on appelle les externalités. Il a souligné, c'est un des points essentiels à mon avis sur l'intervention, le fait que le marché ne peut pas fonctionner sans une sociabilité qui n'est pas dans les arts, qui ne relève pas simplement du marché. Et c'est à partir de là qu'il a posé la question de l'économie des externalités. Celle qu'on appelle négative parfois, donc les questions d'avantages, on appelle ça aussi des stratégies négatives, les externalités positives, il y a des stratégies positives, et à partir de là, il a également soulevé le problème de la propriété, et du problème que pose un certain processus d'appropriation aujourd'hui, en particulier de la vie d'esprit, dans l'économie contemporaine,
en disant, je crois, j'espère que le travail passe à penser, mais que ça ne pouvait pas se maintenir en état, ce processus-là. Or, il se trouve qu'après, l'après-midi, Christian Fauret a lancé un mot choquant, d'ailleurs, propre à rien. Il y a eu des mots choquants pour cette rencontre. Révolte, propre à rien, désespoir parfois de Jean-Louis Bonnin, c'est pas des mots, c'est une attitude. C'est ce sont des choses qui frappent. Propre à rien, Christophe Fauret, c'est vous montrer à partir de l'industrie, ce qu'on appelle à tort l'industrie matérielle, c'est vrai, une nouvelle industrie, dont relève ce que la Gifard appelle ce matin, parce que la Gifard appelle ce matin donc les nouvelles industries culturelles, ça, il faut l'analyser précisément, avec, en distinguant les fonctions de l'appareil industriel, par exemple les fonctions de transport, qui sont des fonctions classiques de l'industrie, et des fonctions de transfert, qui ne sont pas du tout des fonctions classiques. C'est dans les fonctions du transfert qu'il nous a dit le Web 2, c'est une industrie du transfert. Le transfert, ça veut dire aussi, on analyse un certain nombre de choses, on fait quand même un peu les transferts très riches, en particulier les transferts de propriété, les transferts de droits, délégations. Il nous a dit à quel point c'était un enjeu majeur pour les territoires, dans la mesure où si il n'y avait pas une intelligence territoriale, et là je. Pour le sujet des discussions que j'ai eu avec Guido, le président de la table, avec qui nous parlons, je vais pas donner une suite à tout cela, intelligence territoriale, maintenant il faut la remettre à niveau, parce que ça évolue tout ça, et donc cette intelligence, il faut la requalifier très fortement. Ça aussi, c'est un problème de l'île de Nantes. Il faut arriver à se remettre à niveau, c'est des sujets dont il faut s'emparer, qui sont les nouveaux sujets, et pas ceux d'il y a 20 ans. La question, donc, c'est que si cette intelligence territoriale ne se développe pas, alors il y aura des investissements locaux dans les infrastructures, par exemple, ce dont on a parlé hier au niveau du département du Cher, réseau Wi-Fi Max, qui permettront à des acteurs hors du territoire de tirer les bénéfices de ces investissements. L'exemple qu'a donné Christian Fauret, c'était le discours de France Télécom, disant j'ai pas envie d'équiper la France, que ce soit Google, c'est-à-dire l'industrie de transfert, qui ramasse l'argent. Par ailleurs, Christian vous a expliqué un peu en détail comment fonctionne par exemple une requête Google, et quand on pose une question, en fait, la question qu'on pose, elle était déjà anticipée par le système, et que tout cela a un certain nombre de conséquences. Il n'y a pas du tout une connotation, les enjeux de la part de l'histoire de cette industrie, mais la nécessité de développer une compréhension technologique de tout cela qui a du long. Et à partir de là, il a conclu à la nécessité de produire ce qu'il appelait des référentiels numériques territoriaux à travers le développement de ce que nous appelons des digital studies, pardon de voir l'anglicisme, mais c'est parce que nous réagissons quelque chose qui s'appelle aujourd'hui digital viewing, c'est quelque chose dont on a parlé avec le ministère de la Culture en Égypte récemment. Et il a terminé en disant les solutions sont à inventer par les territoires, ce ne sont pas les consultants dans l'extérieur qui peuvent apporter des solutions, ce sont les territoires qui doivent s'en emparer. Avec des gens, par exemple, comme les artistes qui interviennent pour les nouveaux commanditaires, bien entendu. Je ne dis pas que les artistes qui interviennent pour les nouveaux commanditaires doivent apporter des réponses à ces questions-là. Ce que je veux dire, c'est dans le même état d'esprit que ça doit se faire. Jean-François Caron a donné Jean-François Caron, donc le maire de Lens-en-Goël, une petite commune du bassin minier, tout à côté de Lens, et près du Louvre-Lens, c'est comme ça que je l'ai connu parce que j'ai un peu travaillé sur ce sujet, nous a montré présenter une politique contributive de développement territorial absolument impressionnante dans une toute petite ville qui faisait 7000 habitants et qui avait dit 8000 hier, je crois que c'est 7000 et dans un contexte qui était très intéressant, c'est aussi pour ça que je les ai venir, que j'ai fait venir Jean-Louis Bonnin et Olivier Carreau, à savoir que dans un contexte de reconversion, le bassin minier est en reconversion depuis maintenant pas loin de 30 ans. L'île de Nantes est également en reconversion. Les points de départ ne sont pas les mêmes, les moyens ne sont pas tous les mêmes. L'intelligence d'un élu très présent sur son territoire, qui obtient des résultats absolument extraordinaires, est très intéressante. Et ce serait peut-être intéressant un jour de faire venir ici Jean-Marc Guéraud et Jean-François Caron pour parler avec Ildo, je vais peut-être entendre d'autres, de finalement qu'est-ce que les élus peuvent apprendre de toutes ces expériences. Il y a aussi un problème de réconversion au Cher, d'ailleurs, parce que l'agriculture du Cher est dans une situation absolument catastrophique. Or, l'économie du Cher, c'est essentiellement l'agriculture, c'est pas
pas seulement, heureusement, mais il y a un énorme problème de reconversion. Moi-même, j'ai parlé, en fait, dans mon intervention, de réinvestir le territoire, parce qu'il y a une valeur ici, c'est l'espace, tout simplement, l'espace vivable, et que c'est quand même extrêmement dommage de ne pas finalement avoir une vraie politique en l'articulant avec ces technologies qui rendent possible d'investir, qui rendent possible des investissements dans ces espaces. Franck Cormeret a repris tout cela, on a parlé avec Jean-François Caron de capacitation au sein de la partie saine, c'est-à-dire de déprolétarisation des individus et de reprise en main de leur destin par la reconstruction de savoir, par la repropriation, si je puis dire, pour reprendre un terme qui paraphrase ce que disait Christian Forêt. Et Franck Cormeret a dit, il y a quand même des technologies politiques, des technologies politiques nouvelles, au sens où Foucault en a parlé, et qui sont aussi des technologies économiques. Ils doivent permettre l'invention d'un nouveau commerce qui serait du grand marché, une écologie relationnelle, par rapport à quoi, et une économie relationnelle, par rapport à quoi il a proposé toute une série de dispositions extrêmement précises, très abondantes, un peu trop parce que certains étaient perdus, mais c'était extrêmement riche, et où il a dit deux choses que je vais retenir, pour moi sont extrêmement importantes. Le travail, ça n'est plus la division du travail, mais la coopération dans le travail. Et ce qui va organiser le modèle industriel de demain, ça n'est plus une division industrielle du travail telle que Madame Smith, au début de La Richesse des Nations, par exemple, a décrit, c'est la coopération au travail, et ça, c'est l'économie de la coopération. C'est très important, parce que quand on écoutait tout à l'heure François Hirst parler, il parlait aussi de quelque chose de ce type. Dans des rôles qui ne sont évidemment pas des rôles dans une entreprise, mais dans un œuvre commun. D'ailleurs, je vais dire que c'est Bornier, n'est-ce pas? Tout à coup, j'ai perdu son nom. Monsieur Bornier, c'est Jean-Louis. Enfin, j'en ai pas encore parlé, mais qui parle de l'œuvre qui œuvre et qui œuvre, ce que j'ai dit, les mots qu'on est derrière. Quoi qu'il en soit, Franck Cormeret a posé ce point-là, et d'autre part, il a posé que le problème de capacitation, c'était un problème de valorisation des externalités positives par de nouveaux processus de redistribution, de fiscalité, etc. Donc, par une nouvelle logique de la redistribution. Sachant que, et après, ça avait beaucoup parlé de la redistribution. Et Jean-Louis Bornier, précisément, nous a ensuite parlé dans son territoire, où on a visité des territoires de toutes sortes de Jean-Louis Bornier nous avait parlé. Il y a de la commune de Bessé, à l'époque où les nouveaux candidats ont déclenché leur action, qui a duré 8 ans, avec un artiste que vous connaissez peut-être au moins, qui a fait 8 ans, une commune de 23 habitants, et il nous a montré comment le territoire a été œuvré, ouvré, ou ouvragé, je ne sais pas comment vous dire, par ce que moi j'appelle un processus d'habitation collective déclenché par un travail artistique. Et avec des moments difficiles, que je vous recommande vraiment d'aller voir sur le lien que vous avez indiqué hier, le film qui a été réalisé par François Hirst et qui décrit ce qui s'est passé là, qui est absolument extraordinaire, où vous comprendrez beaucoup mieux ce qu'il n'a pas eu le temps de développer, le rôle du médiateur en fait, dans cette organisation par les nouveaux communautaires. Et il a dit deux choses en lui demandant sur lesquelles je veux insister, c'est que ça n'a pas toujours été facile d'aller sur Mitzot, il y a eu des conflits, il y a eu des moments où ça a failli casser, il a dit les massettes ont failli voler par exemple, les massettes, les jeunes gens qui taillaient des cailloux, et puis il a insisté sur le fait que c'était un processus à long terme. Or, hier, ce qu'a dit Hildo, le plus important, c'est qu'il n'y a plus de vision, c'est-à-dire une capacité à projeter par rapport à un horizon dont la question avait été soulevée par Alain Majestin, le président du Conseil. Conseil général du CHER, qui a ouvert son colloque, la question de l'horizon, qui est une question de vision. Il faut avoir une vision pour pouvoir marcher vers l'horizon et ne pas être anxieux du fait que l'horizon recule à mesure qu'on avance. Ça ne fasse pas peur. Nous sommes dans une temps de la peur, ce qui fait peur. La question de construire de la vision, voilà une question fondamentale. Alors, ce matin, Jean-Louis Jeanne, que je remercie beaucoup d'être intervenu, parce que je tenais absolument à ce qu'il intervienne, il avait été très, lui aussi, doutait beaucoup de l'intervenir, pour nous, et peut-être pour lui aussi. Finalement, je suis très content, parce que Jean-Louis m'a dit, ah, je suis très content d'être venu, ça va être vraiment cool. Mais il nous a dit, lui qui connaît très bien l'histoire des amateurs, et c'était un des points qu'il fallait développer, les amateurs, c'est une figure qui a une longue histoire complexe, extrêmement importante,
pour moi la principale figure de l'économie invisible, au sens où Freud employait ce terme. C'est l'amateur, c'est celui qui aime ses amis, c'est celui qui aime les vins qu'il fréquente, c'est celui qui aime ses enfants ou sa femme ou son amant, et c'est celui qui aime la politique, c'est celui qui aime la peinture. L'amateur, c'est celui qui crée du social, c'est celui qui rend la vie possible. Cet amateur, il nous a raconté déjà comment progressivement sa figure a été réduite à peau de chagrin, d'une certaine manière, parce qu'il constituait, c'est-à-dire, il le définissait comme un bénévole qui a une technique, voilà, c'est ça la définition que nous avons proposée ce matin, il constituait une menace pour une figure qui est apparue avec Diderot, d'ailleurs, disait-il, en rappelant un peu méchamment, j'ai trouvé que Diderot vendait beaucoup de tableaux à Catherine de Russie, on dit que c'était un marchand. Alors, je ne sais pas, moi j'aurais tendance à dire que c'est un philosophe, en tous les mots, quand je vais être marchand et philosophe. En tout cas, l'amateur est devenu une menace pour celui qui émergeait, qui est devenu le professionnel. Et donc, Jean-Michel nous a expliqué, en passant par la musique beaucoup, ce qui était très très délicieux, parce que c'est un musicien, Jean-Michel, nous a expliqué comment il s'agissait au XXe siècle d'intégrer l'amateur dans le système économique, en fait, pour le si vous me permettez cette expression, excusez-moi, pour le déshabiller, moi, pour le déculoter, c'est pour lui envoyer, pour lui enlever, pour le priver de ses armes. J'avais appelé, quand j'étais à l'IRCAM, j'avais parlé d'un auditeur désarmé, c'est-à-dire des oreilles qui s'appuient à la musique, qui n'ont plus de main pour la jouer, etc. Un désarmement des organes de perception qui font qu'il n'y a plus d'amateur. Et ça, c'est, il a dit, il s'agissait de le contenir, je le cite littéralement, dans une certaine médiocrité, c'est ce que j'appelle voilà, la consumérisation. Alain Giffard a repris ces questions sous l'angle de la distinction qui fait. Lection et méditation, qui sont des catégories qui datent d'il y a près de 1000 ans, pour essayer de penser les techniques de soi, que sont les techniques de lecture alors, se penser alors sur ces catégories, et il a analysé la situation de la lecture à l'époque de Bougain, en focalisant sur les questions d'attention, que je parlais tout à l'heure, en parlant d'attention orientée texte et d'attention orientée médias. Et en outre, par ailleurs, les nouvelles industries culturelles exploitent la notation de l'attention orientée immédiate en faisant du bout de la chaîne, c'est-à-dire le destinataire, du lecteur, non plus comme les industries culturelles du XXe siècle, du producteur, la chaîne de valeur en la produisant avec ce lecteur, c'est-à-dire avec celui qui arrive à la fin, qui devient un acteur, mais un acteur qui n'est pas nécessairement ce que nous voudrions voir dans la figure du contributeur. Il a rappelé, il a montré que cette économie est. En anglais, double side, c'est-à-dire qu'il y a deux foyers de rentabilité et qui sont inséparables, qui font système l'un avec l'autre, comment instrumentaliser les comportements de lecture pour pouvoir capter à la fin de la publicité et vendre les comportements, les modélisations de comportements. Et il a terminé une proposition importante qui est l'exercice de lecture numérique, qui sont de la belle tête des Phéniciens et des Grecs antiques. Cet exercice de lecture numérique consistant à, non pas du tout à rejeter le numérique, hein, vous avez bien compris que ce n'est pas du tout quelque chose que nous avons en tête, mais à le véritablement à l'investir d'une manière thérapeutique, c'est-à-dire au sens où chez nous, quand il y a un pharmacone, il faut une thérapeutique, nous appelons une technique de soi, qui n'est pas individuelle, évidemment, et qui doit être collective, ce qui nous a conduit à poser, après un débat avec Pierre Valls notamment, la nécessité de rencontrer ce fait de l'éducation. Et pas simplement dans l'éducation périphériquement, mais en remettant au cœur les questions de l'école, les questions scolaires, ce que nous appelons les attentions tertiaires, la question du numérique. Ensuite, nous avons vu, j'accélère, hein, parce que c'était beaucoup plus près, vous l'avez encore bien en tête, il ne s'agit pas simplement de faire un résumé des connexions. Nous avons eu une intervention de Nathalie Blanchard qui a bien montré pourquoi et comment ça n'est pas une métaphore de parler de la photographie comme d'une écriture. Et c'est pas simplement une écriture au sens où on peut dire tel photographe. Telle écriture au sens où il y a telle structure formelle qui revient, qui sont caractéristiques, typiques de son style, de sa singularité, mais l'écriture au sens où on s'écrit des lettres, on s'écrit des lettres, on s'envoie des images, on s'envoie des photos. Et qu'à partir de là, ayant rappelé qu'elle-même est devenue photographe par la photographie numérique, donc pas du tout au sens de la photographie numérique, mais dans le numérique même, elle a soulevé. De l'attention à nouveau. Alors, un registre extrêmement intéressant, il disait avec les appareils photonumériques, on est beaucoup moins attentif à l'objet que l'on photographie qu'avec l'appareil argentique qui nécessitait des réparations.
mais on est attentif aux destinataires, n'est pas le cas. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est ce qui l'a conduite à poser toutes sortes de questions que la soutenance passante est importante, comme l'attention différée, par exemple, à soulever le problème, à parler des enjeux qu'elle a appelés phénoménologiques et politiques de la photographie numérique. Phénoménologique au sens où, elle a dit, l'appareil photonumérique est un outil phénoménologique permanent qui me permet de tracer ma conscience, de faire une phénoménologie de ma conscience. Bon, parce qu'on parle d'une phénoménologie de l'esprit à travers la photographie numérique. Et puis, politique, parce que tout ça est partageable, se fait dans le partage. Et évidemment, c'était nécessaire. Elle a rappelé le rôle que la photographie a pu jouer, ça le fait revenir hier matin d'ailleurs, dans les, on appelle le printemps. Ensuite, Mylène Benoît, ce matin, nous avons terminé avec elle, a parlé de l'excès d'image, de la souffrance, des images de souffrance qui faisaient souffrir son propre corps, et comment elle s'est mise à travailler, elle qui est plasticienne, avec des danseurs et avec des corps, pour faire, en quelque sorte, s'incorporer des images dans une chorégraphie des corps et des consciences, qui était extrêmement convaincante, pas simplement par son discours, mais parce qu'elle nous a montré. Et à travers tout cela, nous avons vu, ainsi qu'à travers les interventions de Jean-Louis Favre en particulier, se poser ce que j'appelle même question de l'organologie générale, l'organologie du corps et de la conscience, et ses instruments, les rapports entre les instruments, le corps, le tiers-corps social. Et c'est ce qui m'a amené à faire une proposition que je refais là. Pourquoi ne pas faire un jour prochain, ici à Noirlat, d'ailleurs, toujours sur la boucle sensorimotrique de la matière, c'est-à-dire sur la sensibilité de la matière et la manière dont elle se construit. Dans des contextes qui sont ceux de la vie artistique, de la vie. Bon, je ne vais pas vous parler maintenant longuement de François Hers et de Jean-Louis Bonnin et Olivier Garou parce que vous voulez les écouter. Je voudrais simplement souligner que François Hers, pour moi, c'est pour ça que j'avais dit, parle de processus d'individuation qui chie intimement lié à une individuation collective qui se fait par les œuvres d'art. L'œuvre d'art produit l'individuation collective, et là, l'individuation collective, ça n'est pas une noyade de l'individu dans la masse, c'est au contraire une constitution de l'individu dans la reconstitution d'un public, et donc d'un corps public, d'un tiers corps autour d'une œuvre. C'est pour ça qu'il m'a invité. Il n'a pas eu le temps de parler du médiateur. Comme je disais, il était tout à l'heure dans l'escalier, c'est dommage, je n'ai pas eu le temps de le faire, alors on ne trouve pas l'occasion. C'est une technologie. Ce médiateur, c'est une technique ou un protocole qui permet d'élaborer. Un savoir catalysé et individué. Et puis évidemment, on a parlé de Nantes et de l'île de Nantes, qui vous a montré, c'était une expérience d'analyse de cas en vraie grandeur et en temps réel, d'une difficulté qu'il y a aujourd'hui dans cette période de transition, finalement, à relancer des politiques qui sont des politiques de très très grande qualité sur des bases un peu nouvelles. Où la nouveauté vient bousculer un petit peu les hypothèses mêmes de ces politiques de départ. Voilà ce que je voulais dire, et je terminerai en disant que, évidemment, c'est intéressant parce que je crois que beaucoup de gens me l'ont dit ici. Il faudrait d'abord que c'était ici, on regrette beaucoup qu'il n'y ait pas plus d'élus. Les gens qui sont venus de Nantes ne sont pas des élus. Les gens qui représentent le territoire du Cher ne sont pas des élus, etc., etc. Donc c'est bien, il y a des artistes, de la culture, des associations, mais il n'y a pas d'élus. Ça, c'est très difficile. Comment voulez-vous faire quelque chose si les élus ne s'intéressent pas à ce que vous faites? C'est un très, très gros problème. Donc, il faudrait essayer de faire autre chose en sensibilisant les élus fortement pour leur dire mais venez, prenez, donnez-vous un peu de temps à ça, parce que c'est vraiment l'avenir. Alors, j'ai eu un élu quand même, c'était du jour, j'ai passé pratiquement les deux jours, j'y ai parti tout à l'heure. Mais voilà, ça c'est un très beau problème. Il faudrait essayer d'enchaîner. On va essayer aussi de publier tout cela, non pas pour en faire un livre, souvent, mais on va essayer comme l'éditorialiser sur Internet, en utilisant peut-être des technologies comme le temps pour que ça devienne un outil, une base de données, y compris en faisant aussi des petits résumés vidéo pour que les gens puissent regarder en 3 minutes ce qu'ils ont dit dans telle discussion, etc. Et pour que nous puissions enchaîner et continuer, parce que ce colloque nous intéresse. Dans un processus. Voilà. Je rappelle d'ailleurs qu'il a été préparé ce colloque dans un séminaire qui a duré quelques mois et que c'était très important cette préparation qu'ils ont faite avec la ville de Noirlat.
avec parfois des doutes et même, disons-le clairement, des gros, des engueulades, parce que rien ne se fait d'important sans une petite difficulté. Voilà, pas entre nous, ces personnes sont parties à saisir. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Maintenant, je voudrais vous dire que, d'abord, je voudrais remercier très vivement, on ne fait pas de pause, hein, parce que, pardon, Robin, là, vous qui êtes un homme qui a l'âge, et on ne fait pas de pause. Parce que si on fait une pause, c'est comme que, avant de vous exiger. C'est très intéressant. Robin Renji, vous le connaissez, bien entendu, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Ce que je voudrais vous dire, quand même, d'abord, je voudrais vraiment absolument le remercier très chaleureusement d'être là, parce que je sais que ça lui coûte quand même un peu de difficulté. Robin Renucci, d'abord, qui est un homme à sa lumière, nous en sommes extrêmement fiers, que vous pouvez voir une intervention qu'il a faite au Théâtre de la Colline dans le cadre de la Sénégalise, il y a un an et demi, au mois de juin 2010, qui est absolument formidable. Non, retour avec cette intervention sur le web, sur le site web de la Saint-Socialiste. Robin Renucci est très connu comme comédien, bien entendu, comme metteur en scène, mais c'est aussi quelqu'un, ça se sait, mais c'est moins connu, qui a monté en Corse, il y a maintenant plus de 10 ans, une association qui s'appelle l'ARIA, et qui fait travailler ensemble, je dirais, des artistes et des amateurs. Artistes professionnels comme le sont souvent en France, c'est-à-dire intermédiaires du spectacle d'ailleurs, et pas seulement, aussi des médiateurs, en un sens des professeurs, enfin, des gens de l'éducation nationale, des gens des équipements culturels comme celui-là, etc. Et que chaque année, il produit une série de productions de pièces de théâtre avec à peu près 150 personnes. Voilà, maintenant dans un équipement absolument magnifique, vous pouvez aller voir dans Nicapel, qui est un endroit dans la Haute-Corse. Formidable. Et il fait ce travail dans la discrétion et tout ça, et bien, parce que c'est un amateur. C'est un vrai, si je puis dire, un amateur professionnel. Et qu'il a un amour du théâtre et du territoire extrêmement actif et fécond. Fécond au sens où Diotima, dans le banquet, parle de la fécondité de la vie. Il se trouve que il est intervenu l'an passé à Saint-Denis dans un contexte où il n'a pas parlé du territoire, mais peu après une séance, nous ne avions pas parlé du territoire. C'est-à-dire nous avions fait, peu de temps avant, deux ou trois mois avant, au Théâtre de la Colline, une intervention sur la nécessité d'intervenir au niveau territorial à Saint-Denis. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire nous pensons qu'il est très important de travailler avec le territoire, au niveau territorial. Je ne sais pas si c'est l'échelle territoriale, régionale, départementale, communale ou autre, mais en tout cas, dans un rapport à la territorialité, je ne vais pas revenir là-dessus sur le fond parce que j'en ai parlé hier, la re-territorialisation, et Robin pratique cela, et non seulement il le pratique depuis longtemps à travers l'ARIA, mais il l'a inscrit au cœur d'un projet, qui est le projet de Tréteau de France, dont il est maintenant directeur, qui est en train de mettre en place son dispositif, qui est un projet qui est extrêmement novateur, dont je lui ai demandé s'il avait envie de nous parler un petit peu ici, parce qu'il est extrêmement représentatif, ce projet, de ce que nous avons, de ce dont nous avons discuté dans ces deux journées. Voilà ce que je voulais dire pour introduire Robin, à qui je laisse la parole. Je remercie Bernard, mais je vous remercie d'avance de l'attention que vous voudrez bien prodigué, connaissant évidemment, et vous voyant regarder votre montre pour certains, ce que vous vivez en ce moment, c'est-à-dire une attention profonde, maintenue, soutenue, et que je vous propose de maintenir, de soutenir encore quelques minutes, donc je n'abuserai pas. Mais l'exercice, on voit bien, il est au cœur de notre réflexion, c'est-à-dire comment prêter autorité, c'est-à-dire le foyer d'autorité étant chez celui qui l'a permettre à celui qui parle de proférer. Je vais tenter de le faire en suscitant chez vous le désir de me répondre si toutefois nous pouvons continuer quelques minutes. C'est-à-dire que j'entends derrière cela que je m'adresse à vous et
la notion de cette adresse, pour moi, elle est essentielle dans le ton de ma voix, dans le fait que je provoque votre silence et que vous désirez être augmenté par ce fait que je suis auteur des mots que je prononce, au sens étymologique de l'auteur. Et j'emploie évidemment notre champ langagier d'art industrialiste, puisque je sais que vous êtes tous très proches de l'association et que nous avons un champ lexical commun qui nous permet de situer là où nous sommes. Alors, en préambule, je dirais que je suis heureux que ça se passe ici, bien sûr, dans la pays de Loire-Lac, en me souvenant des Sumériens qui ont gravé sur leur plaquette en cire il y a quelques milliers d'années les premiers jets d'écriture. Dans ce lieu dédié à l'écriture et aujourd'hui souligné davantage dans ce domaine, eh bien c'est tout à fait sensible d'un point de vue du territoire, bien sûr, là où nous sommes en ce moment même en train de parler. J'y suis venu il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, non pas à l'abbaye, mais dans la région, à Sagone, et je rectifie juste Bernard, pour dire qu'il y a une élue dans la salle, il y a André Joly qui est là, qui a l'air de Sagone, petit village de quelques habitants non loin d'ici. Et j'y suis venu il y a quelques semaines, pour la même raison, c'est-à-dire le désir profond de voir un peu d'inconnu au-delà de nos sidérations, hein, de ce qui arrête notre regard, de le pouvoir projeter ensemble. Et André Joly, qui a quelques années de vie, et qui projette loin devant elle, dans l'école communale existante et qui a été désaffectée, tout simplement, par le regroupement scolaire que vous connaissez dans toutes ces régions, a décidé d'en faire un lieu de partage culturel. Donc, voilà, je tenais à le souligner parce que c'est une région qui, évidemment, bouge énormément et que je sais qu'en vrai, ça me touche. Alors, Bernard parlait du territoire. En effet, moi, je viens d'une toute petite région de Corse, en partie maternelle, et paternelle bourguignonne, là aussi, dans un petit village. Donc l'aspect de la ruralité me touche beaucoup. Et j'ai eu la chance de m'en extraire, oui, à un moment, pour aller rencontrer, quand j'étais très jeune, sur les lieux d'éducation populaire, qui étaient les stages de réalisation, c'est comme ça que ça s'appelle, au moment où il y avait une union de la construction de notre pays dans l'après-guerre, dans le prolongement de Jeanne Laurent, vous le savez, sur la décentralisation de notre pays, au plan culturel, la création et la conjonction des ministères de la jeunesse et des sports à l'époque, de la culture et de l'éducation nationale. Donc le fait qu'il y ait cette conjonction-là m'a absolument transformé. Parce que le monde de l'école que je connaissais et qui n'était pas à son stade d'abîme dans lequel il est aujourd'hui amené, et entendez derrière ça non pas quelque chose qui serait chez moi ni nostalgique ni non plus catastrophiste, mais je dirais toujours dans le préambule l'enthousiasme que j'ai à vivre à cette époque, l'enthousiasme de pouvoir vivre dans ce moment de crise, qui fait que nous allons ensemble, peut-être nous n'en verrons pas tous à l'aboutissement, mais transformer notre monde obligatoirement, toute génération comme tu le rappelais tout à l'heure, Jean-François, chez Tocqueville, amène un monde nouveau. Aujourd'hui, le monde nouveau, qui n'a plus rien à voir avec celui d'il y a 55 ans, lorsque je suis né, il y a tout juste un siècle de nous, où les gens vivaient quelques 400 000 heures. Aujourd'hui, nous vivons près de 700 000 heures. Alors, ça reste des secondes. Mais ces 700 000 heures à vivre et à projeter ou à être pétrifiés, sidérés, c'est une grande différence avec nos aînés. Et lorsqu'il vivait 400 000 heures et qu'il travaillait près de 200, voire plus de 250 ou 300 000 heures, alors que nous arrivons à ne travailler plus que 65 000 heures à peu près, eh bien ça veut dire que notre temps libre, il a augmenté, il a été totalement capté, rapté, vous le savez bien, par les industries de programme qui nous détériorent vraisemblablement beaucoup, dont le monde de l'école. Alors quand je découvre que, dans les années 70-75, il y a des femmes et des hommes qui viennent tous des grands mouvements de la pensée de Condorcet, hein, qui disait que tant qu'il y aura des hommes qui n'obéiront pas à leur raison propre,
mais qui dépendront d'opinions étrangères, le monde restera séparé entre deux parties, celui des maîtres et celui des esclaves, celui des hommes qui raisonnent et celui des mondes et des hommes qui croient. Derrière tout ça, toute la pensée laïque, toute la pensée de l'éducation populaire qui a son fondement dans le temps libre, c'est-à-dire la formation tout au long de la vie, qui n'est pas seulement celle dépendante de l'école, mais le temps de se former, de continuer à exister dans cette formation, et donc à exister, c'est-à-dire à mettre hors de soi cette capacité à produire. À produire quoi ? Du symbole. Parce qu'il y a quelque chose d'inhérent absolument à l'être humain, c'est de produire du symbole. Depuis la grotte Chauvet, il y a 30 ou 35 000 années, des dessins qui sont là, et cette volonté de laisser des traces hors de soi-même, à nos écrans, à nos plaquettes, dont on disait tout à l'heure que le même écran pouvait être à la fois source de savoir et en même temps d'intoxication, c'était la même chose pour le livre, c'était la même chose pour tous les objets techniques que nous avons pu inventer et mettre hors de nous-mêmes. Alors l'éducation populaire, elle rappelle juste une sorte de lien absolu entre l'époque et les hommes qui ont besoin de mettre hors d'eux-mêmes, qui ont besoin de se parler, qui ont besoin de symboliser avec ce qu'ils ont comme outil. Outils techniques, de leur langue, de leur capacité à produire du chant symbolique. Alors j'étais en contact avec ces accompagnateurs de production symbolique. Voilà. Depuis la maternelle que j'avais vécue, en passant par le primaire qui à ce moment-là était encore bien en place, le collège qui était nettement moins de ce point de vue, on était déjà dans les années des mois de Bré, Ami et autres. Moment un peu d'agitation des après 68, mais il y avait un lieu qui existait très fort, c'était le champ hors temps scolaire. Les milieux d'éducation populaire, les milieux des associations qui viennent contribuer à construire le champ de l'école. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est surtout un chantier qui est en train peut-être de revenir et de se reconstruire, c'est le chantier du domaine de l'action publique avec le milieu associatif des associations d'éducation populaire notamment. C'est-à-dire celle qui s'occupe du temps libre, puisque c'est celui qui a augmenté le plus, c'est celui qui a le plus été aussi en proie aux industries de programmes. Donc je découvre très jeune les stages de réalisation. Alors qu'est-ce que c'est ? Et pour en venir donc maintenant à ce que nous avons inventé en Corse, mais sans l'inventer, c'est-à-dire de relier donc une époque, un territoire et des pensées qui sont celles que d'émancipation, donc ça consistait à faire ces journées dans un temps suffisamment long, c'est-à-dire au-delà de 30 jours minimum, c'est-à-dire un vrai temps passé ensemble, qui pour l'instant ne pouvait se faire que dans la période estivale, parce que c'est là que les gens ont leurs vacances, un temps sur le volontariat pour certains, qui était de pouvoir séjourner sur un cinquième d'amateurs, pardon, du employés, c'est-à-dire des amoureux du théâtre, du langage, du texte, du mot, de la phrase, avec des gens expérimentés du domaine du théâtre, appelons-les les professionnels, mais le mot ne convient pas, Bernard l'a souligné tout à l'heure, ça nous sépare beaucoup, hein. En tout cas ceux qui pratiquent en permanence, avec des instructeurs, des instituteurs, redonner de la place au mot réel de l'institution, c'est-à-dire ceux qui instituent, les tuteurs, les capables de faire croître ces élèves, d'être les premiers auteurs de leur classe, par exemple. Les animateurs, on peut appeler les conseillers techniques et pédagogiques aujourd'hui, mais qu'on appelait avant les conseillers techniques, mais dans le domaine de la jeunesse et des sports, et puis les participants de pays étrangers. C'est-à-dire cinq catégories de gens qui représentent en fait le monde. Et les mettre dans un bain commun, ben de quoi ? De production symbolique, c'est-à-dire de prendre le langage, les langages, de la parole, des auteurs, de ceux qui nous augmentent, de la capacité à s'adresser à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a d'emblée la nécessité de la présence du public pour cela, hors d'un contexte marchand. C'est-à-dire que ça n'est pas un lieu de festival, c'est un lieu où on a un appel prononcé au public, où l'on dit « venez nous voir à tout moment et venez participer vous-même à ce travail », en lisant des textes
à voix haute sous un chêne, avec une personne expérimentée, ou plus ou moins, ou en tout cas quelqu'un qui va vous accompagner, parce que ce qu'on appelle production symbolique, c'est pas très complexe, hein, c'est juste refaire un acte extrêmement simple qui est celui-là, qui ne serait-ce que de prendre la parole, de relever la parole couchée, et de la dire, et prendre le temps de le faire. Il y a beaucoup d'endroits où ça peut encore, bien sûr, se faire, et puis ça ne peut que se faire davantage, puisque on sait que c'est une source de joie, de bonheur absolument essentielle, que de lire à voix haute à d'autres. Et savoir pour cela qu'il n'y a pas nécessité d'avoir une grande maîtrise, une grande connaissance. Si l'on est accompagné par quelqu'un qui voudrait la produire symboliquement, c'est-à-dire faire exister ce qui n'est pas présent, c'est-à-dire le mot est chargé de sens et de symbole, et il nous fait nous rejoindre, nous écouter. Vous tendez votre oreille, je tente avec mes mots de faire des images, de les choquer. Si c'est un auteur qui est puissant dans sa capacité à nous faire rêver, imaginer, ben là il se passe des choses entre nous tout à fait formidables, hein, qui existent. C'est le premier lieu du théâtre, c'est le premier cercle symbolique de celui qui reçoit et qui produit lui-même tout de suite de l'image, il est producteur. Quand on dit Bernard parlait tout à l'heure de l'œuvre œuvrante, elle commence là, elle commence avec le récit de celui qui raconte une histoire à l'autre et qui la fait naître dans son regard. Qu'est-ce qui se passe chez celui-là à ce moment-là? Il n'est plus sidéré, c'est-à-dire qu'il n'est plus pétrifié, il est dans le désir d'être augmenté. Il est dans le désir, et les regards que nous avons face à nous quand on raconte une histoire à quelqu'un, c'est tout à fait prodigieux, c'est lui qui vous donne toute cette augmentation, il vous la montre, il s'élève à ce moment-là. Et il y a entre nous ce champ symbolique, c'est-à-dire un serviteur d'un auteur, de cet octor, là. Il y a le récit, et puis il y a celui qui transforme le récit par quoi? Par son expérience propre, parce que personne ne va le recevoir de la même manière. Chacun sera singulier, et cet accompagnement symbolique, il est à la fois individuel et il devient très collectif, c'est-à-dire qu'on construit ensemble du symbole, mais surtout c'est singulier. Pas un ne le vit de la même manière. C'est ce qui doit se passer également dans la classe. Si quoi? Si l'intention est là, si l'auteur est suffisamment auteur de ses paroles, et si le récit est suffisamment symbolique, et qu'il ne soit pas que signifiant, c'est-à-dire pas des choses que l'on montre à l'autre, mais des choses qui se partagent et dont on sait qu'il y a une sorte de courroie de transmission qui nous relie les uns les autres. Alors, dans ces arbres multicentenaires, alors, il y a des arbres qui ont 7, 8, 800 ans, se sont mis à lire des humains, comme il y a 2, 3 000 ans, ou en tout cas 2500 ans sur, se sont mis à lire des humains, à d'autres humains qui ont pris la parole, y compris des gens qui savaient à peine lire. Mais tout compte fait, quand on est accompagné dans cette production-là, et qu'on comprend la phrase, tout simplement, le mouvement d'une phrase, sa phrase ascendante, protase, montée d'une phrase, comme ça. On arrive à la dessiner, alors qu'il y a un moment, c'est l'acné qui est vraiment en suspens, et puis la coda, c'est-à-dire la résolution de la pensée, à des gens qui n'ont pas beaucoup lu, qui ne savent pas forcément lire, parfois d'origine étrangère, qui n'ont pas la connaissance de nos phonèmes, de nos sons, il y a de la construction symbolique très très forte. De ça, on est passé vraiment à la construction du récit dans le jeu, dans l'espace, dans la théâtralité. Et on a fait du théâtre. Du théâtre dans ce que c'est le plus simple, c'est-à-dire du récit partagé avec la nécessité du public. Mais cette trilogie obligatoire, hein. Pour qu'il y ait théâtre, il faut qu'il y ait public. S'il n'y a pas le public, l'auteur et les acteurs, il ne peut pas y avoir théâtre. Des acteurs entre eux, avec des auteurs, ça ne fait pas théâtre. Du public avec un auteur, s'il n'est pas avec exigence proférée ou dit, il n'est pas théâtre. Donc ce champ symbolique a été reconstruit, ça fait 14 ans que ça dure. J'en viens au territoire. Là où ça s'est passé, c'est en région Corse, qui n'a pas été irriguée par la décentralisation culturelle. Le travail de la décentralisation s'est arrêté au TQM de Marseille. Peut-être des quartiers de Marseille. Ça n'a pas été en Corse, pour plein de raisons. Que je n'analyserai pas maintenant avec vous, mais qui existerait.
pourquoi est-ce que la Corse n'a pas, c'est le seul lieu de France qui n'a ni scène nationale, ni centre dramatique, ni lieu de convention majeure. Donc, avec la Picardie, il y a quand même la scène de la comédie de Picardie qui dépend de la région, c'est-à-dire qu'il y a une grande implication de la région. Ça, c'est au plan technique. La Corse n'a pas été irriguée par la décentralisation culturelle. Donc, dans ces tout petits villages de montagne, de 50 habitants, hein, cela a permis de maintenir l'école communale, le développement local qui a été totalement boosté, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Des milliers de gens sont venus à la rencontre de ceux qui étaient en train, c'est-à-dire les 150 dont Bernard parlait tout à l'heure, qui sont réunis pour faire ce travail. Des milliers de gens sont venus voir, c'est-à-dire appelés par quelque chose, comme c'est au sommet d'une montagne, peut-être qu'il y a aussi ce sentiment de monter, de s'élever, de savoir qu'il s'y passe quelque chose. Et depuis 14 ans, des élus très courageux, c'est-à-dire 4 communes de 50 habitants, 25 habitants, 8 habitants et 13, je crois, que je vais nommer, Olmi-Capella, Valiga, Pioggiola et Mausoleo, 4 petites communes d'une toute petite région de Corse, si vous allez sur Internet, vous verrez tout ça, ont décidé de projeter, vraiment, alors que les maires ont là aussi, au-delà des 70 ans, 15 ans, hein, de projeter pour un avenir qui était la formation des enseignants, des éducateurs, des amateurs et des professionnels. C'est complètement fou. C'est complètement fou. L'idée du développement local, pour ceux qui le ressentent bien, c'est une verticale inversée, si vous voulez. Au lieu de partir de l'Europe et de financer vers le bas, c'est-à-dire selon le thème un peu de Malraux, l'accès à tous et la démocratisation culturelle, si vous voulez, c'est-à-dire faire que chacun accède à la culture et d'apporter les moyens à ceux qui n'ont rien, ils ont prouvé sur place, ces habitants, qu'en devenant des lecteurs, que le geste était tellement fort et tellement puissant, sans jugement, sans compétition, sans aspect de production autre que symbolique, comme je le disais, tous ces gens venant voir et se mettant à participer et à faire une chaîne de solidarité, de contribution, donc, ils se sont mis à pouvoir construire des équipements tout à fait fabuleux. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit de l'Europe que ça descende, c'est eux qui se sont unis en 4 communes, intercommunalité malgré la petitesse démographique de ces villages, une association solide, dont je suis président, et avec donc ces gens du village, tous font partie, le bureau de l'association et tout ça, ce sont les gens du village, ont réuni l'intercommunalité, le département, la région, l'État, l'Europe, et ils ont financé pour 5 millions d'euros un théâtre en bois tout à fait fabuleux, comme Puissant, peut-être connaissez-vous l'aventure de Pochère à Puissant dans les Vosges. Un théâtre en bois, tout à fait extraordinairement technique, technologique, prêt à toutes les capacités technologiques également, mais en bois, de la montagne, avec une vraie pensée d'avenir sur l'écologie, sur le respect environnemental, sur l'enchâtaignier, un théâtre en bois tout à fait formidable. Au-delà de l'été, l'association s'est structurée, c'est-à-dire a pu nommer donc un directeur, une administration, il y a 6 permanents, et puis maintenant ça fonctionne toute l'année. C'est-à-dire qu'en ce moment même, il y a des stages comme vous, ici en ce moment. Et ce que nous avons essayé de faire, aussi dans la lignée de la réflexion de l'art industrialiste, à laquelle je suis extrêmement reconnaissant, tous les mots conceptuels que Bernard a pu construire entre nous, la notion de singularité, au plan mathématique, au plan philosophique, c'est-à-dire ce qui est un et indivisible, unique, face à la notion de particulier auquel nous sommes ramenés en permanence, tous les types de catégories qui correspondent à un monde qui nous segmente pour nous cibler davantage dans le monde consumériste dans lequel nous sommes, ce retour à la singularité, au travail du souffle, de la voix, de la lecture, de la capacité à produire, comme je le dis symboliquement, ça a développé ce que je viens de vous dire. Ça fait 14 ans, ça veut dire 150 à peu près participants par an, ça fait plus de 15 000 personnes qui sont 1500 pratiquants, on va dire, mais 15 ou 20 000 personnes qui sont venues là, participer à tout cela. Beaucoup d'enseignants aujourd'hui dans leur classe sont redevenus des instructeurs et des instituants, c'est-à-dire qu'ils sont capables de symboliser. Quand ils prennent la parole dans leur classe, je crois qu'ils sont vraiment auteurs. Ils embrassent notamment dans l'Académie de Créteil, où on a eu beaucoup de résultats formidables, on a été très suivi d'une part dans la mission de Jean-François. Tu parlais tout à l'heure, tu faisais allusion, et avec des amis Jean-Claude Alias, pour ceux qui ont travaillé avec nous dans la mission d'éducation artistique, c'est que cette
elle ne peut passer que par la formation réelle des praticiens que sont les instituteurs, encore une fois, ou les instructeurs, ou les éducateurs, parce que je continue à penser que c'est une mission d'éducation, et pas seulement les enseignants, c'est-à-dire ceux qui ont montré à leurs élèves. Et ce champ symbolique de devoir prendre la parole d'une certaine manière, penser qu'il y a une augmentation, un accompagnement de production symbolique de l'élève, ça change tout à fait le rapport du champ de l'école. Donc, ces poignées de gens qui sont venus, ça a formé des centaines d'élèves nouveaux, que je retrouve aussi, qui viennent dans notre aventure parfois, s'ils ont les capacités à le faire en voyageant un peu. Enfin, je sais que dans tout le territoire national, d'avoir mélangé professeurs, enseignants, éducateurs, amateurs, professionnels et participants des étrangers, toutes ces techniques du langage et de tous les langages ont été développées et ont permis de faire ce que je viens de vous dire sur les territoires de Corse. À cette suite, le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, m'a nommé, il y a quelques semaines, à la direction d'une institution. Alors, est-ce qu'il l'a fait vraiment dans une reconnaissance de cause absolue sur la pensée qui vraiment me tenaille, c'est-à-dire cette question d'émancipation, hein, en sachant que la réflexion que nous menons au cœur de l'art industrialiste sur la notion de destruction de l'institution par les institutions de programme, si vous voulez, sur l'école, qui sont détruites par les industries, etc., c'est quelque chose qui est très dans la lignée de Condorcet sur la déformation de l'opinion, tout simplement. Voilà, il y a la désindividuation dont on parlait tout à l'heure, qui est en route on sait qu'il faut un combat, pour ne pas dire une guerre. En tout cas, c'est un combat joyeux d'idées, avec des moyens et des méthodes. Donc, les Tréteaux de France, c'est un outil qui a été créé en 1959 par Jean Danet, pour lequel certains ont reçu une première rencontre avec le théâtre, c'est-à-dire un chapitre qui se déplaçait au cœur des régions. Ce que j'y vois comme intérêt, c'est que d'une part, c'est un centre dramatique national, donc c'est une institution, qui peut reconstruire de l'instituant dans cette destruction dans laquelle nous sommes et dont je parlais, en lien avec le monde de l'école, bien évidemment, en lien avec les associations d'éducation populaire et toute la pensée du temps hors temps scolaire à reconstruire, ce temps de la scolée, de l'osium, tel qu'on l'appelle ici, qui n'est pas le temps des gosses, hein, en tout cas, qui partage, comme nous le faisons là, de la pensée, et nous inventons ensemble une forge des arts et de la pensée qui va être ambulante. Ambulante et nomade. C'est-à-dire non pas itinérante, car mes deux prédécesseurs, il y en a que deux, Jean Danet et Marcel Maréchal. Pour Jean Danet, c'était dans les années 1959, dans le désir d'apporter à l'autre là où il était éloigné de la diffusion culturelle, dans une carte de France qui n'était pas équipée. Il n'y avait pas d'équipement culturel partout. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Il y a des lieux de culture à peu près partout. Et il y a des lieux de pratique culturelle, pas forcément de pratique artistique. On a fait la différence tout à l'heure avec Jean-François. L'éducation artistique et culturelle, qui se transforme progressivement en histoire des arts ou histoire de l'art à l'école, c'est un petit peu pour moi, et j'emprunte cette métaphore à mon ami Jean-Gabriel Carassou, c'est un peu apprendre l'histoire des nages au fur et à mesure des siècles, l'histoire de la natation, et ne plus aller à la piscine. Or, aller à la piscine, plonger, nager, que ce soit la brasse, le gros, ce qu'on veut, s'ébattre dans l'eau, exulter, exister, mettre hors de soi, pousser dans l'eau, toute cette expérimentation, cette pratique réelle, c'est irremplaçable. On ne remplace pas la natation par l'histoire de la natation. On ne remplace pas l'éducation artistique par l'histoire des arts. Et la question de pratique, j'y reviens pour Alain Giffard, pour tous ceux à réfléchir dans ce domaine, sur les questions des techniques de soi et de pratique, ça passe nécessairement par la pratique, c'est-à-dire l'exercice, aussi simple soit-il, de lire à voix haute, de se faire entendre en toutes circonstances lorsqu'on parle à l'autre, car l'autre est au cœur de la question, qui me met hors de moi, c'est-à-dire qui me fait exister, et me pousse chez vous pour soutenir votre attention. Si je ne prends pas compte de l'objet technique qui nous sépare, dont on a besoin uniquement en fait pour l'inscription dans les rétentions tertiaires, uniquement, hein, c'est-à-dire qu'on inscrit ça dans ces supports de la mémoire qui est une caméra
gens en train de nous filmer. Mais au fond, on s'en couperait volontiers, on s'en passerait sans problème, on serait en danger contre les lois. À quelques centaines de mètres à la seconde, ça percuterait votre parapente, et on arrive à synchroniser tout aussi bien. Mais l'objet technique peut tout d'un coup nous empêcher, parce que tout d'un coup, la voie de rencontre devient incompréhensible, crée un écran aussi. Voilà. Il faut le transformer en soin, parce que c'est plus confortable pour celui qui parle, et parfois même pour celui qui écoute. Et ce que nous faisons, de toute façon, c'est que nous symbolisons. Nous sommes ensemble à faire circuler, et je suis sûr que le mot que je vous transmets, vous le recevez. Donc je tiens compte de vous. Et l'autre est au cœur, systématiquement, de la question et culturelle et artistique. Que ce soit l'autre qui va être œuvré, ouvert par l'œuvre, qui peut être aussi soi-même. Cet autre qui existe parce qu'il est hors de lui-même au moment où il met hors de lui. Il existe étymologiquement. Et il n'y a eu de cesse, j'ose le dire, parce que j'en conçois peut pas tout à fait faire, enfin, moi, je suis un pied quand même dans l'institution, malgré tout. Bon, je pense qu'il y a une déconstruction de ce principe systématique. Une déconstruction dans le champ de l'école et dans le temps du hors-temps scolaire pour segmenter notre société. Si l'on coupe ce circuit qui existe entre nous, on est beaucoup plus fort pour provoquer nos opinions par des opinions étrangères à notre capacité à nous individuer, à nous singulariser, à recevoir, puisque nous ne recevons plus nous simplement. Et cette sidération dans laquelle nous sommes face à nos écrans, et ce besoin de désir, vous savez que dans l'art industrialiste, nous avons défini bien cette notion de désidération, de se désidérer, c'est-à-dire de se désidérer, pour désirer, pour ne plus voir l'objet de notre désir, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne le voit plus. Il est au-delà de nous. Et il nous fait exister d'autant plus, et surtout, il nous projette. Donc ce désir de projet individuel et collectif, je pense qu'il est très largement, en tout cas dans tout régime totalitariste, il est annihilé. Et produire des symboles, accompagné de la production singulière de symboles, ça me semble être un acte politique très puissant. Produire et accompagner de la production symbolique individuelle et collective. Par la pensée, comme le fait Ars Industrialis, c'est ce que vous choisissez de faire aujourd'hui dans votre temps libre, même si dans le sein de l'école plus que jamais, et dans la pratique, dans la réelle pratique. Dans la pratique dont nous avons une très bonne petite école aujourd'hui, dans la maternelle, ce qui fonctionne très très bien, mais qui se perd très vite, vous le voyez tous, pour ceux qui ont des enfants. On demande à notre enfant revenant quelle note tu as eue, pas qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important. Beaucoup de parents sont contraints d'être angoissés par le monde de l'école. Le monde de l'école est évidemment angoissant, et justement dans la région de Nantes à laquelle on parlait tout à l'heure, notre association en Corse participe à une aventure sur la naissance dans des hôpitaux de Nantes, où il y a une demande de ces publics qui sont venus chez nous assister à nos rencontres et puis progressivement qui ont partagé, ça sera ma conclusion aussi, sur la question donc de l'accouchement, qui voit croître en milieu hospitalier d'accouchement une grande angoisse. C'est-à-dire que tout d'un coup, les femmes sont supposées ne plus savoir accoucher. C'est quand même un geste plus que millénaire et universel, si vous voulez. Mais les femmes ne sont plus censées savoir le faire. Et il y a tout un aspect protocolaire, médical, plus la notion de rendement, y compris au sein hospitalier, au milieu hospitalier, où il faut produire un certain nombre d'accouchements dans la matinée. On en arrive à se dire qu'il faut que les médecins eux-mêmes pratiquent cette question symbolique, c'est-à-dire se dire qu'on est dans un autre temps, dans un autre rapport du souffle, par exemple, dans une capacité à ne plus être médicalisé immédiatement et pas nécessairement à la péridurale, voire la césarienne tout de suite. Mais que ce temps passé à déprolétariser la femme qui ne sait plus accoucher, elle ne sait plus accoucher au dire et au. Voilà, elle est assez médecin. C'est vrai que j'ai envoyé plusieurs personnes là-bas. C'est un constat, je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui travaillent dans le milieu hospitalier, c'est quelque chose qui est en train de monter. Donc je crois que cet enthousiasme de vivre à notre époque, on a remis totalement en cause pour des questions d'intoxication technique, au fond, dans tous les domaines, tous ces hypomnématas qui sont autour de nous, tous ces supports de notre mémoire, tous ces objets qui ont fait réfléchir Platon et les sophistes sur la question des outils, qui est
à nouveau de circonstances, mais c'est fantastique aujourd'hui avec ce que nous sommes en train de découvrir avec le numérique. Tout ce qui nous pousse avec ces objets techniques formidables vont être des sources d'invention si l'on n'oublie pas la chaîne première, c'est-à-dire le désir de symbole de l'homme face à l'autre, et son désir de proférer, je crois, de se parler. Que le langage reste un endroit de véritable partage. Il y a de l'avenir pour les théâtres, je crois, parce que tous ces écrans de sidération nous prennent beaucoup de. Nous intoxiquent trop. Donc on va se retrouver, on continue, à la fois qu'ici, il y a plein d'endroits, on voit à chaque fois que vous êtes au théâtre de la Colline ou ailleurs, le désir de se retrouver. Les lieux de théâtre comme en Corse, comme je l'ai exprimé, dans un lieu beau, qu'est-ce qui peut nous réunir au plan du patrimoine? C'est aussi de nous retrouver dans de beaux endroits. Et il y en a, on a la chance d'en avoir des fantastiques partout. Être dans un bel endroit, ça conditionne totalement notre état. Je parlais de la montagne tout à l'heure pour la Corse, ici. Si la volonté politique, c'est ma conclusion, est là, pour lutter concrètement contre les industries de programme, quel sera le courage d'un candidat à l'élection présidentielle de dire « je vais travailler avec les industries de programme », que sont la télévision, l'ensemble de la réflexion publicitaire, médiatique, etc. Par rapport à des taxations, par rapport à des façons d'agir, pour reconstruire et recréer du champ long, donc d'investissement, dans l'institution de programme qu'est l'école, l'organisation de notre temps libre, notre capacité à symboliser et à s'accompagner mutuellement dans notre production symbolique, individuelle et collective. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Et je pense que ça passe beaucoup par la formation. Et des luttes de formation. Vous pouvez être hésitant, vous pouvez être un peu catastrophiste aussi, je comprends, mais j'ai envie de vous donner une note. Je vais faire 700 km dans la journée. Je retrouve demain le Théâtre National Populaire de Villeurbanne où j'ai la chance de jouer. Ma première production des Tréteaux de France, c'est de construire avec le Théâtre National Populaire, qui est dirigé par Christian Scaretti à Lyon, une œuvre qui est à Ruy Blas de Victor Hugo. Je rappelle que Ruy Blas a été écrit par Victor Hugo pour la création du théâtre de la Renaissance. De la Renaissance. Au moment où il voulait rassembler les publics, où il y avait à Paris des publics totalement dissociés. Celui de la Comédie Française, hein, une institution qui était. Il faut lire les articles de l'époque critiques sur la Comédie Française en 1830. Hein, et puis le chant des boulevards, enfin, du cri des autres, c'était le mélodrame qui passait par le bordel, c'est-à-dire qu'il y avait une économie libidinale là aussi très très en exercice, mais qui pouvait être aussi en déperdition. Il y a une grande maladie, vous vous souvenez, hein, la maladie vénérienne, etc. Et puis, la création du théâtre de la Renaissance, avec quoi? Une œuvre qui va raconter comment un gars de la plèbe va tenter, mais sans réel projet, parce qu'on est juste au moment des révolutions et de l'après-grande révolution, de la terreur, il est en train de tenter de monter à l'aristocratie du pouvoir. Il essaie d'obtenir, c'est Ruy Blas. Il ne va pas y arriver parce qu'il n'a pas de projet, tout simplement. Il est juste dans la souvenance de Charles Quint. Alors, Hugo, comme il est attaqué par la critique, qui ne peut pas agir, il va situer ça en Espagne, hein, c'est pour ça que ça se passe en Espagne du XVIe siècle. Mais commencer au TNP avec une histoire qui est l'histoire de la langue française en vers, le vers c'était quelque chose qui permettait un contenant à une évaporation possible, si vous voulez. Le vers français il permet d'avoir une forme assez forte, et c'est très intéressant sur ce que je disais sur la question de la syntaxe et de la protase, c'est-à-dire la montée de la pensée, et puis un moment climax. Descendre de la pensée, le vers est très très utile pour la construction de la pensée. Donc il s'adresse au peuple, Victor Hugo, au théâtre de la Renaissance, au peuple. C'est lui qui écrit pour la première fois le mot de théâtre national et populaire dans la préface de Marion Delorme. Et universel, ajoute-t-il. C'est-à-dire qu'il veut réunir. Il veut réunir tous ceux qui sont déjà segmentés. On est en 1830 et ils ont les mêmes problèmes que nous. Là, c'est le livre. C'est le livre qui est intoxicant souvent. C'est la religion qui est très très présente. La laïcité n'a pas fait son travail encore, et l'émancipation, le Hugo des années 1860-70, va nous en parler davantage. Mais on est à l'aube de quelque chose. Donc commencer avec ce théâtre, c'est ce que je fais dans ma répétition, pour un public nombreux qui va venir, à Villeurbanne, et puis j'irai dans toutes les régions, peut-être que je voudrais vous voir, auprès de vous, pour vous raconter, Ruy Blas, si vous le souhaitez, comme je le disais, et symboliser. Dernière petite chose, le deuxième thème des Tréteaux de France,
C'est au lieu que ce soit itinérant, c'est nomade. C'est-à-dire que ça s'installe un temps avec le territoire où nous allons. Et dans ce temps-là, il y a, selon un thème qui serait par exemple l'appel provoqué par l'avenue d'un spectacle, il y a une réponse qui est sollicitée, qui est une réponse de territoire, où en amont, des auteurs sont venus sur une région, sur un territoire, mais un territoire, ça peut être une région, un département, mais aussi une usine ou un lieu, voilà, indéfini, où il y aura de la production singulière, symbolique, qui aura été construite, en mêlant un ou deux auteurs des traiteurs de France avec un ou deux auteurs bah, de Marlac, ou de Saint-Gaude, ou d'un village, qui aura inventé des choses. Parce que je crois à cette singularité du récit qui ne peut pas être le même dans aucun territoire, car on ne vit pas et on ne souffre pas de la même manière à Lille, à Marseille, à Strasbourg ou à Brest. On ne peut pas raconter les mêmes choses. On n'a pas la même histoire, on n'a pas le même patrimoine, on a de la singularité à développer. Cette conversation possible entre les traiteurs de France et un territoire, et puis ensuite les traiteurs de France rapportant dans une autre région ce qui aura pu être du récit singulier d'un territoire à un autre territoire, peut provoquer dans notre pays des conversations. Donc j'aimerais beaucoup, avec le projet d'Ars Industrialis et son thème, mettre en pratique le plus possible, par des actions extrêmement concrètes, de formation, de diffusion et de production. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et puis il y aura une présentation des...